Ça va super, on se retrouve ce soir pour un tout nouveau stream. Ce soir, c'est le stream Dragon Ball Z, les amis. La mise à jour a eu lieu aujourd'hui. J'ai d'ailleurs sorti une petite vidéo, les amis, pour ceux qui ont activé la cloche. Vidéo où on découvre toute la mise à jour qui était vraiment super cool. Vous avez adoré la vidéo, les gars, ça fait vraiment plaisir. Comme d'habitude, si vous voulez que je laisse la rediff du live, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait plutôt plaisir. Je suis grave content de vous retrouver ce soir en live, les amis, car on va pouvoir tester, comme je vous l'ai expliqué, la collaboration avec Dragon Ball. Et honnêtement, les amis, j'ai joué en vidéo pour découvrir en mise à jour, et j'ai aussi joué hors vidéo énormément. Je crois que j'ai un peu augmenté, énormément, j'abuse un peu, mais j'ai quand même un peu amélioré le pass de combat. D'ailleurs, j'ai appris qu'on pouvait acheter des paliers. Bon, c'est un peu inutile en vrai, on va pas le faire, mais si ça vous intéresse, vous pouvez acheter des paliers. En tout cas, aujourd'hui, les gars, on va tester pas mal de choses. On a le Kamehameha à tester, on va tester de faire double Kamehameha, de faire plein de trucs. Honnêtement, ce stream va être super cool. Et bien évidemment, les gars, je n'arrive pas en live les mains vides. J'ai une surprise pour vous, les frérots. La surprise, il y a une heure précise, donc pour ceux qui veulent ne pas louper la surprise, vous pouvez mettre une petite notif sur votre téléphone. Ce sera à 1h du matin, les gars, 1h avant la boutique, il y aura une petite surprise. En live, voilà les gars, moi j'en dis pas plus, restez bien sur le stream. Petite surprise des familles, on va dire bonjour aux abonnés qui arrivent sur le live. Yo, je vais vous mettre la boutique, vous savez quoi, pendant que je dis bonjour aux abonnés, je vais vous mettre la boutique parce qu'il y en a, ils ont pas vu encore les boutiques. Oh là, c'est beau, la boutique elle est belle honnêtement. On va dire bonjour à tous les abonnés, yo FTN, yo Portjumper, le BG, yo Aline, yo Soso, yo Dark V2, yo Mathieu, yo Crit, yo Lizzie, yo Franck, yo Nathan, yo Philippe, yo Marie, yo Sleazy, yo Asia, yo Gouko, Aman, Zodiac, Monsieur Poulet, les gars, j'espère que vous allez tous super bien, vous êtes beaucoup à mettre bonjour, ça fait plaisir. J'ai eu aussi énormément de messages sur Instagram de tous ceux qui achètent le pack avec le code PJP dans la boutique. Merci beaucoup les frères, vous avez été déjà plus de 300 à acheter des skins. J'ai un peu, honnêtement les gars, tous mes DM Insta, vous les avez tués, donc merci à ceux qui m'envoient des petites preuves, ceux qui achètent avec le code PJP, ça fait plaisir. On est bientôt 50 000 soutiens en plus, c'est énorme, vous êtes bientôt 50 000 à me soutenir, c'est un truc de dingue les frères. Donc merci à ceux qui mettent le petit code PJP, vous cliquez sur accepter, minuscule ou majuscule, et pour me soutenir vous pouvez acheter quelque chose de la boutique si ça vous plaît. Et honnêtement les gars, moi je l'ai dit en vidéo, j'ai acheté que ce pack. Mais je suis chaud que si on fait top 1, si je fais top 1 les amis, j'achète, je le dis, le deuxième pack. J'ai pas encore joué Beerus. Donc on va faire une game avec Goku et ensuite on fait une game avec Beerus, je l'ai pas encore testé. Merci Axolotli, merci pour tes 5 euros, j'ai une surprise pour toi, invite. Je vais t'inviter frérot, y'a pas de soucis. T'es le premier qui demande, on va t'inviter, let's go. Oh il a mis le skin Goku lui aussi. Vas-y Kota, je te mets chef, tu mets le mode de jeu, hop. Let's go frérot. Et on va aller faire du Battle Royale Dragon Ball. Bon, déjà, je compte sur vous le chat, une petite note sur 20. Une petite note sur 20 de cette mise à jour, qui est pour moi un réussite de la part de Fortnite. Bon, c'est vrai que ça faisait 3-4 semaines que Fortnite n'avait pas sorti de mise à jour. Hein. Ils étaient un peu... ils n'avaient pas fait grand-chose, mais ils étaient en vacances. On ne va pas leur en vouloir, ils étaient en vacances. Voilà, chaque année, et puis qu'ils prennent leurs vacances, c'est plutôt normal. Donc ça veut dire qu'il y a moins de personnes qui travaillent. Enfin, il n'y a presque plus personne qui travaille sur le jeu. Et c'est comme ça. Du coup, bon... C'est vrai que là, ils sont revenus, encore heureux qu'ils sont revenus avec quelque chose d'incroyable. Par contre, pourquoi ça l'a pas invité? Hop. Ouais, donc en vrai, c'est plutôt cool. En plus, surtout qu'il y a les... Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, les gars. Oh là là, Sharon, ça va être insane, les gars. On va pas mal s'amuser. Hop. On va vite lancer la game. Vas-y, Yellow Yak, faut qu'il mette prêt, mon frérot. Merci, Nino, pour ton moment. Merci, mon gars. Je vais parler dans le jeu. Comme ça, ça va être plus simple pour lui. Hop, micro ouvert. Allez, faut mettre prêt, les gars. Mettez prêt dans mon groupe. On est parti les gars, et si je fais top 1, j'achèterai le pack avec Vegeta. Même si j'ai pas encore joué Beerus, j'essaierai de le jouer juste après Beerus. C'est vrai que Beerus, il a l'air stylé quand même. Beerus, il est vraiment hyper stylé, Beerus. Ah les gars, je pense que je vais le jouer juste après là. Je joue Goku et ensuite on le joue. Merci Sacha et merci mon gars pour tes 5 €. Je peux venir jouer avec toi. Donne-moi ton pseudo mon ref et je pourrais t'inviter à la prochaine game comme t'es la deuxième personne à m'avoir demandé. Ok, la game se lance. Honnêtement les gars... D'ailleurs, j'ai appris un truc aujourd'hui, donc je ne l'ai pas dit dans ma vidéo, voilà, parce que j'étais pas... D'ailleurs, merci à ceux qui like le stream, il y a bientôt 400 likes, vous êtes vraiment super rapide pour les pouces bleus, merci beaucoup les gars, ça fait plaisir. Mais je ne l'ai pas dit dans ma vidéo, attendez, je vais bien mettre la cam, parce que la cam, je la trouve pas très bien mise. Hop, je ne l'ai pas dit dans ma vidéo aujourd'hui, mais il y a des distributeurs les gars. Il y a des distributeurs pour acheter les pouvoirs. Mais alors là, quand j'ai vu ça, j'ai pété mon crâne. Alors c'est aléatoire, je crois, le spawn, mais il y a bel et bien des distributeurs les gars, donc ça c'est incroyable, je sais pas si vous étiez au courant. Mais c'est trop bien. Merci pour ton message, Tanjiro, merci mon frérot. Je valide de fou la mage, j'ai acheté en plus un skin. Ah, mais en vrai, les gars, je pense que tout le monde va acheter un skin. Hein. En vrai, c'est très rare, mais là, je pense que tout le monde valide la collab. Enfin, je sais pas comment expliquer, genre, ils ont tellement travaillé le truc. Je trouve que c'est un level au-dessus de Naruto. Je trouve vraiment que c'est un level au-dessus de Naruto. Code PJP pour pêcher sa crush. Merci, Nimo, merci frérot, t'es un crack, merci mon gars. T'es mon gars. Bon,
Moi je suis chaud, on loot à Lazy Lagoon, c'est le nouveau spawn. Moi je suis chaud, après, attendez, on loot là-bas et ensuite il y a un défi. Parce que là on est là aussi, vous l'avez vu, pour débloquer les récompenses gratuites. Donc dans les récompenses il y a énormément de tout ce qui est skin et tout gratuit. Il y a un skin de planeur, il y a un skin d'émote à gagner, il y a des skins de camo, etc. Il y a plein de cosmétiques à gagner les gars. On va vite essayer de les débloquer. Et il y a aussi le skin du dragon les gars là, il est incroyable. Comment il s'appelle? Le planeur Sharon, je sais pas comment on dit. Mais bref, vous avez compris, le dragon vert, il est trop beau. Il est beaucoup trop beau, les gars. Ok, let's go. En vrai, c'est que là, les gars, moi, je valide le fait qu'il y ait... Comment expliquer? Que Lazy Lagoon, c'est devenu... En fait, c'est trop bien, genre. Les bateaux pirates, moi, je kiffais déjà. Il y avait ça à la première saison du... Premier chapitre de saison 8. Premier chapitre de saison 8, c'était incroyable. Merci, mon gars. J'ai acheté un skin avec ton code. Merci, frérot, d'avoir acheté un skin avec le code PJB. C'est la zouve. Merci mon gars, je vais t'ajouter un ami pour te remercier. Hop. Merci mon gars. D'ailleurs les gars, vous savez qu'aujourd'hui, pour ceux qui ont vu la vidéo, j'ai mis deux codes V-Bucks dedans. Ça m'arrive rarement de faire ça les gars. Là j'ai plein de codes V-Bucks à vous donner en plus. Mais c'est surtout que je savais qu'il y avait la collab. Du coup je me suis dit, allez, j'offre 2000 V-Bucks dans la vidéo. Comme ça ils peuvent tous s'acheter un skin. Enfin tous, ils peuvent, enfin les deux premiers qui regardent la vidéo. Parce que forcément, les codes ne marchent qu'une fois les gars, hein. Ça paraît logique, mais au moins, il y a deux abonnés qui sont actifs, qui ont eu les codes, qui ont eu 1000 V-Bucks, et ça me fait plaisir. Parce que tu vois, c'est normal, les abonnés, c'est les premiers qui regardaient la vidéo et les premiers qui activaient le code, donc ça veut dire que c'est les plus actifs qui ont gagné les V-Bucks. Après, j'espère juste une chose, c'est que ce soit deux abonnés différents. J'espère pas que en mode, il y a, ce soit la deux fois la même personne qui ait gagné les V-Bucks. Ce serait un peu chiant ça en vrai. Ce serait un peu chiant si c'est deux fois la même personne. Mais bon, après, dans tous les cas, bénef à lui, hein. Dans tous les cas, ça veut dire que le mec a été rapide, donc bénef, tu vois. Hop. Bon, les gars, moi, il y a un défi. Il y a un défi qu'on doit faire. C'est visiter la maison de Goku. Est-ce que c'est la maison de Goku, le chat, là? Comment elle s'appelle? C'est la Kame House. On doit visiter la Kame House. Je te suis depuis tes 450 000 abos. Merci, mon gars. Merci beaucoup d'être abonné à la chaîne. Il faudrait que Epic fasse une collab avec My Hero Academia. Je sais pas, les gars. Moi, honnêtement... Moi je trouve là les collaborations elles sont gérées car Naruto c'est un gros animé, Dragon Ball aussi. Après les prochains sur la liste selon moi c'est soit One Piece s'ils ont les droits. Merci Noé pour tes 1€ ou Attaque des Titans. Après My Hero Academia pour moi c'est pas assez connu, il n'y a pas assez de trucs derrière tu vois. C'est trop vide. C'est trop vide My Hero Academia comparé, comparé aux autres collaborations comme Naruto et Dragon Ball, genre ça va flop. Genre ça va forcément être moins bien, moins... Ça va pas être nul non plus tu vois, mais ça va être bof tu vois, vraiment pas ouf. Donc je pense que un One Piece et un Attaque des Titans, ça peut mettre au même niveau, tu vois, ça peut être vraiment être une masterclass. Bon par contre les gars, elle est où la maison? Je cherche la maison, est-ce qu'elle est... Oh elle est là-bas! Oh les gars, la maison elle est là-bas, let's go. Merci mon gars pour tes 1€ MB5, merci mon ref. Merci mon gars, merci beaucoup. Merci à ceux qui like le stream aussi, on a déjà 500 pouces bleus. Vous savez quoi? Allez, je vais remercier 10 personnes qui ont mis un like. Donc là vous avez 10 secondes pour mettre votre pouce bleu. Non vous savez quoi, 3 secondes, 3, 2, 1, vous mettez plus 1 dans le chat tous ceux qui ont liké. Je lis 10 pseudos, 10 pseudos aléatoires. C'est déjà beaucoup en vrai. C'est déjà beaucoup. Elle est là-bas, la Kame House. Vas-y, retirez votre ping, les gars. Retirez votre ping, comme ça, on va bien voir la maison. Allez, ok, il y a des plus 1. Il y a Neyox, ETH, Fatima, Jibeli. Ouah, les gars, vous êtes en train de tuer mon chat, là. Vous avez tous mis vos pouces bleus, là. C'est bon, là, en fait, je vous ai réveillé. Je vous ai réveillé. Il y a Timéo, Noé, Quentin, Arnaud, Yassin, Charles, Milk. Ouais, vous êtes en train de tuer ça. Tinder, Dorian. Allez, ça fait 10. Allez, ça fait 10. Enfin, j'en ai fait un peu plus de 10, mais voilà. Ils ont mis la Kame House. C'est incroyable. Ah, mais du coup, les gars, attendez. C'est un texte. Non, c'est vraiment le... C'est vraiment un build très spécifique. Il y a vraiment la Kame House. C'est incroyable, les frères. Ah, c'est comme ça à l'intérieur. Ah, c'est comme ça à l'intérieur. En vrai, elle est petite, hein. Kota, wesh, pourquoi tu viens... Kota, wesh, pourquoi tu viens dans mon lit, là? Kota, wesh, non mais les gars, Kota, wesh. Wesh, que... Oula, oula, le lit il est agité, frérot, là. Le lit là, direct, on commence à danser dessus, frérot. C'est bizarre là ce qui se passe. C'est bizarre, frérot. Ok, la zone elle arrive. Mec, en vrai, c'est chillé la maison. Elle est chill. Genre, j'ai fait un mélange chillé. C'est chillé. Oh, c'est quoi ça? C'est quoi ça? 100 balles. Téma, il y a un truc, Kota, viens payer. Viens payer, j'ai pas envie de dépenser mon gold. C'est quoi ton anime préféré? J'ai pas vu beaucoup d'animés les gars, donc j'ai pas d'anime préféré. Malheureusement les frères, je n'ai pas d'anime préféré. J'ai pas vu beaucoup d'animés, donc j'ai pas d'anime préféré. Mais non, c'est bon, dépense plus ton gold. En fait c'est nul en fait, je pensais. Oh, y'a un perso Bulma. Mais non, Bulma PNJ. Oh, Kota,
Kota, est-ce que j'achète? Le chat, est-ce que j'achète? Wesh, ouais, Bulma, ah ouais, Bulma aimait bien. Ah, Bulma, frérot, bon, c'est un peu cher, mais... Bulma, oh, il a fait... Ah, Bulma, elle danse pas. Ah, Bulma, elle fait la gueule. Merci, Furus, pour tes 2€, frérot, je vais t'ajouter tout de suite, hop, et ensuite, je vais aller en zone. Vas-y, bah, je vais payer Bulma, hein. Oula, c'est bizarre dit comme ça. On va juste payer des cosmétiques à Bulma. Qu'est-ce qu'il y a? Mais non, mais vas-y, prends-les, frérot, tu vas t'amuser aussi. Vas-y, je suis pas un schlag. On n'est pas des rats, on n'est pas des rats. Vas-y, garde-les, frérot. Hop, je m'achète un. On peut en acheter plusieurs en plus. Incroyable. Allez, vas-y, vas-y. Non, tu fais quoi, Bulma? La maison, wesh! Oh le rat! Il a tué la maison de Goku! Oh non! Ah frérot, elle fait la gueule la maison. Merci PZ Zombie pour ton nom, merci beaucoup, ça régale. On met des gros G pour PZ Zombie le chat. Bon allez vas-y, viens, on décale en zone frérot. Oh, il a tué la maison de Goku. Il a tué la maison de Goku les gars. Et il a tué ça. Merci à ceux qui s'abonnent au passage, on est en route vers les 900 000 abonnés les gars. En route vers les 900 000. J'ai plus d'argent là. Ah mais PZ Zombie, tu prends des membres aussi. Te ruine pas. Mais merci pour ton nom, ça fait plaisir. Ça fait super plaisir. Bon les gars, en tout cas, je vois que tout le monde a kiffé la collab. Je remercie encore une fois ceux qui mettent le code PJP dans la boutique pour acheter les skins, les gars. Ça, ça me soutient énormément, les frérots. Et je le répète, vu que vous êtes beaucoup sur le stream, d'ailleurs, on n'a pas les 1000 likes. Comment ça se fait qu'on n'a pas les 1000 likes? Ça, je compte sur vous. Mettez les 1000 pouces bleus. Vous êtes capables. Mais je répète qu'il y a une surprise à 1h du matin. Surprise que vous allez kiffer. Surprise que vous allez kiffer car il y a des V-Bucks à gagner. Il y a des V-Bucks à gagner à 1h du matin. Et quand je le dis, c'est vrai, vous allez tous pouvoir participer pour gagner ces V-Bucks. Et ça va être cool car en réalité, ça va vous rembourser des skins. Ceux qui ont déjà payé des skins, ça va vous rembourser des skins, donc ça va être cool. J'en dis pas plus sur la surprise. La surprise est à 1h du matin et faut avoir lancé son Fortnite. Voilà, faut avoir le Fortnite de lancer. Donc si vous pouvez jouer à 1h du matin, les gars, restez bien, mettez une petite notif sur votre téléphone. Soit vous restez sur live, soit vous revenez sur live. Mais grosse surprise à 1h du matin, j'insiste bien là-dessus les refs, c'est très important. Surtout que, comme je le répète, c'est une super surprise car il y aura des V-Bucks à gagner. Oh les gars, regardez-moi ça, c'est trop stylé, on flex en vrai hein. Le planeur il est vraiment flex. Moi je propose un truc les gars, dès que je fais un kill je me transforme en Saiyan. En Super Saiyan mode. Voilà, pour moi j'ai fait aucun kill donc on va rester comme ça. Merci Ethan pour tes 1€, merci mon gars. Oh, dinguerie les gars, venez on fait une skybase. Ah, skybase avec les pouvoirs et tout, ça va être trop bien ça. Je pense qu'il y a moyen de faire des petites dingueries. Vas-y Kota, farm du build avec moi frérot. Là je compte sur toi, tu farmes vraiment bien du build. Et garde des pouvoirs de caméra. Viens, on essaye de pas les utiliser. On va les jouer en skybase. Oh, attends, il y a un joueur. Attendez. Attendez. Trickshot le chat. Trickshot. Oh mec, on peut faire des trickshots de ouf. Non, attends, Yellow Yak. Viens, on essaye de trickshot. Ah, il veut le tuer. Oh, ok, bah c'est pas grave, il l'a tué. Oh, dinguerie, mec. Mais attendez, mais les gars, ça va être... On va être en mode trickshotable, là. On va être en mode... Ça va être incroyable. J'ai acheté le pack Goku. Merci frérot. Oh, on peut mettre dans la tente? Non. Oh, il a mis l'orbe dans la tente. Attends, j'achète. J'achète une tente. J'achète une tente moi aussi. Hop. Putain les gars, incroyable, on peut ranger dans la tente. Ah merde, j'ai pas de place. J'ai pas de place dans la tente les gars. Et attends, t'as le sabre laser? C'est où? C'est quoi ça? Mais what? Ah mais je crois, attends, c'est... Ah mais si, je l'avais avant, mais je l'ai perdu. Ok, si, je l'avais déjà vu. Oh, il en a deux. Ah ouais, le gars, il a pas le temps. Eh, moi, j'ai envie de faire... Moi, j'ai envie d'avoir le sabre laser. Mec, venez, on obtient le sabre laser avec le pouvoir de dragon. Les gars, il nous faut le sabre mythique, les gars. Il nous faut le sabre mythique de Vador, là. Moi, je le veux de ouf. Oh, c'est quoi, ça? C'est rien. Attends, j'ai entendu ce que j'ai entendu là. Oh Kota. Oh mon petit bébou. Viens là, donne-moi ça là. Donne-moi ça mon gars. Merci frérot. Mais non mais les gars, j'ai le meilleur stuff mythique. J'ai le meilleur stuff mythique les gars. À tout moment, regardez ce que je peux faire. Je peux faire hop. Je désactive. Oh, attendez, je désactive, hop. Coup de sabre là dans les airs. Bon, si je suis en skybase, ça peut rendre bien. Vas-y Kota, je prends soin de ton sabre laser, c'est promis. Oh, attendez, j'ai une idée, le chat. Oh, wesh, regardez. Mais c'est super rare ce qu'on a là. Et moi, je propose un truc, les gars. Attendez, je vais faire un truc. Je vais faire un truc tout de suite et je vais aller récupérer une bulle que je vais mettre dans ma tente. Vous allez capter, attendez, je vais vous montrer.
Je vais aller récupérer une capsule. En vrai, là, s'il y a des joueurs, je kifferais, hein. Ça fait un petit free kill, là. Je peux utiliser les pouvoirs comme ça. Hop, je vais tomber ici. Je vais ranger dans ma tente le pouvoir. Hop là. Est-ce qu'on peut en stocker plusieurs expériences? Vraie expérience, en vrai. Vraie expérience. Attends, hop, on va faire un plateforme. Bon, là, du coup, on récupère. Est-ce qu'on peut en mettre plusieurs dans sa tente? Ah non, on peut pas... Oh, le schlag! Mais il est sérieux, lui? Tabassez-le. Non, les gars, j'ai plus de tente. Attendez, vous avez une tente ou pas, les gars? En vrai, j'ai eu le temps de le ranger, mais c'est chiant. On a plus de tente, là? T'as pas... Oh non, je crois qu'il a pas gardé sa tente. On a plus de tente, les gars. Aïe, caramba. Oh, t'en as une, vas-y, j'achète. Let's go. Oula, mon gars, fais gaffe. Vas-y, les gars, go farmer du build. Go du build. Moi, je vais aller faire des kills à tilted pour la commu, là. Pour le... Yeloyak et Kota, faites-moi du build, là, je compte sur vous. Je vais essayer de tuer quelques joueurs, les gars, je vais vous montrer mon skill avec le pouvoir. En vrai, ça va, j'ai un petit niveau. Hop. Allez, les gars, là je fais comme si j'étais un vrai Saiyan. Je regarde l'horizon. Y'a personne, en fait. C'est quoi, l'horizon, il est nul. Ok, y'a quelqu'un. J'active le pouvoir. C'est pas ça, c'est ça. Allez, let's go. Mais... Ah, les gars, c'est très satisfaisant ce qui se passe là dans ce live. Vas-y, on le tue, frérot. Hop. Let's go. Oh, attends, moi je veux bien ça. Hop, j'ai bien me régalé. Miam. T'as des balles de snipe ou pas, Yeloyak, s'il te plaît? Nouveau caméa. Let's go. Mec, on a fait un double caméa, bien. Incroyable, mon gars. Je veux bien tes balles de snipe si t'en as. T'en as? Je crois qu'il en a pas. Ah, j'avais dit déjà à chaque kill je me transforme. Ok, transformation, première transformation. Ok, première transformation. Oh, vas-y, viens, on fait un petit échange, t'en as plus. Et deuxième transformation. Ok, chaque kill je me transforme, les gars. À chaque kill, le challenge c'est de se transformer, ça peut être cool en vrai. Encore un joueur? Attendez, vous l'avez vu. Il est dans le bat, attendez. Par contre, Yeloyak, faut que t'ailles farmer du build, frérot, là. Ah non, quoi que j'ai beaucoup de build en vrai. Non, niveau build, ça va, on est bien. Je sais pas où il est, le mec. Bon, en vrai, venez, on va en zone, on va se déplacer en zone. J'aurais bien aimé récupérer une capsule, car j'ai plus trop de pouvoir. Oh, attends, y'a un joueur, là. Kamehame. Oh, frérot, lui, ça se voit, il a pas mis son pouce bleu. Les gars, tous ceux qui ont pas liké le stream, prochaine game Fortnite, vous allez vous prendre un Kamehameha, mais à moins 200. Oh, Kota, what? T'es masque que t'as fait, tu l'as mis où? Oh, frère, y'a une chance sur 1000 pour que ça arrive, un truc comme ça. Mec, il me tire dessus, là. C'est qui, wesh? Mais tu le vois? Il est où? Attends. Même pas de Kamehameha, frérot. Hop là, sabre laser. Comme à l'ancienne. Voilà. Le sabre laser, les gars, ça marche tout le temps. Mec, les gars. Ah bah, du coup, j'ai fait un kit de transformation. Est-ce que vous connaissez le nom de cette transformation, le chat? Parce que moi, vous avez vu, moi, j'ai pas vu Dragon Ball. J'ai vu très peu quand j'étais petit. Très peu. Quand j'ai très peu, genre, ça se compte à 2 épisodes max. Et pourtant, je connais le nom de ça. Genre, de cette transformation. Dites-vous, les gars, j'avais 10 ans, je crois, quand j'ai vu les 2 épisodes. Bah, vas-y, viens, on fait un échange. Mais essaye quand même de trouver une petite capsule pour toi, frérot. Comme ça, t'es full quota. Vas-y, moi je propose, les gars, on commence à skybase. Vas-y, Yeloyak, faut que tu viennes avec nous parce que toi t'as l'habitude de pas venir de base. Wesh, Kota il fait des kills. Oh, il a envoyé un mec en zone. Kota, t'es trop chaud, frère. Attends, lui je le déglingue. Oh, grosse tête, mon ref. En vrai, la game se passe plutôt bien, les gars. Merci à tous vos pouces bleus au passage. Je viens de voir qu'on vient de passer les 1000 likes. Vous êtes trop chaud, le chat, vous êtes vraiment chaud. Non mais frérot, il s'attaque aussi à moi, frérot. Regarde le skin que j'ai. Bon allez, ça mérite une petite transformation. Hop là. Bon allez, montez, les gars. On va commencer la sky. Par contre, les gars, le Kamehameha, faites Belek, le prenez pas en main là. Faites attention. L'ultra instinct. Voilà, les gars, vous connaissez le nom. En gros, la transformation que j'avais juste avant, c'était ultra instinct.
Je viens d'oublier mon pouce bleu, je l'ai mis. Merci beaucoup Anonymous Man, merci frérot. Merci Ethan pour tes 1€, tu régales. Code PJP, merci Tanjiro, gros dédicace à toi frérot. Gros big up à tous ceux qui mettent le code PJP les gars, vous me soutenez énormément. Alors là frérot. Alors là, non. Non. Bon bah c'est pas grave. On n'a pas le truc. Non mais par contre Yeloyak, faut que tu viennes frérot. Oh non, le relou il a cassé, vas-y 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 vas-y. Oh Yeloyak, je t'ai dit tu suis frérot, là tu vas nous faire perdre du temps sinon. Let's go, le goat ça va. Ça va et toi YZ, merci pour tes 4 mois. Ah mais frérot là, karma aussi Yeloyak hein, je sais pas ce que t'espérais mais... Attends. Par contre les gars, on est bientôt, on est en top 2 là. Vas-y viens on le réanime. Hop. Ça me fume, il y a Goku qui réanime Goku les gars, ça n'a aucun sens. Bon vas-y vas-y, suis-moi les gars là. Suis-moi bien là cette fois-ci. Yeloyak, tu ne n'utilise pas ton pouvoir frérot, ça va tout casser. Merci Imran d'avoir mis le code PGP, merci mon gars. En plus Imran, je te connais, t'es un abonné très actif toi. Toi ça veut dire que je te fais confiance, t'as vraiment mis le code PGP frérot. Allez, on va en zone. Par contre les gars, ce qui serait ouf, c'est qu'on ait un événement Dragon Ball. Parce que là l'événement a commencé, en gros la collab plutôt a commencé. Merci Ethan pour 1€ mon gars, merci beaucoup. Mais imaginez le... Non mais Yeloyak, t'abuses, il est pas venu. Non mais Yeloyak, t'abuses frérot. Viens en zone. Non mais Yeloyak, j'ai peur qu'il fasse les kills. Faut pas qu'il fasse les kills là. J'ai envie de faire une skybase. Viens Yeloyak, ou soit tu meurs de zone, soit tu montes en skybase Yeloyak. Sinon mec, ça va être horrible. Soit tu te laisses mourir de zone et t'es en spec sur nous, soit t'arrives à monter en étant discret, t'as vu. Je suis encore en vacances. Désolé mais j'ai mis le pouce bleu. Y'a pas de soucis frérot, merci de passer sur le live, en tout cas t'es un crack mon gars, t'es un crack. Oh what? Oh ton nuage était bugué mec. Hop. Ah je tente un nouveau style de skybase les gars. Bon on va quand même monter hauteur max. Je crois qu'il nous a ping les ennemis. Moi je serais chaud de faire une expérience. Ah bah moi je te conseille de te laisser tuer Yeloyak. Je te conseille de te laisser tuer. Comme ça t'es en spec sur nous et tu vois ce qu'on fait. Parce que là comme t'as pas pu venir. Déjà est-ce que je range le... Moi je pense que je vais ranger ça à l'intérieur. Ah moi je peux pas le ranger, tiens attends je te le rends quota. Parce que en fait j'ai fait mumuse avec mais du coup j'ai peur de le perdre. Je te laisse acheter une tente. Ok let's go. Bon les gars, moi je propose un truc. On a actuellement un sniper, on a le pouvoir. Soit on fait un top 1 avec le Kamehameha, ou on fait un top 1. Nuance, on peut faire un top 1 sinon avec avec le nuage. Et en gros regardez ce qu'on peut faire. Oh t'as des pads, attends je t'en pique un peu. En gros on peut faire ça les gars, regardez, on peut faire ça. Être dans les airs. Désactiver, comme ça on désactive. Hop, et un coup de sniper. No scope. On fait quoi le chat, Kamehameha ou no scope? Oh frérot, petit cadeau de Noël qui tombe avant l'heure. Oh non, je croyais qu'il y avait les Kamehameha dedans. Ah ça mon gars, c'est pas un Kamehameha, ça c'est autre chose. J'avoue, ça ressemble beaucoup. En fait, les gars, il y a la brume. Attends, on a pas de luck, il y a la brume, c'est horrible. Moi, j'ai envie de tenter no scope. Vous êtes 3000 sur le stream, merci les frérots. C'est un truc de dingue. Je le répète encore une fois, les gars. Il y a des V-Bucks à gagner sur le live à partir de 1h du matin. 1h du matin, j'ai prévu une surprise en thème avec le live, en thème avec Dragon Ball. Et il y aura des V-Bucks à gagner, donc il faudra juste lancer son Fortnite pour venir jouer. Et c'est à 1h du matin. Donc soit vous restez sur live, soit vous mettez une petite notif les gars. Mais j'ai prévu une grosse surprise pour ce soir. Donc si vous venez participer les gars, ça fait plaisir. S'il y a beaucoup d'abonnés, plus il y a d'abonnés, mieux c'est en vrai. Power tue Dark Vador avec le Kamehameha. Oh dinguerie, ça peut être incroyable de faire ça. Ça peut être incroyable de faire ça. Bon ils sont en dessous les gars là, mais on voit rien. On peut pas voir, attendez. Moi j'ai envie de mettre un coup de Kamehameha pour commencer. On voit rien. On voit rien les gars, on voit rien, c'est trop... Oh, t'as de grosses têtes de poisson, il a failli me tuer là. Ça me fait peur. En vrai il faudrait un ping précis de fou. Et je crois qu'il peut pas me les ping précis. Attends, si. On voit, il n'y a plus le brouillard. Attends, il est où? Oh, c'est bon, je les vois. Attends, je tente un Kamehameha. Vas-y, build quota, build vers moi, comme ça, dès que je retombe. Oh, frère, c'est impossible d'être précis, en fait. Bon, allez, il reste un Kamehameha, je le tente. T'es prêt?
Ok, je vais prendre de l'élan. Attends, on va mettre un pad. Vas-y, frérot, t'es prêt? On tente tous les deux. Double caméra, vas-y, t'es prêt, Kota? Quand je te dis go, on caméra sur le mec. Vas-y, saute, go, 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 saute avec moi. Ok, là, on active pas le truc, hein. Juste, je te dis go. Ok, 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 go. Wesh, il est là de base, non? Ok, j'en ai eu un. Attends, il en reste qu'un, il en reste un. Il en reste un. Attends, il y a l'autre là-bas que t'as pas eu aussi, je vais le tuer à la... Attends, je vais essayer de le tuer au snipe. Oula, oulala, le frérot. Ok, j'en ai tué, j'ai mis une tête. Je vais faire une dinguerie, frérot, je vais faire une dinguerie, t'es prêt? Il est où? Ok, je désactive et là. Non! J'ai failli lui mettre. Ah! Il me tire dessus. Je tente le noscope, les amis. Oh non, à deux doigts, je me suis entraîné en plus au noscope. Ok. Attends, là j'attends le pouvoir du nuage. Pouvoir du nuage magique. Pouvoir du nuage magique, attention. Wesh, désactive-toi. Allez, 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 allez. Non, mec, on est à deux doigts, on est à deux doigts. On perd pas espoir au pouvoir du nuage magique. Mais frère, c'est scandaleux là ce qui se passe. Regarde, trop tard. Pouvoir du nuage magique, t'es prêt? Je l'active. Ok, let's go, on tombe. Allez, allez, sur lui, sur lui, sur lui. Non! Ah, il fait mal, il fait mal, il fait mal là. Il laser bien le frérot. Je suis à deux doigts! Je suis à deux doigts de le toucher! Les gars, c'est parce que vous avez pas mis de pouce bleu là, il faut liker! Il faut m'encourager là! Attention, pouvoir du nuage magique. Ok, let's go, pouvoir, pouvoir, pouvoir. Là, il marche. Là je tombe dessus les gars, ça va être un noscope très près. Oh let's go, je l'ai mis les frères, je l'ai mis. Je l'ai mis, bon il était pas de loin mais je l'ai mis. Je l'ai mis, ça, le pouce bleu. On met le pouce bleu les gars, là allez, on met les GG. Oh je suis content. Mec, en plus je croyais vraiment j'avais 20 HP. J'avais vraiment 20 HP. Bon c'est mieux que rien les gars, c'est pas un truc de ouf. Mais je vous l'ai dit les gars, je pense que j'avais plus d'autres pas d'autre choix de me coller le plus à lui. Sinon ce serait jamais passé. Bon je suis content les gars, petit top 1 avec... le skin Dragon Ball, le skin Goku. On a surtout avancé dans les défis, c'est cool. Parce qu'on va essayer de faire le plus de défis pour avoir les récompenses gratuites comme je vous l'ai dit. Et maintenant qui dit top 1, hein, vous connaissez la chanson les amis. Je vais ajouter en direct. Donc dès maintenant vous avez le droit de spammer votre pseudo. Enfin pas le spammer mais vous avez le droit de le mettre. Je vais ajouter 2 abonnés sur le live. Donc vous mettez votre pseudo Epic Games les amis. Et pour fêter le top 1 à chaque top 1, j'ajoute 2 abonnés en live. Ouah, ça fait plaisir les refs. Je le répète encore une fois, je vois que vous êtes presque 4000 sur le stream, c'est énorme. À partir de 1h du matin, les amis, il y aura une grosse, grosse surprise en live. Et il y aura des V-Bucks à gagner. Ok, donc 1h du matin, les frérots, mettez bien la cloche et lancez votre jeu. Très, très important. On a un petit cadeau en plus de Kimi. Je vous montre que c'est bien Kimi. Hop, regardez. Kimi, merci beaucoup Kimi. 60 510, merci beaucoup Kimi. Je pourrais refaire une game avec toi. Merci Yellow Yak, frérot. Mais on va inviter d'autres abonnés quand même. J'aime bien, tu le sais, tourner. Mais merci d'être venu jouer, frérot. Allez, on petit pack opening de Kimi. Merci beaucoup pour ton cadeau, en tout cas. Oh, c'est la danse fusion. Merci mon gars, merci beaucoup. Je vais pouvoir la faire avec Kota en game. Je vais pouvoir la faire avec Kota. Bon les gars, je vais ajouter 2 abonnés. Donc c'est vraiment aléatoire les gars, vous avez juste à vous abonner. Je prends 2 personnes qui sont abonnées à la chaîne dans le chat. Hop, donc on a Satama, GG mon ref, on t'ajoute. Et j'ajoute une autre personne. Morceau Lonel. Let's go, je t'ajoute frérot. On a ajouté les 2 abonnés les gars. Dans tous les cas, vous connaissez la chanson. À chaque game top 1, j'ajoute 2 abonnés en live. Donc GG à ceux que j'ai ajoutés. Et encore une fois, je le répète, la grosse surprise, c'est à 1h du matin, les frères. Donc restez bien sur le stream, vous allez vraiment kiffer, je pense. Merci à tous ceux qui like le stream, on est bientôt à 2000 likes. Vous avez explosé les pouces bleus, et ça fait plaisir. Bon, du coup, ah bah Yellow Yak, mets-moi chef, frérot, s'il te plaît. Et on va inviter qui d'autre? Qui m'avait demandé à join? Je sais pas si quelqu'un m'avait demandé à join, mais je crois qu'on va inviter Enzo Louis. Hein. Hop, on va l'inviter. Yellow Yak, faut que tu mettes chef, frérot. Faut que tu mettes chef. Et je remercie encore une fois tous ceux qui utilisent le code PJP, vous êtes adorables les frérots. Voilà, très simple, PJP minuscule ou majuscule les gars dans la boutique. Pour pécho, ça accroche, vous connaissez la chanson les amis, le code PJP pour pécho, ça accroche. Pour pécho Goku maintenant en fait, c'est PJP pour pécho Goku. Bon moi je suis chaud d'un truc, j'ai envie d'acheter le pack là, mais avant de l'acheter les amis, on va être quand même logique, on va quand même jouer Beerus. J'ai toujours pas joué Beerus les gars, on va le jouer. On va le jouer les gars, honnêtement, on va jouer Beerus quand même. Attends, hop, Beerus. Attends, on va aller dans les récents. C'est quoi son sac à dos à Beerus? Attends, je vais aller voir ce que c'est. Oh, c'est moche, c'est ça son... Oh non, quoi qu'il est trop stylé. Mais il est incroyable son sac. C'est le poisson. Il a un poisson en sac à dos.
On va jouer le poisson à Beerus. Poisson Beerus, hop. On équipe le poisson de Beerus. Est-ce qu'il a une pioche, Beerus? Ah, il a pas de pioche. Bon, bah, Beerus, il a pas de pioche. Bah, c'est largement stylé. C'est largement stylé, hop. Kota, je te mets chef, mon gars. On est reparti pour faire une game. Alors, on va checker les défis. Déjà, notre puissance augmente, les gars. Dites-moi, le chat, vous êtes à combien de puissance? Ceux qui n'ont pas triché, parce qu'on peut tricher en payant, tu vois. On peut payer la puissance. Dans Dragon Ball, il faut... Dans mes souvenirs, c'est pas tu sors la carte bleue et tu deviens un Super Saiyan, tu vois. Il faut quand même de l'expérience. Bon, Fortnite, ils sont pas dans ce délire. Ils ont préféré sortir la carte bleue. Comme c'est un mini pass de combat. D'ailleurs, moi, je kiffe, hein, l'idée d'un mini pass de combat, moi, je valide. Mais moi, j'ai envie de le faire logique, tu vois. J'ai envie de... Tu vois, qu'il y a un but, tu vois, que ça donne envie. T'as capté le délire. Donc, en vrai, là, pour moi, je suis à 30 millions de puissance. Il manque 14 millions, il me manque là, il me manque 94 millions. Ah putain, c'est beaucoup. Mais en vrai, je suis content. Parce qu'on va le faire legit, les gars. On va jouer les règles et on va checker les quêtes. On a des quêtes aussi à faire. Donc là, j'ai déjà débloqué une boule de cristal, les gars. Une boule, les gars. Deux boules, j'ai eu les deux boules. Et j'ai deux boules de cristal pour le moment. Ok, ensuite, il faut attendre. Bah, forcément, dans 11 heures, on aura la suite. Dans une journée, ça va arriver au fur et à mesure. Mais là, déjà, du coup, j'ai deux boules. Vous avez combien de. Est-ce que vous avez les deux premières boules de cristal, les amis? Là, on peut aussi obtenir de la puissance. Moi, ça, c'est pas très utile, mais vous voyez que pour le planeur qui est gratuit, je le répète, voilà, que t'aies le pass de combat ou pas, le planeur, il est gratuit pour tous. J'ai déjà deux boules de cristal. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment cool. Ça veut dire que je suis à jour dans les défis. Allez, c'est parti, une petite game. Regardez le perso, il est comme ça. Il est comme ça, le perso, frérot. Il va choper ta veste si t'as pas mis le code PJP, mon gars. Beerus, si j'ai pas de bêtises, encore une fois, j'ai essayé de me documenter le plus possible, bah, pour vous faire les meilleures vidéos Dragon Ball possible, etc. Donc j'ai essayé de me renseigner. On est d'accord que c'est un méchant. S'il vous plaît, que je passe pas pour un teubé, normalement, je crois que c'est un méchant Beerus. Peut-être je dis n'importe quoi, ça se trouve c'est un mec, il est grave tigeant, mais je crois vraiment que c'est un méchant car j'ai vu plein de gameplay où il se fight contre lui, genre il se fight. Je sais qu'à l'époque, Vegeta c'était un méchant. Vegeta il était méchant et ensuite il est devenu gentil Vegeta. Mais Beerus, je sais pas, donc j'ai pas envie de dire de bêtises. Alors c'est un gentil, oui, oui, non. Les gars, j'ai l'impression que vous avez pas. Gentil et méchant, il est gentil et méchant. Ah, c'est un peu comme Venom. C'est un anti-héros, non? Il est un peu des deux. Il est tigeant. C'est un méchant, Beerus. C'est un dieu, il est méchant. C'est un dieu, en plus. C'est un dieu, c'est le dieu de la destruction. Bah, les gars, il est pas gentil du tout, le frérot, là. Vous êtes en train de me le décrire comme le pire des personnages. S'il a l'air d'être pas... Bah, en vrai, il devient gentil. Ah! Ils adorent faire ça, Dragon Ball, mettre des méchants gentils, ensuite. Gentil et méchant. Ok, en fait, il est les deux. Tu vois, c'est un mec, t'as vu, il est un peu indécis. Vas-y, Kota, mes prêts, frérot. Code PJP, merci Elodie, grosse dédicace à toi. Merci beaucoup d'avoir mis le code PJP, merci. Y a aussi Adama, il a mis le code PJP pour ficher sa crush, merci mon gars. Non, à la fin, il est gentil. Ok, donc en gros, il est méchant et à la fin, il est tigeant. Il est les deux. Merci le chat. Eh, vous êtes des vrais connaisseurs, en vrai, j'ai la meilleure commu. La commu, ils sont au courant de Dragon Ball, ça fait plaisir. Merci Freddy d'avoir mis le code PJP. Ah, moi, honnêtement, les gars, je m'en cache pas. C'est pas une honte, les gars. Moi, je m'en cache pas. J'ai presque, comme je vous l'ai dit, j'ai vu deux épisodes de Dragon Ball. J'ai vu toute une vidéo de 20 minutes qui explique tout l'univers pour comprendre un maximum. Mais sinon, les gars, je m'en cache pas. Hein. J'ai rien vu. Comparé à Naruto, où j'ai vu énormément de Naruto, genre j'ai vu presque tout Naruto. J'ai pas vu Shippuden. Faut que je commence. Mais Naruto, vous voyez, ça, je l'ai vu. Mais ouais, que Dragon Ball, les gars, franchement, j'avais 10 ans, j'ai vu deux épisodes et ça s'arrête là. À part récemment, comme je vous ai dit, pour mes vidéos, j'ai revu des explications, des trucs comme ça pour bien connaître l'univers quand même. Parce que genre, c'est intéressant de connaître... si je fais des vidéos Dragon Ball et que je connais pas l'univers, même le nom des persos, c'est un peu relou, quoi. Merci Axolotli pour tes 2€. La game suivante, je mettrai Beerus. Oh, il va mettre Beerus. Bon, en tout cas, je vois le chat et je pensais pas, mais vous êtes beaucoup à avoir vu Dragon Ball, c'est un truc de dingue. J'aurais jamais cru qu'il y aurait eu autant de monde qui avait vu Dragon Ball. Parce qu'en plus, c'est vieux, les gars. Il y a un film qui va sortir récemment, c'est pour ça qu'il y a eu la collab. Mais sinon, les premiers épisodes, ça date d'il y a plus de 20 ans, les gars. Yo, Xeno, merci pour les 36 mois, mon gars, comment tu vas? D'ailleurs, si tu veux venir jouer après, Xeno, après le stream, pas sur le Discord, y a pas de soucis. Il y aura du monde. Power, tu t'es tapé 6 saisons de Naruto pour rien. Ah, mon gars, je m'en suis tapé 7, frérot. Comment ça pour rien? Tu me fais peur. Les gars, vous avez préféré... Pour le moment, vous préférez la collab Naruto ou la collab Dragon Ball? Dites-moi. Moi, dans tous les cas, pour être honnête, les gars, en vrai, juste le fait que Fortnite ont fait deux pouvoirs mythiques, ça se voit qu'ils ont...
Ça se voit qu'en fait, genre la collab Dragon Ball, elle est plus travaillée. La Naruto, on avait que deux kunai, c'est tout. Ah, ça faisait un peu pitié, quoi. Mais bon, c'était bien à l'époque. Il m'a fait peur, lui. Merci à Adouma pour tes 5€. Yo, Power, je suis rentré de vacances et je te regarde en voiture. Oh, le crack, les gars. Mettez Adouma le crack dans le chat. Eh, vous savez quoi, le mec, il est en voiture. Il est sur le retour des vacances. Il a mis le petit live, tu vois, au lieu de dormir. Et vous savez que moi j'ai déjà eu cette sensation. C'est trop chill. Quand t'es sur le retour des vacances, le soir, dans la voiture, t'es sur une petite vidéo YouTube. Ah, t'es au max, t'es dans ta best, t'es en best life, vraiment. Donc là, c'est vraiment un crack, lui. C'est vraiment un crack. Wesh, 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 qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? T'es ma tout le gold? Alors, mais wesh, c'est quoi cette technique de zinzin? Ah ouais, j'ai fait un braquage. J'ai fait un braquage de la supérette, là. Pas possible. Non, je vais tester. Il y a un joueur, là, fais gaffe. On n'a pas de shoot, mon gars, c'est horrible. Attends, je vais tenter de faire son expérience là. De jeter un truc. Il faut jeter ça dans un bâtiment où il y a beaucoup de. Genre ici, t'as capté? Ici, je pense qu'il y a beaucoup de trucs. On va jeter ça ici au milieu, là. What, le braquage de thunes! Oh mec, on gagne full lingot avec ma technique. Enfin, c'est pas ma technique. Meilleure technique en vrai. Merci Zaj, j'ai remis le code PJP. Je suis curieux, les gars. En vrai, comme je vous l'ai dit. Non, t'inquiète, garde les réponses, frérot. Comme je vous l'ai dit, les gars, j'ai prévu une grosse surprise à 1h du matin. Il faudra avoir Fortnite de lancer et il y aura des V-Bucks à gagner, les amis. Je le répète, il y aura des V-Bucks à gagner. Dites-moi dans le chat qui sont les joueurs, enfin, qui sont les abonnés qui vont rester jusqu'à 1h du matin. Pas jusqu'à la boutique, jusqu'à 1h du matin pour découvrir la surprise et venir participer, car comme je le répète, il y aura plusieurs V-Bucks à gagner. Pour le moment, les gars, dans l'idée, j'ai prévu de faire gagner 3000 V-Bucks ou plus. Donc je sais pas, ce sera avec des codes V-Bucks bien sûr, donc je sais pas si j'en fais gagner plus. Je verrai bien comment si vous êtes chaud les refs. Mais en tout cas, c'est à 1h du matin, lancez votre Fortnite et soyez à l'affût, c'est dans 1h en gros. Ok, nouvelle technique pour avoir du gold. Ça a pas trop marché là. Ah ouais, là je me suis fait douiller. Il a sorti le sabre laser le Enzo Louis. Là normalement il y aura peut-être du gold. Ah, j'ai pas trop utilisé la technique en fait. Allez, 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 allez. Oh là là, regardez-moi. Regardez-moi, c'est nous. Regardez, je l'ai fait danser quand je veux. Hop là, je l'ai refait danser. Allez. Allez, vous dansez. Je suis un gamin. Bon, par contre, les gars. Oh! Attends, Théma. Wesh. Mais ça a pas déployé le pad. Je voulais que ça déploie le pad, j'ai le seum. Bon. Moi, les gars, je vais aller chercher le petit pouvoir. Hop. Il est là-bas. Oh, il y a un joueur qui va aller le chercher. Alors lui, frérot, si tu crois que tu vas l'avoir. Allez, hop là. C'est mon pouvoir mythique, les amis. C'est mon pouvoir. On n'a même pas pu faire l'expérience. Moi, je suis chaud, on fait une expérience Kamehameha contre Kamehameha en Skybase. S'il y a 2000 likes, on le fait, les gars. S'il y a 2000 pouces bleus, on le fait. Ok, les refs. Oh, le relou, il veut m'expulser. Hop là. Vous êtes chaud ou pas? 2000 pouces bleus. Kamehameha. On fait double Kamehameha, en gros, moi et Kota, Kamehameha dans les airs, et on regarde ce qui se passe. Moi, je suis chaud de... T'as capté. D'ailleurs, merci à ceux qui s'abonnent, vous êtes en train d'exploser le compteur d'abonnés. On a gagné 200 abonnés en une game tout à l'heure, genre c'est un truc de dingue. Donc n'oubliez pas la cloche, il y a une vidéo tous les jours, les gars, surtout avec Dragon Ball. Les gars, là, je vais vous bombarder les vidéos et les lives. Il y aura beaucoup de lives, beaucoup de vidéos, donc activez bien la cloche, les gars. Ça régale. Merci d'avoir mis le code PJP, Salmain, merci frérot. Hop, merci pour tes pads. Récupérez comme du build, les gars, on va quand même faire une skybase dans cette game. Mettez-vous bien niveau build. Oh, alors là-bas, il y a des joueurs, les gars, je vais faire Kamehameha. Vous êtes prêts? Je kiffe. Kamehameha. Oh, je suis trop nul. Oh, je suis trop nul. Oh, oh là là, j'ai tout loupé. Puis il y a un autre mec qui veut ma peau là. Wesh, ils sont combien? Naruto? Non, c'est pas Naruto. Mais j'ai pas d'armes en fait. J'ai que des Kamehameha. Voilà frérot. Mais en fait à chaque fois je le mets sur 15 joueurs. Mais je pense que si j'augmente ma sensi, je peux tuer plus de joueurs d'un coup. Voilà, il y a des... Ok, il est mort lui. Bon allez, il m'énerve. Il est où? Je vais tenter un truc, les gars. Ah mais en fait c'est impossible. Ah c'est même en augmentant la sensibilité, c'est impossible. Mais tire. Mais qu'est-ce qu'il fait? Les virus, tire. Mais...
Oh, heureusement qu'il a pas de shoot le mec en face. En fait le Kamehameha les gars, on peut pas le diriger en... même si t'augmentes la sensibilité de ta souris. Allez, retourne lobby toi. Je me suis caché derrière un mur, le mec il a parlé chinois. J'aimerais bien avoir un snipe en vrai. Je préfère les snipes que les fusils à pompe. Oh quoi qu'il a un pompe légendaire lui. Oh je vais me régaler. Je vais me régaler. Dites-moi les gars, vous avez regardé Dragon Ball Z quand vous aviez quel âge, ceux qui ont... Bah ceux qui ont vu tout simplement. Attends, je... Pourquoi il y a un sabre laser là-bas tout seul? Les gars c'est grave ça. Il y a le sabre, il y a un sabre, vous avez lâché un sabre mythique ici, mais vous êtes des fous furieux. Bon, lui, les gars, lui, je m'occupe de lui, hein, vous allez voir. Wesh, wesh, il prend pas les dégâts? Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Ouais, y'a Papa Vador, il est là, lui. Je me barre. J'ai envie de fuir la situation. Les gars, ramenez un Kamehameha. Vite, vite, s'il vous plaît, ma team. Ramenez un Kamehameha, on va faire Kamehameha. Contre... Oh, y'en a qui ont commencé il y a 5 ans. Bah alors toi, il voulait me boogie, lui. Alors, tu rêves. J'ai plus de shield. Oh non, on est pas en zone, j'ai trop le seum. Mais attends, mais what? Mais y'a des boss. Mais... Oh y'a un pouvoir. On peut acheter des pouvoirs ici. Le distributeur. Non, j'en ai acheté deux. Non, j'en ai acheté qu'un, let's go. Les gars, on va tester contre Dark Vador. Vous êtes prêts ou pas, le chat? Je compte sur vous, mettez un gros pouce bleu les refs, ce qu'on va tester, c'est incroyable. J'suis en train de mourir là, mais... Putain, ils sont trop forts les bots. Mais non, mais laisse-moi tranquille. Ok, ok, j'utilise le pouvoir contre Dark Vador, le chat. Et oh my fucking god, mais quoi? Bon les gars, c'est horrible ce que j'ai fait, c'est beaucoup trop fort. Est-ce que vous avez vu la barre d'HP de Dark Vador, l'homme qui a le plus d'HP au monde? Elle a fondu comme un Kinder Bueno au soleil. Ah ouais, non mais là Fortnite, en fait je me rends compte que le truc est overcheaté. C'est là que tu te rends compte la puissance du Kamehameha. C'est quand tu la testes sur Dark Vador en fait. Ah, Fortnite, les gars, vous êtes trop fort. Vous avez créé un truc. Ah, c'est dangereux, les gars. Hein. Faut vraiment faire attention, c'est tellement puissant. Hop là, bon. Niveau build, les gars, moi, j'ai bien farmé. En fait, j'ai surtout fait des kills. Je suis un peu un fraudeur, mais bon, c'est pas grave. Est-ce que t'as un sniper, Enzo Louis? Si t'en as un, tu seras un putain de beau gosse, frérot. Mais je sais pas si t'en as un. T'en as pas, je crois. Oh! Bah vas-y, en vrai t'es gentil. Tiens, bon moi je t'en donne deux, je suis un peu une douille. Mais c'est pas grave. Bon moi je propose les gars, bah qu'on aille en zone vite en fait. Parce qu'on est pas du tout en zone. Let's go. Je vais essayer de trouver un peu de shield. Pour le moment les gars, la game se passe bien. On a pu tester plein de dingueries. J'adore la mise à jour. Honnêtement pour moi, vous le savez, quand Fortnite font des mises à jour, que ce soit Dragon Ball ou même quand il y a du bon contenu sur le jeu, je suis un enfant. Je suis une pile électrique. Là ils ont mis deux pouvoirs mythiques. Il y a des skins, il y a tout ce que j'aime, vraiment. Je peux que valider la mise à jour, tu vois. Honnêtement, s'il y en a qui n'aiment pas la mise à jour, ça peut arriver, mais j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui vous plaît pas. Genre, elle est trop bien. Genre, je peux pas comprendre s'il y a un truc... Ceux qui aiment pas la mise à jour, dites-moi le chat. Même si pour le moment, j'ai pas vu d'abonné qui m'a dit que la mise à jour, elle est nulle. Mais s'il y en a qui la trouvent nulle, dites-moi ce que vous trouvez nul. Genre, je suis grave curieux de savoir qu'est-ce que vous n'aimez pas. Parce qu'en vrai, peut-être vous avez des... Vous avez des bons arguments, peut-être. Là il y a une capsule ici. Essayez de récupérer les gars, il y a une capsule ici là, peut-être essayez de récupérer un pouvoir tout neuf. Ça peut être cool. Moi je vais essayer d'utiliser mes trois pouvoirs sur un mec. Essaye sur The Rock. Oh dinguerie sur The Rock. Oh là là, Kamehameha contre The Rock. Ça peut être en effet une très bonne idée. Ça peut être stylé de fou. J'avoue que là frérot tu me chauffes pas mal quand tu me dis de tester ça sur The Rock. Le Kamehameha est trop fort, trop cheaté. C'est vrai. Après, Fortnite ont mis 3 pouvoirs. Moi, j'aurais préféré que ça se recharge. Mon frérot, tu fais trop le malin. Toi, tu fais le malin. Allez, tu vas graille. Ah non, mais à un moment, frérot, tu grailles. Non, mais à un moment, il mérite de graille, le mec. C'est bon, il a fait trop le malin. Ah, y a pas d'émote pour Beerus, du coup.
Je vais pas casser le coffre. Ok, let's go. Attention, nouveau Kamehameha, vous êtes prêts le chat? J'aimerais bien un pack de joueurs en fait. Kamehameha. En bas, en bas. Non, j'ai failli le toucher. Les gars, j'ai pas fait double kill. Double kill, ça a l'air super dur à faire, un double kill en vrai. Avec le Kamehameha. Ça a l'air ultra dur. Attends, j'ai envie de le refaire sur lui là. Oh, viens l'amour. Attends, je vais me prendre un petit shield avant. Ah, y'a pas de capsule en zone, j'ai le seum. Il y en a une là-bas. Peut-être essayer d'aller la chercher. Ah mais wesh, mais attends, mais c'est... Oh, regardez, what, regardez mon shield. Il y a marqué que j'ai 3 de shield, mais regardez la barre, comment elle est élevée. What the fuck. Bizarre ça. Y'a pas un mec en zone. Y'a un mec là, vous êtes prêts le chat? Est-ce que vous êtes prêts? Voilà mon gars. Voilà mon gars, le Kamea. Bon, y'a plus de capsule en zone, je vais aller chercher celle qui est hors zone du coup. Je vais essayer de me dépêcher. Moi je suis Shokota, je te fais confiance, tu supervises la skybase. Tu commences en zone et tu me fais une jolie skybase, Kota. Tu es le superviseur de skybase dans cette game. Bon, j'avoue, mon shield, il est bien bugué, mon shield, hein. Les frérots, dans 2 pouces bleus, on a les 2000 likes. Mais qu'est-ce qu'il me fait, lui? Mais qu'est-ce qu'il me veut? Hop là. Non, mais les gens... Non, mais c'est pas possible, les loups. Je vous ai fait quoi dans cette game? Enfin, depuis le début du live, je me fais agresser par des loups. Merci à ceux qui like le stream, en tout cas. J'avoue que, par contre, les modes fusion, je l'ai pas mis en favori. Je l'ai pas mis en favori, les gars, les modes fusion. Je vais la mettre en favori, on va la tester la game d'après. Merci à l'abonné qui me l'a dit. Dès que je finis la game, si j'ai oublié, les gars, n'hésitez pas à me le spammer dans le chat de bien équiper les modes fusion. C'est vrai que j'ai pas encore équipé. Oh, attends, y'a une capsule en zone. Oh, bah alors là. Bah, je vais me faire kiffer là. Elle est où? Je la vois pas. Ah, elle est là, c'est bon. Oh, let's go, petite capsule, les gars, on va se régaler. On va se régaler. Je kiffe ce. Je kiffe la mage, hein. Hop, on récupère ça. Et là maintenant on va rejoindre... What, Kota, elle a fait une skybase de malade. Ah ouais, Kota c'est un beau gosse. Kota c'est un beau gosse, le frérot il a fait le truc au sérieux quoi. On a les 2000 likes les gars, déjà? Bah merci les frérots, on a eu 2200 likes, genre vraiment. Ça veut dire qu'il y avait 200 personnes qui avaient oublié le pouce bleu. Pour ça parfois faut y penser les gars, au pouce bleu, c'est très important. Oh non, la caméra elle surchauffe déjà, non. Oh non les gars, la caméra elle s'est coupée. Par contre attendez là, j'aimerais bien me dépêcher... Ouais, j'ai une technique. Je vais réactiver la caméra, vous inquiétez pas, je vais la réactiver les frérots. Oh non, mais je me fais tirer dessus, c'est quoi cette luck? Oh non, ils ont cassé. Ah non, mais c'est Enzo Louis, il a cassé la skybase. T'aurais pas dû activer ton pouvoir, Enzo. Vas-y, on va la refaire, c'est pas grave. Bon, les gars, là, faites pas les kills, là, c'est les derniers joueurs. Kill... Go pas les kills. Attends, mais y'a des joueurs partout, là, en fait, c'est un cul-de-sac. Bon, les gars, attendez, je vais me mettre ici, hop. Bon les frérots, normalement j'ai réactivé ma clim les gars. Normalement j'espère que ça fait pas trop de bruit. J'espère que c'est pas dérangeant. Que c'est bon en fait. Genre j'espère que ça passe. Ok, on fait pas de kill, on fait pas de kill les gars, on fait pas de kill. On fast en zone, j'active la cam. Normalement la cam est censée s'activer, let's go, elle va s'activer la cam. Ok. Elle s'est activée, bonne nouvelle. Vas-y. En fait les gars, ma pièce elle est pas climatisée quand je live, sinon ça fait un peu de bruit, mais bon, là j'ai pas trop le choix. Ça va, le bruit il est pas dérangeant les frérots ou pas? Est-ce que le bruit... J'espère que le bruit n'est pas dérangeant. Normalement ça devrait le faire, mais dites-moi le chat si... Ouh là là, attends, je mets déjà le nuage là. Frère, on se fait spam. Attendez, venez, suivez-moi, on va beaucoup plus lent. On va faire la skybase là-bas. Oh non, Enzo Louis. Oh non, il est tombé KO le pauvre. Non. Merci les gars, bah normalement ça va climatiser la pièce là, ça va être carré. Ça va être carré pour les lives. Je vais bientôt avoir ce qu'il faut dans tous les cas dans ma chambre pour les streams. Ça va être cool. Allez, on monte, let's go. Je viens d'arriver sur le live. Merci frérot, mets ton petit pouce bleu, ça régale. Les gars, niveau pouce bleu, vous avez tout explosé ce soir, ça me fait vraiment plaisir. Vraiment plaisir. Est-ce que chez toi il fait chaud? Pas forcément frérot, mais comme je suis dans une pièce où il y a des lumières, qu'il y a le PC qui chauffe, qu'il y a les écrans qui chauffent. Forcément tu l'as capté. Forcément tu l'as capté frérot. C'est
Hop, il y a mes chats qui sont rentrés, let's go. Forcément, tu l'as capté, frérot, bah ça réchauffe vite la pièce, quoi. C'est un peu relou. Bon, les gars, je vous laisse venir, hein. Faut monter tout de suite, les... Par contre, Enzo, lui, là, tu prends la pige, là. Il faut y aller tout de suite, frérot. Il faut venir tout de suite, les gars, là. Vraiment fast. Et n'utilisez pas le pouvoir si vous montez, genre. Utilisez la course, mais pas le pouvoir. Ok, let's go. On va faire l'expérience. Tant espéré, je vous avais demandé 2000 likes. Vous avez explosé les pouces bleus. Oh non, Kota. Réa le frérot. Ah, mais les gars, Ah, mais là, ils auront pas le temps d'arriver en... Putain, c'est les gars, vous faites des bêtises, là. Vous faites les bêtises. Yo, Colmine, comment tu vas? Coucou, Power. J'ai mis le code PJP. Merci, mon gars. Merci à ceux qui utilisent le petit code PJP. Vous êtes des cracks, vraiment. Bon, là, je suis bien au milieu de zone. Il reste deux joueurs en plus avant le top 1 déjà. La game va tellement vite. Essayez de monter le plus vite possible, les gars. Je sais pas ce que vous pouvez faire, genre refaites une skybase un peu à côté. Mais monte pas comme ça, Kota, monte en escalier s'il te plaît, sinon ça va être cramé. Moi je prépare tout pour l'expérience. Ok, let's go. On a tout qui est prêt. Là, il faut faire une expérience de malade. Ok. Donc moi je vais prendre des plateformes. On va faire chacun d'un côté, ok. Vous allez comprendre. Faudrait qu'on ait un perfect timing, par contre. Un vrai perfect timing. Oh, putain, on a 50 secondes là, on n'est pas en zone. Ok, let's go. Et je vais faire ça là-bas aussi. Essaye de rejoindre mon build, Kota, là. Rejoins, connecte mon build. Putain, 30 secondes pour le faire. Bon, normalement, ça va le faire, les gars. Je croise les doigts plus ou moins pour que ça passe. Donc, encore une fois, je le répète, la surprise, c'est à 1h du matin. Il y aura... Plus de 3000 V-Bucks à gagner, les gars. Plus de 3000 V-Bucks à gagner dans la surprise. Et vous allez tous pouvoir venir jouer. Il faut juste être présent sur live à 1h du matin et lancer son jeu. Ok, les gars, rien de plus simple. Ok, je vais de l'autre côté, moi. Let's go. Bon, je me protège comme je peux. On va mettre deux trucs. Allez, Kota, va de l'autre bout. Va de l'autre côté, mon gars. Et on va activer le Kamehameha en même temps. Ok, frérot, garde bien ton nuage au cas où pour revenir. Ok. Je vais te dire, on va faire un décompte de 3 secondes, Kota. Oh non, frérot, attends, casse ça. Ok, on va faire un décompte de 3 secondes, Kota, ok. Et c'est à go qu'on part. Je vais faire 3, 2, 1, go. Et quand je vais faire ça, c'est à go qu'on part. T'as capté ou pas? Je te vois pas dire oui au loin. C'est bon, il dit oui. Bon, on saute, on jump quand même. On jump et on se vise. Au pire, à 3, tu jump et à go, on tire. 3, enfin, attends. À 1, tu... 3, 2, 1, go. Oh! Oh! What? What? Pourquoi je suis parti super loin? Il s'est passé quoi, le chat? J'ai pas capté! J'ai pas capté ce qui s'est passé! Attends, trop de épique! Trop de choses épiques pour moi dans mon cerveau là! Attends, on va le refaire, frérot! On va le refaire, les gars! Alors, bien sûr qu'on va le refaire! T'as des pouvoirs encore? Oh non! T'en as un ou pas de pouvoirs? Oh! Oh le crack, il en a un! Attendez, il s'est passé! Attends, tu sais quoi, tu vas rester là toi? Et moi, je vais mettre là-bas. Au pire, viens, on le fait prêt, en vrai. On n'est pas obligé de le faire loin. Vas-y, on le fait là, en fait. Ouais, t'es prêt? T'es prêt, mon gars? On y va à go, hein. Enfin, je vais faire 3, 2, 1, ok. Et ensuite, t'as capté. Vas-y. 3, 2, 1, go. Oh, la dinguerie! Active le pouvoir. Faut être actif, en fait. Faut être actif. Oh, il t'en reste un ou pas, Kota? Il t'en reste un? Dis-moi qu'il t'en reste un, mon gars. Il t'en reste un, ok. Enzo Louis, tu vas le faire et c'est moi qui vais regarder. Tu vas faire ce que je fais, ok? Et c'est moi qui vais faire des comptes. Tiens, frérot, tu donnes mon pouvoir. Vas-y, mets-toi. Vous allez le refaire. On va avoir la meilleure POV, les amis. Je compte sur vous. Avant de le faire, n'oubliez pas de vous abonner avec le bouton rouge et la cloche. Vous êtes presque 4000 sur live, c'est énorme. Et le pouce bleu, les gars. Explosez-moi cette barre de pouce bleu, ça régale. Vous êtes prêts, les gars? 3, 2, 1, go! Mais qu'est-ce qui. Mais il est teubé! Mais il est teubé, Enzo Louis, t'es teubé! Mais t'es teubé! Qu'est-ce qu'il t'a fait des conneries là? Il a fait de la D là, il a rien compris! Il a rien compris! Dis-moi qui t'en reste! Je crois qu'on en a plus, les gars là! Je crois qu'on en a. Ah, Enzo Louis, il a deux de cul le frérot là! Attends! Il m'en reste! Ok, tiens! On peut pas les diviser! On peut pas les split, les gars, je les range dans ma tente, on peut pas les enlever! Hop, c'est nul. Bon, tiens, attendez. Bah, j'ai un sabre laser, je vais essayer de faire. Je sais pas ce que je peux faire en fait. Ok, frérot.
Est-ce qu'on est des Jedi? Dis, regarde-moi dans les yeux, Kota. Es-tu un Jedi? Moi, je suis un Jedi Dragon Ball, frérot, c'est encore mieux. En plus, les gars, on est en train de s'amuser, on fait nos défis en même temps pour les skins gratuits, pour les récompenses gratuites, donc c'est top. Allez, vous êtes prêts, les gars? On saute en même temps, Kota. On fait un demi-tour, t'es prêt? On saute en demi-tour, 3, 2, 1, go. Oh là là, des vrais Jedi, on est des vrais Jedi. Fion, fion, fion. Allez, j'active. Hop là. Et là, j'atterris tel un Jedi. Tchoum, 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 comme un Jedi, frérot. Comme dans les films Star Wars. Wow! C'est incroyable ce que je viens de faire. C'est incroyable, les amis. C'est incroyable. Eh, mais en vrai, les gars, on fait des vrais games. Eh, ce soir, honnêtement, je suis désolé, mais nos top 1 sont insane. Hein. On a vraiment des top 1. Tout à l'heure, le noscope. Cette fois-ci, le move. On tombe de la skyvase en arrière. On enchaîne au coup de sabre laser. Ah, les gars, franchement, je suis trop satisfait de nos top 1, là. Ils sont insane. Merci pour tous vos GG, les gars. Vous connaissez la chanson. À chaque top 1, j'ajoute 2 abonnés, les amis. Donc, mettez votre pseudo. Je suis fan OMG. Comment tu vas, Tom? Les gars, il y a mon gars Tom sur le stream. Comment ça va? En tout cas, les gars, merci pour vos GG. Le top 1 qui passe crème. Premier top 1 avec Beerus, les gars. C'est la première fois que je jouais le skin. On a fait top 1 avec Goku. Top 1 avec Beerus. Je sens qu'on va acheter Vegeta, les gars. On va être tipar pour payer et dépenser tous nos sous pour Vegeta. Non, en même temps, Vegeta, les gars, il est stylé. On va normal qu'on l'achète, les gars. Normal qu'on l'achète. On va giga payer Vegeta. Mais en tout cas, merci pour tous les GG. Mettez votre pseudo. Je vais ajouter 2 abonnés sur le chat pour fêter le top 1, tout simplement. Ok, ça, c'est les news de base. Oh, j'ai débloqué des trucs, c'est cool, ça. Hop. Bon, je vais ajouter, du coup, maintenant les abos. Hop, 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 donc je tire au sort. Alors, on a FaZe. Hop là, qui a été tiré au sort. GG, mon gars. Je le répète encore une fois, les gars, très important, restez bien sur le stream jusqu'à la boutique d'objets Fortnite. C'est à 1h du matin. Enfin non, ça c'est la boutique, elle est à 2h, mais restez bien jusqu'à 1h du matin sur le live. Parce que à 1h du matin, je le répète, il y a une grosse surprise où il y a plus de 3000 V-Bucks à gagner. Donc tous ceux qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter des skins, vous pouvez tenter votre chance. Il faut juste être sur le live et avoir Fortnite de lancer. J'ai prévu une surprise à 1h du matin, vous allez forcément kiffer, je pense, vous allez kiffer. Ça va être cool. Donc on a déjà ajouté un abonné et j'ajoute un deuxième abonné du coup, hop. Pour le top 1, ah ton pseudo marche pas, on va ajouter quelqu'un d'autre. Ah, on refait que ton pseudo marche pas non plus. Mohamed Dito, ça fonctionne, GG mon gars, on t'ajoute. On a ajouté les 2 abos. Il est temps maintenant de faire les pigeons, les amis. Il est temps d'acheter. Est-ce que le chat vous me conseille d'acheter le pack? Est-ce que pour vous il est rentable? Moi dans tous les cas, je sais qu'il est rentable, tu vois, parce que c'est... Genre je suis fan de la collab, mais je sais que c'est rentable. Merci Yolayak, pour la prochaine game, je voudrais parler avec vous. Merci Axolotli. Mais même Kota qui est sur Discord avec moi, il parle pas trop. Moi je préfère être soit au début de live, je le dis avec la personne. Mais là, c'est galère de parler in-game, frérot. C'est pas très pratique. Oui, oui, non. Ah, celui qui a dit non, frérot, t'es un menteur. Regarde. Rien que pour ça, le pack, je vais l'acheter. Attends, d'ailleurs, j'ai pas vu ces transformations. Fais voir le... Attends, je vais essayer d'en voir une autre. Ok. Là, pour moi, c'est comme, c'est comme le skin Goku. Et fais voir la dernière. Mais attends, mais... C'est là, il a... Ah, mais lui, c'est pas pareil. Lui, c'est bleu et bleu foncé. C'est bizarre. Oh, par contre, wesh, il a une calvitie. Les gars, il a une calvasse, là. Non, il a une calvasse. Les gars, faut qu'il aille en Turquie, Vegeta, là. Oh, non, c'est grave. Wesh, non, c'est grave, wesh. Non, les gars, c'est vraiment trop, la calvitie de Vegeta, là. Il a ça, Goku? Il a pas une calvitie? Ah ouais, non, tu m'as fait peur. J'ai cru qu'il avait une calvasse, lui aussi. Bon, lui, il a pas de cheveux. C'est différent. Elle a une calvasse, elle? Non, ça va. Elle a pas de calvitie. Fais voir le skin. Oh, elle est en mode infirmière Joël. Elle est en mode... ouais, c'est infirmière Joël, mec. Je suis désolé, mais là, ça me rappelle exactement infirmière Joël. Je suis désolé, le chat, mais c'est ce que ça me rappelle. Non, en vrai, le pack est lourd. Allez, on achète ça, let's go. On lit pas le petit code PJP. On achète le pack. On fait les gros pigeons. Vegeta, oh il est stylé. Et Bulma du coup. En vrai le pack est rentable, le pack est giga rentable, le skin est insane. Par contre c'est le pack, entre les deux packs c'est le moins rentable quand même, hein, faut être honnête. Moi je vais le jouer comme ça. Parce que là, dans ce pack, ouais, je crois qu'il est moins cher en fait, c'est pour ça. Ouais il coûte, oh non il coûte, ah si, il coûte quand même moins cher. Mais le plus rentable c'est celui-là les amis, genre parce que t'as deux skins, t'as un camo, t'as, bref t'as beaucoup plus de trucs. Est-ce que je m'achète le pack de planeur? Oh ça on l'a dans le jeu déjà. Bon, les modes, j'ai déjà. On verra pour plus tard, on s'achetait ça. On va d'abord mettre les modes fusion. Fusion, on va le mettre en favorite. Hop.
Il a un sac à dos ou pas? Mais j'ai l'impression que... Mais Vegeta, c'est une douille. Mais ce mec, c'est une fraude, ce mec. Il a rien du tout. Il a aucun sac, il a rien. C'est une giga fraude, Vegeta. Acheter Goku, mais pas Vegeta, en fait. Heureusement que le pack était pas très cher, en fait, comparé à l'autre. Il était moins cher, en tout cas. Je sais pas quoi mettre comme sac à dos pour... Venez, on met un truc Naruto, le truc a aucun sens, t'as vu. Oh ouais, non mais je crois que c'est ce que je vais faire en fait, regardez ce que je vais mettre. Là vous allez me dire ce que vous en pensez, hein. Peut-être je vais faire un truc, ça va, vous allez être énervé contre moi, mais je tente quand même, je m'en fiche, je prends le risque. Attendez, c'est où? Alors il va pas le retrouver, attendez, si je le retrouve, vous allez rigoler. Attends, bah je vais mettre Naruto en fait. Je vais mettre Naruto, comme ça je vais tomber dessus, Naruto, hop. Mec, ça passe ça? Ça passe ou pas? Est-ce que je suis en train de fusionner deux collabs? Oui. Je fusionne littéralement deux collabs. Vous savez quoi? Allez, au point où on en est, on fusionne. Allez, fusion de collab. Fusion de collab. On va inviter Yellow Yak. Refaire une game. Quoi qu'il a fait une game tout à l'heure, je vais quand même inviter PG Zombie. Il est quand même invité PG Zombie. Et Yellow Yak, je t'inviterai pour la game d'après, à la rigueur. Allez, on peut mettre prêt, les gars. Ah, attends, je te remets chef, Kota, t'es pas chef. Kota, t'es chaud, tu mets ton petit perso. Tu mets le petit Naruto, frérot? Un petit Naruto là, Azoir il kiffe la collab aussi lui. Je t'ai mis chef. Mets-moi un petit Naruto là. Kota là, fais une petite exception, tu ranges le Poiscaille, tu me mets le petit Naruto. Je suis chaud, tu m'équipes le Naruto, tu me montres de... On va faire comme ça la collab là. On va faire Naruto X Dragon Ball. Ah, il veut pas mettre, tu veux pas... Mais mets-le. Pourquoi il le met pas? Mais il est relou. Ah, il l'a pas. Bah mets-le PG Zombie. Je sais pas si tu as. Ah voilà Kota. Voilà Kota. Il a sorti le skin Naruto. J'ai mis le code PJP. Merci Frank Smith. Merci les gars ceux qui l'utilisent. Ça fait super plaisir. PJP minuscule ou majuscule les amis. C'est le P, c'est le J, c'est le P pour Pécho. Ça crush, vous connaissez la chanson les amis. Ça fait super plaisir. Et en tout cas d'ailleurs la vidéo d'aujourd'hui vous avez surkiffé les gars. Vous avez vraiment kiffé la vidéo d'aujourd'hui? Vous avez mis beaucoup de pouces bleus, ouais, elle a plus de 2000 likes la vidéo. Plus de 2000 likes, donc merci à tous ceux qui sont allés la voir, qui sont allés la liker. J'irai lire les commentaires, j'ai pas eu le temps de lire tous les commentaires, j'irai voir ça après. Mais ouais, merci pour vos retours. Alors, dans les défis, parce qu'on est quand même là pour ça les amis, c'est quand même le but de faire nos défis. On a déjà terminé les deux boules de cristal, ça c'est carré. Il nous reste de la puissance à obtenir, donc gagner un duel. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est les gars, si y en a qui peuvent me dire comment on gagne un duel. Participer à un duel dans plusieurs parties. Je sais pas ce que c'est encore une fois, donc si y en a qui sont au courant, dites-moi. Regardez Dragon Ball Super. Alors, on ira voir un épisode. Est-ce que... Moi je propose un truc, 3000 likes, on regarde un épisode en live. Enfin un épisode, on va voir ce que ça donne en créatif, mais on peut voir des épisodes en créatif. Donc 3000 pouces bleus, je compte sur vous. Ça peut être super cool. Et détruire un objet avec un Kamehameha, bon ça c'est plutôt facile, on va le faire tout seul. Allez, j'ai envie de loot, je vais aller à Tilted je pense. Ouais Tilted c'est pas mal. On est par pour Tilted. Je vous remercie encore ceux qui s'abonnent les gars. En une game on a presque pris 200 abonnés à la chaîne YouTube. Donc merci à tous ceux qui s'abonnent, qui activent la cloche. Vous êtes en train d'exploser le compteur d'abonnés en ce moment. Et vous le savez, on est en route vers les 900k les amis. Les 900k abonnés. Et ensuite après les 900 000 ce sera le million, vous connaissez la chanson. Mais pour le moment c'est les 900 000 les gars. Duel c'est les contrats. Ok frérot, merci beaucoup pour le conseil. Let's go, j'étais pas au courant. Là au moins maintenant je sais. En fait c'est ça l'avantage de faire tes défis en live. C'est que la commu, ils sont grave là pour t'aider. C'est cool. En plus, les gars, je vois l'heure. Il est minuit 17. Ça veut dire que dans 40 minutes, les gars, 40 minutes, il y a la surprise avec les V-Bucks à gagner. Je le répète, mais tout le monde peut participer. Et vous avez juste à lancer Fortnite. C'est une surprise que je vous ai préparée qui va être plutôt cool, les gars. Donc franchement, vous allez kiffer, je pense, les frérots. Vous allez vraiment kiffer. Hop, 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 hop. Mais qu'est-ce qu'il me tire dessus, lui, là? Oh, le relou. Oh, le relou, il me tire dessus. Il est où? Il a un HP. Ok, let's go. Il y a son pote derrière, je l'ai vu. Regardez la technique, les amis. Technique secrète, on jump ici, bam, et là. On a la hauteur. Petite technique à la Vegeta. Je me transforme, ça mérite une transformation. Boum! Ça, c'est quand t'as mis le code PJP, frérot. Tu deviens un super Saiyan. Tu deviens énervé. J'ai mis le code PJP. Merci Kevin, merci frérot. J'ai pécho ma crush. Attends, j'ai pécho grâce à ton code créateur. Merci Béatrice. Ah bah si t'as pécho ton crush ou ta crush, frérot, GG. Hein. L'objectif, les gars, c'est de pécho son crush ou sa crush. J'ai mis le code PJP et j'ai pécho ma crush toute la semaine. Oh Arnaud.
Les gars, Arnaud, je crois qu'il a, il a vraiment pécho, les gars. Lui, c'est pas des blagues, hein. Lui, je crois, il a vraiment pécho sa crush, Arnaud. Là, en mettant le petit code PJP. Il me l'a dit. Et je vais rien dire en live, parce que voilà, tu vois, mais... Il a pécho Margaret, quoi. Eh, le blaze me tue. Les gars, Margaret, pour ceux qui se demandent c'est qui, c'est la copine à Arnaud. Donc n'hésitez pas, vous mettez Margaret. Vous mettez juste Margaret. Voilà, Margaret et vous mettez un emoji. L'emoji que vous voulez. Bon, par contre, attends. Il y a un joueur dans le bâtiment, je l'entends. Oh, je suis désolé, frérot, mais lui, il a mangé un truc. Oh, il a mangé un truc. J'ai tiré par réflexe. C'est les réflexes qu'on parlait. Hop, on récupère un peu de shield. On est bien en vrai là. On est bien, merci à ceux qui like le stream. On est en route vers les 3000 likes, les gars. 3000 likes, on regarde un épisode Dragon Ball. Ok, là on a du shield. Hop. Ça c'est perfecto. Perfecto, on a du shield. Allez, on a bu tout le shield. On est carré. Voilà, du coup, je vais accepter un petit contrat. Hop. On accepte un contrat. Participer à des duels, donc ça avance le combat. En fait c'est des duels maintenant, c'est plus des contrats pour l'event. Ils ont trop bien fait la collab en fait. C'est des contrats, c'est pas des... Trop stylé. Bon, moi je vais prendre ça. Je vais aller chercher le petit pouvoir de Dragon Ball. Ah, par contre attends, comment ça se fait, je peux pas passer par là. Je peux passer par là. Je vais te stream hack. Oh frérot, si on a un qui ose me stream hack, je vais lui mettre un coup de... De Kamehameha, le frérot, il va retourner chez lui. Il va retourner dans le lobby. D'ailleurs, les gars, pour ceux qui ont ma vidéo tout à l'heure, ma vidéo que j'ai sortie, les gars, à 19h, j'ai quand même fait, hein. J'ai quand même fait top 1. 15 kills avec le Kamehameha, c'est énorme, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, moi, je trouve ça grave propre. Allez, ok. Ensuite, on jouera Bulma, les gars. Bulma, j'ai l'impression qu'elle est pas trop hype. Mais j'ai l'impression, en fait Bulma elle m'a pas l'air ouf parce qu'elle a pas de transformation, tu vois. Après peut-être elle est cool à jouer. J'ai mis le code PJP, merci Slamy, merci mon gars. Merci beaucoup d'avoir mis le code PJP, tu régales frérot. Vous êtes bientôt 50 000 à me soutenir, hein, c'est énorme en plus. Merci beaucoup les bros. Attendez. Voilà, venez. Ok, expérience, on fait une expérience tout de suite. Ok, j'ai une idée d'expérience. Tu montes avec ta voiture ici là. Tu te mets là, sur cette plateforme. Kota, monte avec la voiture. Il fait assez frais dans la pièce, les gars, je coupe le truc. Merci Sasuke d'avoir mis le code PJP, je suis mort. Il y a un mec qui l'a mis. Sasuke, il a mis le code PJP. On va faire une expérience. Vraie expérience de fou en plus. Hein. Expérience de zinzin. Amenez la voiture ici. Alors, les gars, il faut participer à mon expérience là. Il faut. Vas-y, PJ Zombie, vas-y, viens prendre la voiture. Hop. Attends, doucement, me shoot pas non plus. Tu t'entends là derrière avec la voiture, hop. Tu mets la voiture ici s'il te plaît. Mais wesh. Ah mais mince, excuse-moi. Mince, j'ai utilisé le pouvoir, c'est vrai que ça détruit le sol. En fait j'ai pas sauté dans les airs, du coup j'ai détruit le sol. Oh, je suis un gogol. Oh, ils ont fait le... Oh, Naruto et Hinata. Attendez, ça veut dire quoi ça, le chat? Wesh. Si y a Naruto... Attends, ça veut dire que Kota il est... Moi je l'ai dit depuis longtemps, hein, les gars. Kota, pour moi, il crush sur PG Zombie. Pour moi, les gars, je l'ai dit depuis très longtemps, mais pour moi, Kota crush sur PG Zombie. Donc le fait que PG Zombie, elle a vu que Kota, il a mis le skin Naruto, elle a fait exprès pour lui envoyer... Est-ce que vous pensez qu'elle lui a envoyé un signal pour lui dire en mettant le skin Hinata? Pour moi, Kota, il est au courant de quelque chose qui me dit pas. Kota, il est au courant de choses que qu'il veut pas me dire. Bon, montez dans la voiture, vas-y Kota, monte dans la voiture, on va faire une expérience. On va faire une petite expérience, monte dedans. Hein. Comme ça, je vois bien ton blaze. Je vais Kamehameha la voiture, je sens qu'il va se passer une dinguerie. Hein. Je sais pas pourquoi, mais ça va être incroyable. Est-ce que les skins DBZ vont revenir dans la boutique plus tard comme Naruto? Ils vont forcément revenir, et en plus, il y aura une deuxième collab comme Naruto. Genre, Naruto, il y a une première collab, puis une deuxième collab avec Itachi, Hinata, tout ça. Bah là, ce sera la même chose. Ensuite, les gars, moi, je sais pas quand ça va revenir. Mais je sais qu'il y aura une deuxième collab, vu comment elle a marqué. Dites-vous que le début commence mieux que Naruto, donc il y aura forcément un épisode 2. Allez, c'est parti. Oh, c'est trop nul.
Oh, c'est... moi je pensais que t'allais décoller, frérot. Oh, je suis déçu. Je suis un peu déçu, les gars, là, de ce qui vient de se passer. Moi, c'est pas grave. Objectif construction. J'aimerais bien trouver des joueurs, là. J'ai envie de leur mettre des kamehameha dans le crâne. Des gros coups de kamehameha. Est-ce qu'on peut d'ailleurs améliorer les armes mythiques? Attendez, imagine, on peut avoir une arme... Ok, on peut pas l'améliorer, ça. Bon, ça s'améliore pas. Ça paraissait plutôt logique. Attends, je vais m'améliorer, du coup. Une nouvelle transformation. Oh, en bleu! Je sais pas trop quoi en penser. En bleu, il est un peu étrange. Il est un peu étrange. Ouah, par contre, merci à ceux qui s'abonnent. On est en route vers les 855 000 abonnés. Vous êtes incroyable, le chat. Hein. Merci beaucoup. Par contre, les gars, n'oubliez pas la cloche. Hein. Ceux qui s'abonnent, activez bien la cloche, c'est important. Il y a des vidéos tous les jours et je suis très régulièrement en live. Donc voilà, activez la cloche, les gars. Franchement, ça... c'est quand même plutôt important et ça fait plaisir, ceux qui activent la cloche. Code PJP, t'es le meilleur. Merci Zazu, c'est toi le meilleur, mon gars. Tiens, allez, pour à peine. Hop là, je casse ça. Allez, on casse ça aussi, on est fou. Bah voilà, bah en fait, je voulais faire le malin et prendre la faille de poche et me faille de poche, mais j'avais pas le temps. Très mauvaise idée. Bon, je vais aller chercher des joueurs parce que là, j'ai envie de... Oh, il y a une bouteille là. Il y a une bouteille qui part ici, là, qui vient d'atterrir si vous voulez la récup. Elle est pas trop loin en vrai. Je vais essayer de choper des joueurs ici. En vrai, c'est la pire zone ici pour avoir des... pour trouver des joueurs à fight. C'est pas comme les villes, genre les villes, tu sais qu'il y a forcément du monde dedans. Mais y a personne là, on a le pire la pire zone en fait, vraiment. Petite technique, le slide, vous connaissez les bails. Code PJP pour plus de s'accroche. Merci Jordan, merci beaucoup mon gars. Go top 1. On va tenter le top 1 les amis. On a fait top 1 avec Goku, avec Beerus. Là maintenant c'est au tour de Vegeta les gars. Il est temps de montrer que Vegeta peut faire top 1. Je sais pas s'il va être stylé le top 1 de Vegeta mais on va tenter. Oh, il y a encore un défi à accepter là. Attendez, je vais l'accepter. Hop là, on fait nos défis les gars, ça avance bien. Attends mais Kota il a des joueurs sur lui, comment il a trouvé des joueurs? Ah c'est parce qu'il y avait le pouvoir, mais ouais les gars je suis bête. J'aurais dû aller où il y a le pouvoir. Il y a forcément des joueurs qui veulent les récupérer. Oh, attendez. Oh non, je voulais rentrer dedans, ça marche pas. Voilà, personne là, les gars. Il veut s'attaquer à des joueurs. Il peut s'attaquer à personne. Vegeta. Oh, est-ce qu'on tente? Je suis chaud de tenter le pouvoir. Le pouvoir du Kamehameha sur un requin. On tente ou pas le chat? Frérot. Attends, venez, on lui met une feinte. Venez, j'ai envie de mettre une feinte au requin, les gars. Je vais lui mettre une feinte. Merci Ali pour tes 6 mois. Est-ce que tu peux m'offrir le skin Goku? Ah, les gars, j'offrirai un skin Goku à la boutique. Et en plus, il y aura une surprise, les gars, sur le live à 1h du matin. Allez, sur le requin. Oh, oh le requin, j'en ai fait des filets aux fiches. J'ai transformé le requin en filet aux fiches les gars, moi je vous le dis. Ah non mais là les gars c'est un truc de dingue. Le requin est un filet aux fiches, vraiment. C'est un filet au requin maintenant. Non mais c'est beaucoup trop fort. Hein. Par contre là du coup des kamehameha j'en ai plus. Enfin, il m'en reste plus qu'un. Y'a pas un joueur là? J'ai utilisé mes kamehameha sur des requins. Qu'un des nouvelles cibles les gars. Hop là. Oh il est trop mignon. Je lui ai atterri une normale. Je te suis depuis tes 420 000 abonnés et là t'as bientôt 1 million, c'est incroyable. Merci Zoïr. Hein. C'est vrai que les gars, ouais, vous êtes beaucoup à vous abonner en ce moment, c'est un truc de dingue. Et on va rien lâcher jusqu'au million, les amis. On va rien lâcher. Et même quand on aura le million, on va rien lâcher, bien évidemment. On va pas lâcher quand on aura le million, vous êtes fous le chat. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on va rien lâcher jusqu'au million quand même. Vous régalez, merci à ceux qui s'abonnent, ça contribue énormément vers le million d'abonnés. Bon, par contre, bon, les joueurs, c'est coussi coussa quoi. Ils sont pas très là. Ils sont pas trop là les joueurs là, ça m'attriste un peu de pas les voir. Où ils sont les frérots là? Y'a personne, c'est pas possible. J'entends du fight. C'est ici, y'a des gens, c'est sûr. Mais y'a le brouillard aussi, on voit que dalle. Mais en fait c'est PG Zombie et Kota, ils prennent tous les kills là, les deux petits amoureux là, c'est pas possible. Il me laisse aucun kill. Je vois depuis tout à l'heure dans le chat, ça enchaîne les kills. Attends, il a combien de kills? Kota, il a 4 kills.
Ah ouais, mais ah ouais, ils sont énervés en fait. Top 18. Oh, attendez. Un pouvoir arrive du ciel. Je le vois, il est là-bas. Enfin, là, il y a des joueurs. Déjà, je vais utiliser mon petit caméra. Attendez, il y a deux joueurs, il y a deux joueurs. Je peux peut-être faire une doublette. Doublette. Mais c'est tout. Mais c'est trop nul. Mais oh, j'ai déconné. Attends, laissez-moi les kills, s'il vous plaît, ici. Laissez-les-moi, les gars. Pige zombie quota, s'il vous plaît, laissez-les-moi. Ah bah non, t'as le... Vas-y. Tu peux les tuer, frérot, si tu veux. Avec le caméra. Ah bah attends, tu l'as plus. Attends, je vais chercher un Kamehameha. Genre, hey, j'ai pas aucun kill Kamehameha là. Vegeta, il a aucune puissance, j'ai l'impression. Il faut que je prouve la puissance de Vegeta là. Je vais aller chercher des pouvoirs, j'arrive. Kota, bah je pense que t'as beaucoup de build vu que t'as fait des kills. Commence en scred la skybase, hein. Je pense que tu peux déjà la commencer vu qu'on est top 9. Là, je vais juste récupérer ça et j'arrive avec toi en skybase. On récupère là. Ça, on dirait une potion. Ok, j'arrive, les gars. Je prends le nuage. Et là, je vais leur mettre un giga caméra. Mais je crois qu'il les a tués, je crois. Ah, ils sont morts. Oh, attendez, il y a des joueurs là-bas. Là, je vais me faire un kiff de fou là. Hein. Depuis le temps que j'attends des joueurs. Oh, il y en a un au-dessus de la montagne. Lui, je vais m'en faire mon affaire, les amis. Merci à ceux qui like le stream, on est en route en plus vers les 3000 likes et je le répète, à 3000 likes, on va voir ce que ça donne les épisodes de animés là, les trucs de Naruto. Enfin, n'importe quoi. Les trucs de Dragon Ball, les gars, là, il y a des épisodes de Dragon Ball Z, il y a un défi, il faut aller en voir un. Moi je suis chaud, on va voir ce que ça donne aux 3000 likes, les gars. On lui fait trop le malin, lui, allez, graille mon pouvoir. Voilà, non mais à un moment il a fait trop le malin, lui. Non, il méritait. Bon, les gars, j'arrive, je vais vous rejoindre parce que là, sinon après, je vais être en retard. Wesh. Il fait mal. Wesh, attends, mais j'ai plus d'HP. Attends, je vais me barrer avec le pouvoir mythique là. Ah, je me taille, il m'a fait trop de dégâts. Oh, Kota, t'as fait une skybase de malade, mais elle est cramée ta skybase là, non? Je prends le risque, les gars. Oh putain, j'ai pas le pouvoir. Attendez, faut que j'attende. Parce que là, si un mec tire sur mon tout. Tire sur ma skybase, je vais tomber, je vais mourir. Ça va pas être une bonne chose. On va prendre son temps, les gars, on va y aller chill. L'objectif, c'est pas non plus de se presser. Ok, let's go, là, on peut y aller. Voilà, je pense que je peux faire ça, hop. Incroyable. Hop là, on est en skybase en plus, parfait. Perfecto. J'ai envie de kamehameha un loot. Vous voulez qu'on teste ou pas le chat? Je vais kamehameha le loot. Attends, je vais faire ça là-bas, hop. On va kamehameha un loot. Attends, par contre, j'attends d'avoir le nuage. Bon, au pire, je pense que je l'aurai d'ici là. Allez, go. Kamehameha. Oh putain, le loot. Ah frérot, ah ouais, mais en fait, le kamehameha marche sur tout, les gars. Les colis de ravitaillement, les structures, les joueurs, les... Ah ouais, mec, c'est un rayon de la mort, en fait. Qu'est-ce qu'il... Chut, regardez, les gars. Attendez. Qu'est-ce qu'ils font? Wesh! Chut, les gars, faites pas de bruit le chat, faites pas de bruit. Allez, faire des bisous. Wesh, regarde ici. Mais. Oh! Vous faites quoi là? Wesh! Oh, on va me faire tomber là. Eh les gars, on les a vus. Vous avez vu le chat? Est-ce que vous avez vu ce que j'ai vu? On vous a cramé là. Ouais, t'énerve pas frérot. Wouah! Ah ouais, même Naruto il se vénère là. Ah non, mais là t'es à Kota, t'es pris la main dans le sac là. T'es pris la main dans le sac, mon gars. La main dans le kamehameha, carrément. Ah, vous avez vu, là? Ah non, là, ils ont vu. Ah non, mais... Eh, Kota, c'est trop, là. Ah, Kota, comme ça, là. Naruto, il pécho Hinata comme ça. Arrête. Oh, il dit non. Oh, le menteur, on t'a vu. Wow. Hinata, il veut carrément me faire tomber de la skybase. Merci, les Monster Fou, merci pour les 2$ canadiens. Je veux Goku. Et je suis... Oh, j'ai pas compris ton message, frérot. Merci Marvin d'avoir mis le code PJV. Oh, fusion, ouais, venez, on fait fusion. Kota, viens, on fusionne. Fusion. Incroyable. Ah, bah, on sait avec qui veut faire fusion, Kota, les gars. Hein, y'a pas besoin de dire, hein. On sait avec qui veut faire la fusion, Kota. Bon, attendez, les gars, moi j'ai oublié un truc en bas, je vais aller voir. Les gars, en fait, c'est fou, j'ai rien oublié, on va les espionner. Oh, ils ont mis un mur. Oui. Oui. Elle est à
fait un bisou. Non mais frère, c'est trop. Bon les gars, c'est bon, je suis revenu. Let's go. Ah, il y a un mur là, c'est pas normal ça. Vous étiez en train de faire quoi là? Ah, ils font des émotes Fortnite. Ok, ils font des trucs... des émotes Fortnite normal alors, ok. Bon. Il est temps de... Il est temps de tester maintenant les doubles Kamehameha. Est-ce que t'as un Kamea, Kota? Ok, parfait, garde-le. Et toi, Hinata, t'as... Tiens, prends le mien. Hop. Ok, prends-le. Bon, je vais vous expliquer quoi faire. Venez, donne-moi ton build, Kota, j'ai pas de build. Naruto. Naruto qui donne du build à Vegeta, j'aurais jamais cru voir ça de ma vie. Bon, ça, enlève-le-moi. Ta graine, elle me saoule. Bon, venez, 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 on va faire l'expérience. Normalement, ça va le faire. Oh, ça a planté l'arbre, je suis mort. Ça a carrément planté un arbre. Bon, il y en a un qui se met là. Qui se met au bout du truc. Bah vas-y Naruto, reste au bout du truc là. Non mais là-bas, ici là. Attends, hop là, là, sur le bord. Et Hinata, tu viens. Tu vas te mettre là. Ok, tu vas te mettre là. Et à mon go, vous allez tous les deux vous viser avec le Kamea, ok. À mon go, ok, je me mets au milieu. Oh, il y avait un loot qui passe au milieu MDR. Bon, est-ce que vous êtes prêts? Je vais faire, là le faites pas tout de suite mais c'est un exemple. Je vais faire 3, 2, 1. Et là vous sautez et quand je dis go, vous faites le Kamea sur vous, ok. Attention. Merci à celui qui like le stream, qui s'abonne, ça fait plaisir. 3, 2, 1, go. Oh, Hinata contre Naruto. Oh. Oh la dinguerie, c'est incroyable. Ah c'est trop beau les gars, c'est trop beau. En fait ça, le rayon se... Bah comme dans les films, comme dans les animés, mais quand il y a deux personnes qui se tapent avec un giga pouvoir, il y a toujours une confrontation. C'est trop stylé. Ah, ma caméra, les gars, elle a surchauffé. Les gars, ma caméra, elle revient. Je redémarre la caméra, les frérots. Je sais pas pourquoi elle a surchauffé alors qu'il fait bon dans la pièce. Oh, let's go. 855 000 abonnés. Let's go, le chat. Un maximum de GG. Attendez, la cam se redémarre. Hop. C'est bon. Merci pour les 855 000, vous êtes des cracks le chat. Oh, attendez, par contre, j'ai plus YouTube là. Attendez, faut que je remette YouTube. J'ai plus le chat sous les yeux là. YouTube a fait un petit bug. Et n'oubliez pas les gars, bientôt 3000 likes. On est à deux doigts d'avoir les 3000 pouces bleus. Si on a les 3000 likes, on lance le nouveau mode pour regarder. On peut regarder Dragon Ball sur Fortnite. Donc moi je suis chaud. On lance le mode de jeu, dans tous les cas, il faut le lancer pour le défi. Donc on lance ça. Qu'est-ce qu'ils font là? Mais wesh, comment ça ils font du... Mais qu'est-ce qu'ils font là? Attendez les gars, moi je les espionne. Mais qu'est-ce qu'il fait Naruto? Mais qu'est-ce qu'il fait Naruto là? Il fait peur à Hinata, mais qu'est-ce qu'il fait wesh? Ah ouais, Hinata elle a pris fuite. Elle a fui. Elle a fui les modes de Naruto. Qu'est-ce qu'il fait Naruto là? Fait Tagada U. Attends. Mais wesh, mais attends, mais en fait, il fait des trucs bizarres, Naruto, là. Arrête de me coller comme ça, là. Eh, mais Naruto, il me fait peur. Tiens, tu tombes, Naruto. Allez, il me fait peur. Il fait des trucs bizarres, Naruto, là. Il est fou. Naruto, il est... Wesh. Tu me fais peur, toi aussi, là. Avec ton arme. Bon, il est temps de faire le petit top 1. J'ai rien pour faire le top 1, en vrai. Moi, vous savez quoi, les gars, je crois... Allez, pour cette game, je me permets, je sors le Kamehameha, j'ai envie de faire un top 1. Non ! Je venais de le sortir ! Kamehameha! Sur quota, sur quota, sur quota! Oh, c'est incroyable! Bon, bah, les gars, on a fait top 1. Je crois le mec, il est mort soit de dégâts de chute, soit de zone. Bon, bah, en vrai, ça reste un top 1. Tu vois, il est pas stylé, mais ça reste un top 1. On a fait top 1 avec Vegeta. On a avancé dans nos défis. Regardez les défis là, on avance très très bien. Et du coup, qui dit top 1 dit que je vais ajouter 2 abonnés, les frères. Mettez votre pseudo Fortnite tout de suite dans le chat et je vais ajouter 2 abonnés sur le live. Je vais ajouter 2 abonnés sur le live. Voilà, bah forcément, en plus je remercie tous ceux qui s'abonnent, on vient de passer les 855 000 abonnés, vous êtes des cracks le chat, merci pour tous vos abonnements, merci pour tous vos pouces bleus, vous êtes des, vous êtes des bros. Oh, petit cadeau de Spider-Man, Spider-Man, tac là, qui m'a envoyé un cadeau, merci beaucoup mon ref, gros dédicace à toi, on va t'ouvrir ton cadeau. Oh, il m'a envoyé une pioche et un sac tortue, mais c'est le truc Dragon Ball en plus ça. Merci mon gars, merci beaucoup, on va aller jouer ça direct. Tu régales frérot, tu régales de fou. Attends, mais je crois du coup le pack est pas cher. Attends. 800 V-Bucks, j'ai deux planeurs. Je sais pas.
on achète ou pas? Bien sûr qu'on va acheter, les gars, avec le petit code PJP. Avant, j'ajoute quand même les abonnés. Je vais quand même ajouter les abonnés. Mettez votre pseudo pour fêter le top 1. Hop. Et les gars, on a dans 10 pouces, on a les 3000 likes. On va lancer une petite game comme promis. On va lancer une game comme promis dans le mode animé. Dans tous les cas, il faut lancer une game pour le défi. Ok, hacker, ton pseudo fonctionne et on va ajouter quelqu'un d'autre. C'est Kerven. Kerven, ton pseudo fonctionne. On t'ajoute, frérot. On a ajouté les deux abonnés. C'est nickel. C'est nickel, les amis. Je suis chef du groupe. On va lancer une game. On va lancer une game, mais avant, Kota, du coup, on va juste faire le mode animé, ok? Festival, hop. Déco ton pote, Kota, le temps qu'on fasse le festival et ensuite, voilà. Alors les gars, on fait lequel? Vous me conseillez lequel? Épisode de Dragon Ball Super. Épisode Dragon Ball Super. Épisode Dragon Ball Super. Que des épisodes en fait. Bah venez, on regarde le numéro 1, je pense qu'on commence par celui-là. Vas-y, on se met en public, ça peut être rigolo. Allez, let's go. Puis zombie et Kota, mettez prêt. Ensuite, on lance une dernière game, les frérots. Et ensuite, il y a la surprise. Restez bien sur le live. Surprise, je le répète, à 1h du matin. Il y a une surprise que je vous ai prévue. Il y aura plus de 3000 bucks à gagner. Et vous allez tous pouvoir participer, les amis. Vraiment, tous pouvoir participer. N'importe qui pourra participer sans souci. C'est copyright? C'est copyright ou pas? Ah mais attends, fais gaffe, la musique est copyright. Comment ça? Oh oh oh. Y'a la musique, la musique. Ah papa la papa la papa la pa. J'ai coupé le son. C'est vraiment copyright? Est-ce que les images sont copyright? Y'a personne dans le mode, frère. C'est quoi ce délire? Attends, on peut utiliser à l'infini le truc? Ah ouais. Mais attends, mais c'est trop joli en fait, Dragon Ball, trop stylé. Dragon Ball Super Hero. Dragon Ball Super Hero. Mais je crois que c'est le film, ça. Full screen zone. Use the prompt enable screen. Je comprends pas. Oh, comment il a fait pour s'allonger? Comment il a fait? Wesh. Qui rêvait plus tard, Iso... Attends. Mais comment il a fait? Comment vous faites, là? Comment vous êtes assis? Je m'asseoir aussi. Attends, Kota, t'es fait comment? Mais comment ils font? Comment ils s'assoient? Fais une danse. Ah! Full screen, use the prompt. Mais je comprends pas comment on a le full screen. On peut pas avoir full screen, c'est pas possible. Ah, ils sont en train de se combattre, là, ça se bat sévère, en fait. Bon, bah les gars, malheureusement, je peux pas mettre le son. Va dans le mode. Je sais pas ce que je dois faire. Juste on peut s'asseoir ici, c'est un peu nul. Mais on voit pas en grand. Fortnite Shop, quoi? Oh la dinguerie. Oh la dinguerie. Et on peut payer des glaces. On peut avoir des glaces, mais c'est trop mignon. Ah, c'est trop mimi. C'est trop mimi. Bon bah les gars, en vrai le mode est stylé, j'ai fait mon défi. Non, en vrai c'est super stylé les gars, malheureusement je peux pas mettre le son. Et c'est copyright. Oh là-bas il y a des Pouascailles et tout. Oh mais en fait ils ont fait des trucs trop bien. Des trucs de skin et tout, oh c'est trop mignon. Et même on peut se poser sur les nuages, moi je trouve ça bangers. En fait on est sur un yacht en fait, c'est un bateau. En fait on est sur un bateau de malade. Et là on a le... Oh. En plus il y a vraiment les persos de la... Franchement trop stylé. Avec Burus, oh mec mais trop stylé. En vrai les gars, je pense que j'y retournerai hors live pour mettre le son et tout, mais je peux pas mettre le son. Je peux mettre le son. Attends, à ce qu'il paraît, faut aller dans la zone. Mais j'étais dans la zone, mec. Attends. Kota, il m'a dit d'aller dans la zone. Je suis dans la zone, mec, là. Hein. Regarde. C'est pas la zone full screen du tout, c'est bugué leur truc. Comment tu fais? T'es en train de regarder Kota. Démute-toi Discord, dis-moi comment t'as fait. Parce qu'en fait, les gars, Kota, il a mis en plein écran le film. Ah oui. C'est incroyable. Ah ouais. Oh mais les gars, non c'est trop bien. C'est, on peut carrément, les gars, on peut carrément regarder. Non. Moi les gars, je le dis, j'irai regarder un épisode, je pense, voir si c'est intéressant. Mais ça a l'air bangers, hein. Ça a l'air bangers comme ils ont fait le truc. En plus c'est court. Regardez, c'est plein d'épisodes comme ça. Oh, on est sur le bateau. Oh, mais c'est le bateau qu'ils ont refait en fait. Oh, c'est incroyable. Oh, attendez, là ils ont mis
Ils vont peut-être invoquer un truc. Ah mais ouais, mais du coup il est là lui, il est gentil finalement, c'est ce que vous m'avez dit. Vous l'avez dit. Moi j'aimerais bien voir ce qui se passe avec les boules de cristal là. Non, ouais, c'est trop stylé, c'est incroyable. En vrai, c'est incroyable, les gars. On va quitter parce qu'il est... il faut qu'on fasse la dernière game. Hop. Attends, oh quoi que, attends, les boules de cristal. Allez, il se passe une dinguerie ou pas? Bon, il se passe pas grand chose. Allez, on va y aller. En vrai, c'est stylé, l'event est stylé. Je valide de ouf l'event. L'event est stylé. Bon, il est 44, les gars, on va faire une dernière game. Et après la dernière game, on va tout simplement... voir la surprise les amis, car je vous ai prévu une surprise à 1h du matin comme je vous l'ai dit. Kota, je te mets chef, hop. Je t'ai mis chef Kota, comme ça tu mets le bon mode. On va inviter dans ceux qui me demandent, bah Ryan, Ryan il m'a demandé à join. Ah je peux pas l'inviter. On va inviter qui? Bon venez on invite Power Kota. Allons on va inviter Power Kota. Veuillez rester ultérieurement. Bah, je peux inviter personne. On a fait le mode de jeu, j'ai cassé mon Fortnite. J'ai totalement cassé Fortnite, les amis, avec le mode. Merci pour les 3000 pouces bleus au passage, merci beaucoup. Ah, mais attends, mais j'ai plus de son aussi, je suis en train de m'en rendre compte. Il y a un truc qui est bizarre, c'est que j'avais plus de son, mais c'est normal en fait, je l'ai pas remis. Hop, c'est bon, j'ai de nouveau du son, les gars. On va inviter qui? On va inviter bah, Xeno, tiens, allez, Xeno, on l'invite. Hop. Bah, vas-y, Kota, invite, moi je peux inviter personne, c'est bugué. Exclu, bah... Ah, bah c'était bugué pour lui aussi. J'ai invité Xeno, hop. Kota, je vais t'inviter, demande-moi à join. Hop, je t'invite. Let's go, dernière game les gars, et ensuite on est prêt pour la surprise. Dites-moi dans le chat qui va être présent pour la surprise à 1h du matin. Dites-moi qui a déjà le Fortnite de lancer, qui est prêt. Bon, si vous n'avez pas Fortnite de lancer, vous avez le temps, on va faire une game, vous avez le temps de le lancer pendant la game. Bien évidemment. Ok, bon. Moi les gars, il est temps de jouer le dernier skin, on n'a pas joué Bulma, on va jouer Bulma. Hop, Bulma, allez. Par contre les gars, moi, comme ça, je la trouve pas ouf. Je la préfère en mode infirmière. Je sais pas si c'est infirmière, mais t'as capté. Ah, des bottes là, et là, fais voir. Moi, je préfère comme ça, moi. Allez, on joue Bulma comme ça, elle est trop stylée. Allez, c'est parti les gars, dernière game. Encore une fois, je remercie tous ceux qui mettent le petit code PJP les frérots. Ça fait plaisir. Je vous ai prévu une super surprise. Franchement, vous allez bien vous amuser normalement. Vous allez tous pouvoir venir jouer, etc. Ça va être plutôt cool, les gars. Et vous avez juste à lancer Fortnite et que le meilleur gagne. Déjà, j'ai une petite question. Pour la surprise, ça va être cool car il y aura le tout premier truc qu'on va faire. Ça va être ça, le thème. Ça va être le thème, j'ai pas envie d'en dire plus. Mais est-ce qu'il y en a qui ont déjà des outfits Dragon Ball sur son compte Fortnite? Qui a des outfits Dragon Ball, là? Qui a déjà des petits combos outfits DBZ? Dites-moi le chat, là, je serais curieux de savoir. Genre, tu as des trucs vraiment quali. Ça m'intéresse. Moi, moi. Ceux qui n'ont pas, c'est pas grave. Ce sera que au début. Au début, il faudra un... Ce sera que pour le premier... Pour le premier truc. J'ai pas envie de vous spoil trop. Ce sera que pour le premier truc. Mais ensuite, vous inquiétez pas. Vous allez tout simplement... ce sera tout simplement ouvert. Vous allez comprendre. J'ai pas envie d'en dire plus. Je vais bien vous expliquer comment ça va se passer à 1h du matin, dans tous les cas, vous inquiétez pas. Dans tous les cas, maintenant, c'est la dernière game. Dernière game, les gars. On va essayer de faire un petit truc cool pour la dernière game. Et après, le live ne s'arrête pas. Après, c'est la place à la surprise. C'est juste la dernière game de Battle Royale. Et après, c'est la surprise, comme je l'ai dit. Vas-y, vous voulez aller à Kone, moi, je vais aller avec vous. Hein. Et le bus en mode Dragon Ball, il est trop, trop beau. Il est magnifico, même, carrément. Il est magnifico! Magnifique, magnifico. Quoi, la boule à côté de jouer dans le salon? La boule à côté de jouer, frérot, c'est le pass de combat Dragon Ball. Un pass de combat gratuit. D'ailleurs, moi, j'avance dans le pass de combat, là, de Dragon Ball. T'en fais voir, il me reste les quêtes. Il me reste des dégâts à faire et... Il me reste presque plus rien, les gars. Oh, j'ai presque tout fait, let's go. La dernière version de Vegeta, c'est Sonic. J'avoue qu'il ressemble à Sonic, la dernière version de Vegeta. En mode hyper hyper énervé là. En mode, je crois que c'est Ultra Instinct aussi pour lui. Ultra Instinct. Let's go. Elle est trop stylée Bulma en vrai. J'aime bien avec la petite version en mode. En mode. Intelligente comme ça là. Mode scientifique. Il veut me péter un mon kill lui.
Ok, let's go. Il est où, y'a un mec? Ah frérot, c'est carrément une dinguerie le l'arpon. On va récupérer un petit fusil à pompe, let's go. Desplash, let's go. On va voir ici s'il y a des petits poissons. Est-ce que lui il donne de la vie? Oh, il donne de la vie, let's go. C'est une bonne nouvelle. On se splash. Mais les gars, est-ce que dans l'animé, moi comme je l'ai dit les gars, je m'y connais pas du tout, je m'y connais pas assez. Est-ce qu'elle peut faire un Kamehameha, Bulma, le chat? Si Bulma peut faire un Kamehameha, les gars, c'est incroyable. Qu'est-ce que t'as? Oh, on peut acheter des pouvoirs. Incroyable. Oh, il est... hey, le distributeur, les gars, il... en vrai, il est trop stylé. Oh, par contre, on peut le casser, donc faut faire attention. Vas-y, bah moi, je m'achète un... Non, le nuage, je l'achète pas. Mais par contre, je m'achète le pouvoir. Le nuage, ça sert à rien, parce que dans les games, on va forcément en avoir un. C'est trop facile à obtenir un nuage. Elle peut pas en faire dans l'animé. Ah Bulma en fait elle est claquée au sol dans l'animé en fait, personne la respecte. Comment ça elle peut pas faire de... Est-ce que Beerus il peut faire des Kamehameha dans l'animé? Pourquoi il détruit tout comme ça Kota là, respecte le mobilier. Ah Beerus il peut rien faire. Ah vous me dites, ah mais en fait attendez, y a que Goku et Vegeta je crois qui peuvent faire le super le Kamehameha du coup. Parce que là vous êtes tous en train de me dire qu'elle est... qu'elle peut pas le faire Bulma et Beerus. Non il détruit des planètes Beerus. Ah ok pardon. Ok bon, bah Beerus il est un peu il est un peu plus vénère tu vois le frérot. Mais attends comment ça il détruit des planètes? Ça veut dire que le mec il claque des doigts c'est Thanos. Eh les gars vous me donnez trop envie de voir un épisode où Beerus il déexplose des planètes là, ça me donne trop envie. Eh si vous me dites que... Ah frérot c'est vraiment vénère hein. Par contre attendez, est-ce qu'on en parle des pouvoirs mythiques? D'un côté tu peux avoir un nuage magique, un Kamehameha, un sabre laser et de l'autre côté tu peux avoir ça. Ça n'a aucun sens, genre vraiment c'est Fortnite, ils ont fait des collabs avec tout maintenant. Il y a des armes mythiques, ça me fume de rire sur le jeu. Il n'y a pas beaucoup des armes mythiques d'ailleurs dans cette saison là, il y en a 4. Il y a cette arme que j'ai dans les mains là. Ah mais non mais en fait il y en a plein des armes mythiques cette saison, il y en a énormément. Vu que j'en ai plein dans ma tente aussi, il y a le sniper, le pompe, la SMG, enfin l'arme de distance. Il a explosé une planète. Jure, il a explosé des planètes. En fait, c'est pas un rigolo, le frérot. Beerus, en fait, j'ai l'impression qu'il a... Il est vraiment très cheaté, ce mec. Et vous êtes en train de me dire qu'il est devenu gentil. Je sais pas comment c'est possible qu'un mec aussi... Enfin, vous... à chaque fois que vous m'en parlez, j'ai l'impression que le mec est horrible. Il a tué des planètes, il a décimé des populations, le mec... Mais normal, genre, il est devenu gentil, donc tout le monde est content avec... Tout le monde est gentil. J'ai pas trop... En fait, je pense qu'il faudrait que je voie l'animé pour comprendre. Il fait Hatchoum sur une planète et explose. Ah ouais. Moi je sais que dans Dragon Ball il y a un perso, il me faisait trop rire. C'était un perso tout rose. Comment il s'appelle lui? Lui il me fait trop rire les gars. Moi j'ai trop le seum. Je pense qu'ils allaient le mettre. Il est incroyable. Eh, je sais, ceux qui voient de qui je parle, c'est Masterclass. Je sais pas, il est rose. Ah il s'appelle Boo. Voilà c'est lui. Merci le chat. Eh lui il est pas trop drôle comme personnage. Moi il me fait trop rire. Moi je voulais qu'il soit en skin. Eh imaginez il arrive en skin. Oh. Et moi j'achète direct. En vrai Boo qui fait un Kamehameha. Imaginez la dinguerie. Imaginez la probabilité. Attendez petite technique les gars comme d'hab vous connaissez. Ça c'est la technique pour avoir du... Pour avoir du gold. Enfin la technique du gold on va faire la faire là-bas aussi. Hop. Comme ça là-bas, on a full gold gratuit. Meilleure technique pour avoir du gold en vrai. Meilleure technique. Hop, on récupère un maximum de gold. Voilà. Beerus est le seigneur de la destruction. Il touche un doigt. La planète explose. Mais les gars, c'est wesh à ce point-là. En fait, le mec, il est intuable. Comment les... En fait, le frérot, t'es obligé d'être gentil avec lui. Si c'est... Non mais les gars, si c'est vraiment ça, comment on peut le battre dans l'animé? Si le mec, il touche une planète, la planète elle explose, genre s'il décide de faire une pichenette. Enfin, j'ai l'impression que vous en abusez un peu les gars. Là. J'ai l'impression que vous êtes en train de me dire qu'il est over fort alors que c'est, j'ai l'impression qu'il est pas aussi fort peut-être.
Il est neutre. En gros, il est pas méchant. On peut pas le battre. Zeno, c'est le pire. C'est qui Zeno? Les gars, par contre, ça, je connais pas. Là par exemple, je n'ai... Même si j'ai regardé des trucs pour comprendre le mieux l'univers possible, Zeno, j'en ai entendu parler nulle part. Qui est ce personnage là? Qu'est-ce que vous êtes en train de me raconter là? Merci Emmanuel pour les 1$ canadien, merci frérot. C'est qui ça? Zeno, il détruit des univers. Non mais les gars là, vous abusez, c'est plus Dragon Ball, c'est explose la vie en fait. Merci bisous pour tes 10 mois. Je peux jouer avec toi demain à 20h, merci frérot. Mec, je peux pas te dire oui parce que tout simplement je sais même pas ce que je vais faire demain à 20h, peut-être je serai occupé, peut-être pas, donc si tu me vois connecté, demande-moi de join. Et parfois tu peux me voir connecté, je serai peut-être pas sur le jeu aussi, donc mais demande-moi quand même à join si tu me vois demain co frérot. Y'a un joueur là. Attendez. Ça va utiliser le pouvoir du Kamehameha là. Premier Kamehameha de Bulma. Attention Bulma, premier Kamehameha. J'ai même tué le loup. J'ai même tué le loup les amis, carrément. Incroyable, Zeno c'est comme Jésus, comment ça? En fait j'ai l'impression que lui, ok, bon lui il décide de faire ce qu'il veut en fait. Il veut tuer quelqu'un, il le tue quoi. Il claque des doigts le mec. Zeno c'est l'espèce de robot. Je vois pas c'est quoi l'espèce de robot les gars. Destructeur d'univers pour le fun, ah ouais. Bon les gars, je sais pas si vous avez tout dit la vérité, mais bon, il a l'air vraiment utilisé ce perso. Il a joué avec des planètes la dernière fois, et après il a détruit 3 univers, mais au calme. Mais il pourrait tous les détruire. Ah d'accord. Comment ça il a tué 3 univers? Mais le mec il est pas gentil du coup, ce mec c'est un bâtard. Désolé, à un moment faut dire les termes, le mec c'est un bâtard Le mec tue des univers Top la collab DBZ, top la collab, elle est incroyable. Bon, alors lui là-bas, bah lui vous le voyez lui là, il est en train de vivre sa petite vie tranquille. Sauf que ça va pas durer longtemps mon coco. Parce que Bulma arrive. Oh je suis désolé pour toi frérot. Se prendre un rayon laser par Bulma, vraiment triste. Je crois qu'il est en train de tirer sur un mec. Il y a du fight là. Il y a du fight, ça veut dire. Il était en train de tirer sur des loups, sur un joueur, j'ai pas vu. Est-ce qu'on voit un joueur dans le coin? Ah bah il est suicidaire lui, il est où? Mais frérot, mais toi tu tiens pas à la vie mon coco. Mais coco, tu tiens pas à la vie. Ah non mais le frérot il tient pas à la vie là, c'est pas possible. Le mec me cherche. Bah tu m'as trouvé frérot, je suis Bulma, je te crache un rayon laser. Hop. Bon attends, par contre il y a un petit pouvoir là-haut là. Récupérer ça. Ça je l'enlève. En vrai j'aime bien comment ils ont fait le truc, c'est une canette. On peut d'ailleurs la casser. C'est un objet. Ah ouais. Est-ce que si je la casse, est-ce que j'ai le stuff ou je me suis fait couillonner? Est-ce que j'ai l'impression que je me fais avoir si je le casse? Je crois que ça va pas drop le stuff. C'est quoi, je prends pas de risque. J'ai envie d'avoir mon Kamehameha, j'ai pas envie de prendre de risque les gars, là je suis désolé. Pas envie de le casser. J'ai trop peur. Bah attends, y'a un joueur là-bas, alors toi? Bah alors toi tu crois quoi toi? Tu crois que tu vas réanimer ton pote? Oh mais c'est trop fort, oh c'est trop fort. Y'en a encore un! Bah alors lui il va grimper mon Kamehameha. Vas-y Kota, montre-lui, Kamehameha-le, vas-y Kamehameha-le, montre-moi comment tu Kamehameha. Kamehameha-le. Destruction, regardez-le. Oh le noob. Oh Kota, t'es trop nul. Oh Kota, t'es éclaté au sol frérot. Oh tu me fais honte. Oh tu me fais honte Kota. Oh le pire Kamehaman hein. Kamehameha malade ouais. Oh là là, oh, il m'a fait un Kamehameha. Il était malade son Kamehameha. Il m'a fait un Kamehameha, il avait le Covid. Mais attends, mais frérot, d'où maintenant c'est Aquapolis ici là? Pourquoi c'est devenu Aqualand ici là? Je comprends pas. Qu'est pas ça? En vrai de vrai, vraiment les gars, moi je le dis, il y en a peut-être ils vont dire ouais, Power t'abuses, non en vrai c'est Power t'abuses, etc. En vrai, non, ça casserait le jeu.
Je m'en fous. J'avais dit ça, la même chose avec Naruto. Pour moi, ce qui manque, quand il y a une collaboration de ce level, que même Naruto, hein, il y avait moins de level et pour moi, c'était déjà très haut le niveau. Pour moi, il faut absolument qu'il y ait une ville de l'event, que ça, même si c'est une ville temporaire, que Fortnite, tu vois, ils ont des équipes, ils taffent une ville de l'event. Pour moi, c'est primordial. Il n'y a pas eu ça avec Naruto, j'ai été déçu, tu vois, un mini village Konoha. Et avec Dragon Ball, il n'y a pas ça non plus, je suis déçu. Bon, vous allez me dire qu'ils ont fait un petit clin d'œil avec la maison ici. C'est vrai, je suis d'accord avec vous. Mais pour moi, c'est pas assez. Pour moi, les gars, on parle de Dragon Ball, c'est un univers. Faire une petite ville Dragon Ball, juste le temps de l'event, ça coûte rien, tu vois, à Fortnite. Genre, c'est juste, je sais pas, moi, tu la mets à la place de Bourgeoisie, genre, vraiment. Ça va déranger qui de perdre Bourgeoisie pendant 3 semaines, genre, le temps de l'event. Je pense que personne ne va pleurer Bourgeoisie. Tu vois, pour moi, c'est ça qui manque, tu vois, c'est un peu dommage. Surtout que Bourgeoisie, ça aurait été parfait, car il y a de la plage. On aurait pu faire un truc vraiment chill. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas? Ou est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Attends, Kamehameha, attends. Je le Kamehameha. Je Kamehameha un lama, on va voir ce qui se passe. On peut Kamehameha les lamas. C'est incroyable. Let's go. Ok, il est 1h du matin les amis. On termine la game et c'est la surprise. Ah parce que les gars, il faut qu'on termine. Vous savez quoi les gars, on est top 12. Moi je propose, on speedrun la game. On tue tout le monde, ok les frérots? Parce que là tous les abonnés ils sont hype, ils ont tous mis 1h. Ça veut dire ça. Il y en a qui ont mis la notif, ils sont revenus sur live je suis sûr. Ok, on speedrun la game les gars. Pour la surprise, on la speedrun, allez go. Mais qu'est-ce qu'il fait Kota? Par contre les gars, c'est vraiment insane le comment s'appelle le lama là. What, comment j'ai explosé le lama frérot. Bah les gars, on fait pas de skybase là, on speedrun la game. Ok les gars, on les Kamehameha direct. Ils sont où là? Ok, j'en ai un sur moi. Donc voilà, pour moi je sais pas si vous êtes d'accord oui ou non avec moi, mais ça mérite une ville à chaque event. Après peut-être c'est beaucoup de travail aussi, je peux comprendre, tu vois, mais ils font des lobbies créatifs et tout, ils pourraient mettre une équipe sur le coup. Non, je vois pas, non. Mais je le vois pas, il y avait l'arbre qui m'a gêné. J'ai trop le seum. Ok, lui il est mort. Merci à ceux qui s'abonnent au passage les amis, hein. Vous avez explosé le compteur d'abonnement pendant ce live. Merci à ceux qui s'abonnent, qui activent la cloche, tout ça, vous êtes des cracks. Voilà, il faut speedrun la game les gars, les abonnés veulent la surprise. Il est 1h du matin les amis. Y'a pas de capsule là, j'aurais bien aimé avoir une capsule de Kamehameha là, pour terminer. Moi je propose un truc sadique pour faire le top 1. J'ai 10 murs blindés, le dernier on l'enferme dans un truc de mur blindé et on Kamehameha. Ça peut être incroyable. Merci à ceux qui likent le stream les gars. La surprise les gars, je vais vous l'annoncer juste après là, faut qu'on termine la game. Je peux pas vous annoncer la surprise si on n'a pas terminé la game les frérots. Soyez un peu patients les gars, ça va déborder de 5 minutes, c'est rien. Par contre là, s'il vous plaît Fortnite, une capsule là, générez-moi des capsules. Ils veulent pas générer de capsules, c'est des gros rats. Mais je crois en fait parce qu'il y a trop de capsules sur la map. Non, regardez, ils sont combien? Non, rassure, attends, venez, il me faut un Kamehameha. Kota, dis-moi que t'as un Kamehameha, s'il te plaît. Là, je peux faire une quadruplette. Oh, t'es un crack, frérot, t'es un crack. Je t'aime. Attends, ils étaient tous ce stack, là. Il y a moyen de faire une dinguerie, là. Il faudrait les stacks. Il y en a qui sont stack, là, let's go. Oh, putain, c'est dur de faire double kill, hein. C'est trop dur, hein. Bon, j'ai mon Kamehameha pour le dernier, terminer les joueurs KO. On va tenter le truc pour le dernier joueur. Ok. Attendez, arrêtez de faire des kills les gars parce que il faut que je le termine. Terminez tous les kills KO. On est 5 en vie, c'est-à-dire qu'on est 3, il reste 2 joueurs. Il y a un joueur sur quota je crois. Attends, il faudrait trouver l'autre joueur. Tu le pas forcément celui-là quota. À moins qu'il y ait les deux joueurs sur toi. Faut qu'on trouve les deux joueurs. Ok, il reste un joueur les gars, il reste un. Ok, il est là. Ok, je m'occupe de l'enfermer les gars. Je m'en occupe, vous êtes prêts? En plus il est sur un terrain plat, bénef. Ok, let's go. Et là, let's go. Ok, je l'ai enfermé. Attention, reculez, je Kamehameha. On Kamehameha le joueur. Let's go le chat. Allez.
Oh, let's go! C'est incroyable comme top 1! Le box dans un mur blindé, puis ensuite le Kamehameha, ça veut dire que le mec est sûr de mourir. Genre, il a aucune échappatoire. Par contre, en vrai, ça aurait été encore plus stylé si on aurait été Kota et Xeno et moi. Genre, on aurait été 3 avec un Kamehameha. Tous les 3 sur la box, le mec, il aurait rien pu faire. En tout cas, les gars, c'est incroyable. Non, le top 1 reste incroyable. Genre, je pense que la prochaine fois, on va essayer de faire mieux encore. Mais j'avoue que là, le top 1 de Bulma qu'on vient de faire avec, masterclass. Bon. Comme vous le savez, c'était la dernière game Battle Royale. On va maintenant faire la surprise. Il y a des V-Bucks à gagner pour la surprise. On va faire plusieurs games avec cette surprise. Ça va être plutôt cool, les amis. Mais avant de faire quoi que ce soit, vous avez le droit de mettre votre pseudo car on vient de faire top 1. Un top 1 est égal 2 abonnés que j'ajoute en ami. Donc c'est le moment de mettre votre pseudo, les frérots. Let's go, let's go. Mettez votre pseudo Epic Games. J'ajoute 2 abonnés. Je fais ça super vite parce que je sais qu'il y en a qui attendent la surprise avec impatience. Donc pour la surprise, vous me connaissez. Je vais mettre. On va mettre. Les skins récents, on va mettre. Bon, déjà, je les mets tous en favoris là parce qu'ils sont incroyables. On va équiper lui, le frérot. Hop. Hop, on l'équipe et on va lui mettre son sac à dos. Les trucs récents qu'on a débloqués, il est là. Ok, let's go. Bon, j'ajoute du coup, je le répète, 2 abonnés directs. Hop, j'ajoute 2 abonnés tout de suite. Et on va pouvoir faire place à la surprise, le frérot. La petite surprise. Ça marche pas, on va ajouter. Ah les gars, les pseudos épiques marchent pas les gars, donnez-moi bien votre Epic Games. Ok, Walim, ça fonctionne, GG mon ref, et on va ajouter Vodapros V9. GG mon frérot, on t'ajoute, on a ajouté les 2 abonnés les gars, on va pouvoir enfin commencer la surprise. Et comme je le répète, il y a plus de 3000 V-Bucks à gagner, ça veut dire qu'on va faire plusieurs games. Donc une game à 1000 V-Bucks, une autre game à 1000 V-Bucks, une autre game à 1000 V-Bucks, et peut-être même une quatrième game à 1000 V-Bucks. Et peut-être qu'après le live, on va encore faire des petits trucs fun. En tout cas... vous allez tous pouvoir participer et je vais vous expliquer comment ça va se passer. Déjà, est-ce que vous êtes tous sur Fortnite, les gars? Dites-moi oui ou non, je suis en train de préparer le truc. Hop. J'espère que vous êtes tous sur Fortnite, les frérots. C'est quand même le but. Let's go, let's go. Ok, donc, moi je suis avec Kota et Xeno. Kota, je te laisse faire un tu sais quoi, genre tu peux commencer déjà ton... Voilà, tu vas venir pas... Tu veux venir participer, Kota? Ou pas? Kota, il va venir participer, il va venir participer. Bon, les gars, ce qu'on va faire, c'est que vous allez dans code deal et vous allez rentrer le code que je vais vous donner, les gars. Ok, les frérots, on va mettre prêt en même temps, ne vous inquiétez pas. Comme ça, vous avez tous une chance de venir. Vous mettez ce code-là et regardez, les amis, Dragon Ball Z. C'est plutôt stylé, les gars. On clique sur G, regardez-moi ça, les gars. Très stylé, déjà. Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est? Pour ceux qui ont vu un peu les vidéos, vous savez de quoi je parle. N'oubliez pas de mettre en public et je vous envoie la map. Je vous envoie la map, les amis. Je vous envoie le code de map, il est aussi en description. Le code de map est aussi en description, ok, les gars? Hop, 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 je vous ai envoyé tout ça. Alors, du coup, c'est un défilé de mode, les gars. Défilé de mode. En vrai, pour commencer, j'ai envie de me faire un kiff, les gars. On va faire un défilé de mode thème Dragon Ball. Donc, c'est vraiment pour commencer. On se fait un défilé de mode Dragon Ball. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas forcément de cosmétiques. C'est pas grave, vous pouvez quand même venir participer. Vous pouvez quand même venir participer, mais vous aurez moins de chances de gagner. Le gagnant gagne une carte de 1000 V-Bucks, il gagne un code de 1000 V-Bucks, les amis, le gagnant. Et ensuite, on fera d'autres games, on relancera le défilé de mode. Cette fois-ci, ne vous inquiétez pas, les frérots. Cette fois-ci, ce sera thème ouvert, ok? Ce sera thème libre. Donc la première game, c'est juste le thème Dragon Ball, et ensuite, ce sera thème libre. Donc voilà, c'est juste, au moins, j'avais envie de faire un thème Dragon Ball. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas forcément eu le temps de les acheter, mais comme je sais que la collab a vraiment, vous avez kiffé, voilà. Kota, je te laisse mettre un thème Dragon Ball, Xeno aussi. Et là, s'il y en a qui veulent rejoindre, je vais prendre des abonnés qui ont des skins différents. Demandez-moi à join, je vais prendre 3-4 abonnés et après, j'en prendrai pas plus. Donc, il faut avoir un skin Dragon Ball, par contre, les gars, ceux qui me demandent à join. Donc, je vais prendre ceux avec les PP, ceux qui ont la PP. Attends, on est d'accord, du coup, c'est ceux qui ont la PP Dragon Ball. Kota et Xeno, faut en mettre un, les gars. Faut mettre un skin Dragon Ball. On va prendre lui, hop. Hop, hop, hop. Luzrod, il a un skin Dragon Ball, on l'invite. Je vais pas inviter beaucoup de monde, les gars, comme ça vous avez beaucoup de place. Ok, Luzrod, il a... Ok, Alessio, il a pris ce personnage, on l'accepte. Erwin, il a pris Goku, on l'accepte. J'en accepte pas beaucoup. Par contre, côté Xeno, Kota, je te laisse quitter si t'as pas de skin Dragon Ball. Ok, tu viendras pour le prochain défilé, ok. Xeno aussi, je te laisse quitter si t'en as pas. Tu viendras pour le prochain. Ok, à 2 Beerus, j'aimerais bien inviter un Goku, un Vegeta. Est-ce qu'il y a un Vegeta? En vrai, il y a un Vegeta, on lance.
Il faudrait un perso qui a le. Quelqu'un qui a Vegeta qui me demande à join. Je vois pas le logo Vegeta. Y'a personne qui a Vegeta là? Bah si, allez, Sio Coco, t'avais Vegeta, tu veux pas le mettre? Au moins, je lance une game avec 3. Comme ça, on a chacun un skin différent. Bien évidemment, les gars, le thème du dé. Ah, oh, parfait, parfait. Là, on est tous parfaits. Ce qu'on va faire, les refs, c'est que déjà, je le répète, mettez ce code. Est-ce que vous êtes prêts, le chat? Est-ce que vous avez tous mis le code? Le thème du défilé de mode, c'est thème skin Dragon Ball. C'est le premier thème. Après, on va relancer des games, ne vous inquiétez pas, ce sera thème libre. Et à chaque game, il y a 1000 V-Bucks à gagner. Donc, première game, le thème Dragon Ball, il y a 1000 V-Bucks à gagner. Deuxième game, il y aura bien évidemment encore 1000 V-Bucks à gagner. Troisième game, encore 1000 V-Bucks, vous avez compris. Attends, je réactive le truc parce que les gars, ma caméra va s'éteindre. Hop, je dois la rallumer. Vu qu'elle a surchauffé. Je la rallume, les gars. Je la rallume tout de suite, vous inquiétez pas. Hop. Ok, je pense que tout le monde est prêt. Vous avez tous mis le code est en description. N'oubliez pas de bien mettre la map en favori, les frérots. Ouais, moi je l'ai pas fait, mais je vais le faire tout de suite. Vous mettez le petit cœur, regardez, j'enlève ma caméra. Il y a un petit cœur juste ici. Vous mettez bien le petit cœur, les gars, et vous cliquez sur jouer. Ok, bah mettez prêt ceux dans mon groupe. Ceux dans mon groupe, mettez prêt. Et du coup, tous ceux qui ont mis le code, mettez bien partie publique, serveur Europe, les amis. Attends, on attend Alexio, voilà. Et maintenant, vous pouvez mettre prêt à partir de maintenant, tous ceux sur le live, vous pouvez mettre prêt. Comme ça, vous avez. Tout le monde a ses chances de venir dans ma game. C'est totalement aléatoire. Il y a largement de la place, vous inquiétez pas. Et dans tous les cas, il y a d'autres lobbies qui sont créés pour les défilés de mode. Et ensuite, on relancera, je le répète, avec un autre thème. Ce sera un tout nouveau thème. Vous avez toutes vos chances de gagner, ne vous inquiétez pas. Merci Naruto, le BG d'Army Code PGP, merci beaucoup. Ok. Oh, par contre, les gars, là. Ok, let's go. C'est parti, on est 6. Ok. Essayez de venir avec des skins Dragon Ball, les gars, parce que sinon je vais devoir vous éliminer. Ah, je crois qu'on aurait peut-être fait un lobby. On aurait peut-être dû faire un lobby skin Dragon Ball finalement. Ok. Y'a pas beaucoup de skins Dragon Ball là en fait. Au pire, on va faire thème animé, les gars. On va faire thème animé, là. Tous ceux qui ont pas de skin, vous allez pouvoir mettre un skin animé. En tout cas, ceux qui ont les skins Dragon Ball, les gars, c'est incroyable. Ok, les gars, la game se lance tranquille. Elle se lance dans 7 secondes. Ok. Est-ce que ça vous a tous lancé, les amis? Parce que je vais aussi vous présenter la map. Évidemment, les refs, je vais vous présenter la map. C'est quand même une grosse surprise, les gars. Et c'est une map qui a pris énormément de temps de travail. Et je pense que vous allez kiffer la map, les frérots. Je pense que vous allez kiffer la map. Vous allez pouvoir la noter sur 20. Et c'est une map, honnêtement, vous allez pouvoir faire les meilleurs combos de skins possibles. Pourquoi je suis le seul TP? Ah, on est tous TP ici. Oh, trop stylé, il a mis les... Trop stylé. Bah, vous pouvez aussi soutenir ici, les gars, avec le bouton. Ça fait plutôt plaisir, vous pouvez soutenir avec le bouton. Ok, let's go. Donc, je vais prendre le rôle. Donc, restez tous devant vos cabines. Restez tous devant vos cabines, les gars. Allez, devant vos cabines. Et le thème, tous ceux qui ont pas un skin Dragon Ball, vous mettez un skin animé. Allez, en place sur vos cabines, les gars. Thème animé, les gars. Donc, vous mettez thème skin animé. Allez, allez. Rentre dans ta cabine, frérot. Donc, est-ce que vous voulez que je vous présente la map, le chat? Comme vous le voyez, on est sur une map défilé de mode. Déjà, le logo Dragon Ball Z, j'avais déjà présenté en vidéo. Incroyable. On a aussi le logo, bah voilà, des deux côtés. La petite maison Cam House. Qu'on a reproduite, les amis, sur Fortnite, qui est magnifique, les gars, honnêtement. Et on a le dragon Sheron, les gars, qui est insane, honnêtement. Je lui mets un 20 sur 20, les gars, honnêtement, c'est trop beau, les gars, il est insane, il est magnifique. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Il est vénère, t'as vu, ça se voit, il est là. Bon. Et du coup, on a aussi un petit perso. On a aussi un petit perso qu'on a refait le personnage aussi de Goku. Par contre, il faut que t'ailles en place, frérot. Ah mais je crois eux ils sont pas... Bon, le thème c'est animé, les gars, on va commencer du coup. Bah toi t'as pas de skin, frérot. On va t'éliminer. Ah bon bah ça va. Mais pourquoi ils vont pas... Bah lui je l'élimine, les gars, il veut pas aller en place. Bon, lui il a un skin animé, c'est bon. Un skin animé aussi. Toi t'as pas de skin animé, frérot. Je t'élimine. Toi t'as pas de skin animé. Attends, si il est en mode animé. Ok, j'avais pas vu, my bad, il est en mode animé. Ok, toi.
Il est en mode animé aussi. J'avais... Ok, toi, t'es pas du tout en mode animé. Désolé, frérot. Bah, Gatom, toi, t'es pas du tout en mode animé. Hop. Et le reste, bah, on va les laisser terminer. On va commencer, du coup, avec le premier skin Dragon Ball, les amis, pour ce défilé de mode. Le skin... Beerus, voilà, chercher son blaze. Il a fait un ensemble basique, mais ça fait le taf. Je vais pas lui demander des modes tout de suite. Tiens, allez, on fait la manche des émotes en même temps. Vas-y, fais-moi une petite émote, frérot. Est-ce qu'il m'a prévu une jolie émote? Ah, j'ai pas vu ce qu'il a fait. Ça s'est pas vu. Attendez, je vais vous mettre le code de la map pour ceux qui veulent le code de la map pour venir en... D'ailleurs, vous pouvez venir en cours de game. Vous pouvez venir en cours de game, les gars, je vous mets le code. Hop, j'avais oublié de le mettre. C'est pas celui-là, attendez, je vous mets le bon. Le voilà, les gars. Voilà le code de map. Oh, avec Beerus, ça rentre bien son émote. Incroyable. D'ailleurs, vous pouvez jouer à la map, les amis, si vous voulez acheter un skin Dragon Ball. Au moins, vous avez des petits exemples de combos de skins qui seraient cool. Oh, il a déjà débloqué le truc. Ok, bon, Tapir, je vais pas trop avec ton skin, mais j'ai envie de te qualifier parce que le sac, il est stylé avec ton skin. Ça rend bien. Fais-moi une petite émote, frérot. Fais-moi une petite danse. Ok, c'est stylé. Ok, restez bien devant vos cabines, les gars. Ok, let's go. Bon, toi, t'as pas de skin, frérot, désolé. On passe avec Bulma. Ok, pareil, même combo que... Même pioche et même sac que le skin Beerus. Je te laisse faire une petite danse. D'un autre côté, c'est dans le thème, tu vois. Ok. Ah, elle me fait participer. Elle me fait participer, j'aime beaucoup. Incroyable. Bon, bah, pour moi, t'es validé. À ton tour, frérot. Oh là 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 là. Fais voir ton sac. Ok. Bon, pour moi, je les valide, hein. Pour moi, ils sont très forts. Bon, à ton tour. Merci, Michael, pour le membre. Ok, il se transforme. Ah, lui aussi, il se transforme. Bon. On a des genres plutôt chauds. Ok, là, on a un nouveau skin animé, c'est Kakashi. Je laisse me faire une petite émote, frérot. Par contre, il a joué le jeu même, la pioche et le sac. Ah, frère, je le valide, il est trop fort. Ah, on a deux Kakashi. Attendez, 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 attendez. Battle d'émote, battle d'émote. Ok, fais voir ta pioche. Attends, j'ai pas vu ta pioche. Ok, et toi, ta pioche? Ah, lui, il a vraiment une émote intégrée avec son skin. Désolé, frérot. Je préfère ce skin Kakashi. Ah, mais toi, frérot, par contre, le sac, ça va pas du tout, même la pioche et tout. Désolé, mon ref. Malheureusement, il y a trop de concu, là. Bon, vous avez été chaud, en vrai. Il y a un skin comme ça? Attendez, attendez, il y a deux fois le même skin. Viens, là, frérot. Attendez, on va faire un 1v1-2 skin, là. 1v1-2 skin. 1v1-2 skin. Ok. Tous les autres, je vous laisse rentrer dans les cabines et mettre un camouflage et un planeur, ok? Camouflage et planeur. Vous deux, vous restez là. Il y en a un de vous deux qui ne va pas être qualifié malheureusement. Et du coup, qui perdra les 1000 V-Bucks à gagner. Et malheureusement, mon choix se porte pour toi. Désolé frérot. Tu peux aller mettre un petit camouflage et mettre un planeur. Encore une fois, le thème c'est animé. Allez, vous pouvez aller dans les cabines. Allez dans les cabines, les gars. Allez, vous changez. Vous mettez un camouflage et un planeur. Parce qu'en gros, le planeur, c'est ici et le camouflage, c'est pour la voiture. Vraiment stylé. En tout cas, les gars, j'espère que vous validez la map. Est-ce que vous êtes chaud de mettre une petite note sur 20? Même si vous ne l'avez pas... Je sais qu'il y en a qui vont pas pouvoir la tester ce soir. Il y en a qui peuvent pas jouer à Fortnite. Mais au moins, visuellement, est-ce que la map vous donne envie d'y jouer? Est-ce que ça vous donne envie de faire un défilé de mode? Soyez honnête, donnez vraiment une note sur 20. Mais on a essayé de faire une map plutôt cool dans l'univers de Dragon Ball. Comme vous voyez, même la couleur du ciel et tout, on a fait un truc un peu dans l'univers de Dragon Ball. On a mis le logo, la maison. On a mis, bah, on a mis du coup le serpent, excusez-moi, le dragon. On a essayé de faire un truc vraiment qui ressemble le plus. Donc j'espère que la map vous plaît. Le code est dans la description encore une fois. Et le code s'affiche aussi juste ici pour ceux qui veulent y jouer. Et demain, j'y jouerai dans l'après-midi aussi pour ceux qui veulent venir faire un petit coucou. Bon. Bah ceux qui sont prêts les gars, faites une petite... faites une queue derrière moi. Vous faites la file d'attente là. Vous faites la queue derrière moi, voilà, vous faites une belle file indienne là, voilà, derrière Beerus. Vous allez passer un par un dans les planeurs. En tout cas merci les gars, je vois des super notes, je vois que la map vous plaît énormément. Merci beaucoup les frérots, ça me fait super plaisir. Je vous renvoie le code pour ceux que ça intéresse, hein. Je vous renvoie le code dans le chat s'il y en a qui veulent rejoindre. Je suis en public donc vous mettez bien public les amis. Super important, vous mettez bien en public les gars. Dans tous les cas là c'est juste le thème animé. Ensuite on va refaire un thème, ce sera thème libre. Ok les gars, ce sera thème totalement libre. Donc vous allez pouvoir venir avec le skin de votre choix. Bon, ok, on commence. À ton tour frérot, vas-y, tu commences. Planeur. Oh, dinguerie.
Dinguerie, c'est 20 sur 20 ça. Ça c'est 20 sur 20, ça je qualif. Allez, ça je qualif. Allez, allez, t'es qualif frérot, t'es qualif, c'est incroyable. Deuxième skin. Ok. Oh frérot, t'es qualif. Il est chaud, il est chaud, il est chaud, t'es qualif. Voilà, tu peux aller avec ton collègue. Va, va avec lui, va plus loin frérot, s'il te plaît. Ok, à ton tour Bulma. Oh Bulma, elle a géré aussi. T'es qualifié Bulma. T'es qualifié. Est-ce que Kakashi va relever la... T'es qualifié Kakashi, t'es qualifié, t'es chaud, t'es chaud, t'es chaud, t'es chaud. T'es chaud là, la baleine, ça va un peu avec la couleur de ton skin. À ton tour. Mais qu'est-ce qu'il me fait? Oh non, pas comme ça frérot. Pas comme ça, non. Aïe aïe aïe, et à ton tour. Oh. Oh, très 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 original. Énormément de prise de risque. Mais c'est qualifié mon frérot, c'est qualifié, c'est totalement qualifié, tu peux avancer. On va maintenant passer avec les camouflages. Donc je vous laisse vous mettre en file indienne derrière moi. Ici les gars. Allez derrière moi. Vous mettez en file indienne. Ouais, une belle file indienne. Voilà. Vous êtes voilà parfait les frérots. On commence avec Bulma. Allez Bulma. Bleu comme ton skin. Comme ta coupe de cheveux. Je valide. Allez je le valide. Je suis gentil. C'est le premier. Peut-être qu'après je vais revenir sur ma décision. Oh mec, la galaxie en rapport avec son skin. Très fort frérot. T'es validé. C'est qualifié. On a maintenant Kakashi. Ah bah Kakashi frérot, bah t'es mort là. Désolé mon ref, mais là tu m'as déçu là sur le camouflage. Le camouflage va bien avec son skin en vrai. Le camouflage va plutôt bien avec son skin. Attends ici, je sais pas si je te qualifie. Attends ici. Ok frérot, ton camouflage est beaucoup trop stylé. Il est vraiment énervé comme ton skin, donc désolé mon ref, malheureusement t'as le pire camouflage. Enfin, comparé à E3, ton camouflage il est pas assez élevé. Je vais devoir t'éliminer, je te fais plein de petits cœurs. Désolé, mais tu pourras pas gagner les 1000 V-Bucks, malheureusement. On a, du coup, les 3 finalistes qui ont été super forts. Bon, on va noter un point d'originalité que lui, il a mis un sac à dos différent comparé à eux deux qui ont mis le même sac, mais ils ont tous les 3 la même pioche. Ok. Bon, là, malheureusement, vous êtes 3. Pour la finale, je vais pouvoir en garder que 2. Ça paraît plutôt logique, c'est une finale, frérot. Tu vas me dire logique, tu vois. Tu vas me dire plutôt logique. D'ailleurs, tous ceux, les gars, qui veulent venir participer, on relance une game juste après. Donc, restez sur le live, le code de la map est en dessous. Vous avez juste à lancer en game public. Oh! Ok, fusion. Bon. Pour les départager, les gars, on va voir ce qu'on peut faire. Start Dino, je sais pas ce que ça peut faire. Non, les gars, je sais pas qui choisir, en fait. Bon, je propose un truc. Vous me faites tous les 3 une émote hors Dragon Ball. Ok, pas une émote Dragon Ball Z, mais vous avez le droit à une seule émote. Ok, une seule émote. Et celui parmi vous trois qui a l'émote qui me satisfait le moins sera éliminé. Ok, donc c'est compliqué les gars, là, ça n'a aucun rapport. Ça peut être une émote animée, ça peut être ce que vous voulez, mais ça ne doit pas être une émote Dragon Ball, ok? Tout sauf une émote Dragon Ball, c'est à vous de gérer les gars, je vous laisse choisir, je vous mets une minute. Donc je vais activer le temps. Attendez, c'est pas là le temps, hop, le temps c'est ici. Je vous mets 2 minutes, bah vous avez 2 minutes, allez vous avez 2 minutes. Une seule émote par contre, une seule émote, hein, je n'en veux qu'une. Ok. Donc toi c'est un cadeau. Attends, je vais attendre voir les modes. Toi c'est quoi? Il a pas fait des modes. Lui c'est quoi toi? Ok. Donc là vous pouvez plus changer les gars quand vous avez fait vos émotes. Ah, les gars, malheureusement les modes qui me plaisent le moins, j'ai l'impression que c'est son cadeau là. Hein. Même si j'entends pas le son, elle avait une émote un peu TikTok vu que c'est une meuf. Ah, ton émote m'a pas convaincu frérot. Désolé, ton il était fort mais son émote m'a... Par contre, lui, son émote, vraiment, il est fort. Hein. Lui, il est très fort, son émote. Alors maintenant, je vais laisser le chat choisir qui mérite de remporter les premiers 1000 V-Bucks. C'est que les premiers 1000 V-Bucks. Il y en aura d'autres pendant le live à gagner. Qui mérite de gagner? Bulma ou Beerus? C'est à vous de voter, le chat. Je vais me fier au pseudo que je vois le plus se spammer dans le chat. Allez, on va dire que vous avez 50 secondes, le temps du timer, les gars. Désolé Bulma, mais là y a tout le monde qui est pour Beerus mon frérot. Désolé Bulma, c'était Luzrod, GG mon frérot. Et du coup le gagnant c'est... Oh il avait prévu une nouvelle émote. Oh, oh frérot t'étais chaud. Non faut dire la vérité frérot, quand il y a des mecs chauds comme toi vas-y allez, on fait une petite émote, t'as gagné 1000 V-Bucks. Attends du coup on va voir c'est qui. Je vais voir qui c'est, peut-être je le connais. Attends on va voir qui c'est. Qui est-ce? C'était Erwin Smith. Et bah Erwin Smith frérot, je te laisse m'envoyer la preuve
que c'est bien ton pseudo, tu m'envoies une petite capture d'écran de ton pseudo dans le lobby. Tu m'envoies ça sur Discord en message privé ou sur Twitter. Mon Discord et mon Twitter en description. Et dès ce soir, si tu m'envoies le MP dès ce soir, après mon live, vers 3-4 heures du matin, tu recevras ton petit code de 1000 bucks. On lui met des GG les gars, on lui met des gros GG. Il vient de remporter un petit code de 1000 bucks, tu vois. Alors qu'il a participé en 10 minutes à un petit défilé de mots, tu vois, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. C'est vraiment carré. En tout cas les gars, j'espère que vous avez kiffé, c'était le premier thème du live. On va tout simplement relancer une game les gars. Avant de quitter, on n'oublie pas de mettre un pouce bleu et de mettre la map en favori. Et oui, évidemment, les mappeurs qui ont travaillé sur cette map ont pris beaucoup de temps les amis, donc c'est très important de mettre un pouce bleu et de mettre en favori la map. Et surtout que si vous voulez des bons combos de skin Dragon Ball, vous jouez à la map en public, peu importe à n'importe quelle heure, vous allez forcément trouver des combos de ouf parce que les gens vont jouer avec des skins Dragon Ball. Ça paraît logique. Maintenant les gars, je vais mettre tout seul. Je vais mettre solo en privé. Et je vais mettre le code. Ok les gars, vous remettez ce code. Vous mettez bien la map en favori, mais voilà le code. Il est en description, il s'affiche aussi sur l'écran. Vous rentrez le code. Vous mettez en public et, je vais vous donner un thème. Vous allez dès maintenant faire le combo de skin dans votre casier. Ok. À côté en vrai je vais t'inviter mais pour autre chose. Je t'invite pas pour tout, je t'invite pas tout de suite mon frérot. Je t'invite pas tout de suite, tu vas comprendre pourquoi. Mais reste là parce que tu vas pouvoir venir au prochain truc. Bon, là niveau thème, on a fait thème animé. J'ai envie de faire un thème cool. Qu'est-ce qu'on... Bah, vous savez quoi? Thème libre. C'est vous qui gérez, les gars. Vous mettez le skin que vous voulez, le sac que vous voulez, la pioche que vous voulez. Juste, faut vraiment me faire kiffer. Genre, faut vraiment que j'adore le combo. Pareil pour les mods. Vous mettez les mods que vous voulez. Juste, vous me faites kiffer. Et au moins comme ça, celui qui va gagner les 1000 V-Bucks, il va les gagner, tu vois, legit. Tu vois, il m'aura convaincu. Tu vois, il m'aura vraiment beaucoup convaincu. Le code est en description. Le code est aussi affiché ici, vous mettez bien public. On va lancer au même moment les gars, ne lancez pas tout de suite. Ne lancez pas tout de suite les gars, c'est très important. Vous mettez la map, vous mettez public. Et vous attendez avant de mettre prêt. On va lancer dans pas longtemps là. Bah vous savez quoi, dès que vous êtes prêt, vous mettez prêt dans le chat. Comme ça je vois s'il y a beaucoup de joueurs de prêt ou pas. Vous mettez juste prêt, vous mettez prêt dans le chat. Comme ça je peux voir comme ça je peux voir si vous êtes vraiment prêt les gars. Parce que peut-être il y en a qui vont mettre prêt mais ils seront pas prêts les gars. Donc si vous êtes prêt, vous mettez prêt. Aussi simple que ça. Oh, il y a beaucoup de prêts alors, il y a beaucoup de prêts. Il y a beaucoup de prêts, tout le monde est prêt. On lance dans 5 secondes les amis, 5, 4, 3, 2, 1 les frérots. C'est parti, on clique sur jouer. Encore une fois, lancez bien en partie publique. Le code, vous le rentrez tout simplement et vous mettez la map en favori. Si vous mettez la map en favori, vous n'avez pas besoin de remettre le code. Vous allez dans ma bibliothèque et si vous avez mis la map en favori, vous allez la retrouver quoi qu'il arrive. Et je remercie tous ceux qui soutiennent avec le code PJP ou avec le code de la map. Il y a un code dans la map, c'est le code ProGames. C'est le code de la team. Donc ceux qui veulent soutenir la team, vous pouvez mettre le code ProGames, ça fait plaisir aussi. Merci à ceux qui soutiennent le code de la map, ça fait plaisir. Ok, on est 15. Oh non, il y a un skin... Oh, il y a un skin bombé. Alors là t'as pas fait d'effort frérot, là tu m'as pas convaincu du tout. C'est thème libre, il m'a sorti le pire skin. Il m'a sorti le pire skin le frérot là. Oh, il y a un mec... Oh, il a sorti des dingueries. Oh, il y a un mec ici, là. Tiens, je le tue carrément, je l'élimine. Je le tue. Je tue le iconique. Je crois qu'on peut pas le tuer, je voulais le tuer, mais ça marche pas. Il est invincible. Si on peut tuer l'iconique, let's go, je l'ai tué. Oh, on veut me tuer. Ah, vrai, il respawn dans tous les cas. Bon, c'est parti, les gars. Ne vous inquiétez pas, les gars, c'est pas la dernière game. Comme vous le savez, la boutique c'est à 2h du matin. On va relancer autre chose et il y aura encore 1000 V-Bucks à gagner après. Donc ceux qui restent sur le live, vous allez tous pouvoir participer au bout d'un moment. Et tenter votre chance. Ok. Donc là les gars, soit vous pouvez soutenir ici. Ou soit vous pouvez mettre le code PJP les amis pour me soutenir aussi. Si vous voulez me soutenir, ça fait plaisir, acceptez. Ou vous pouvez mettre le code de la map, le code ProGames. Bon. Ok, donc restez devant votre cabine. Restez bien devant votre cabine les frérots, très important. Hop. Par contre toi frérot, je te laisse... Vas-y, va changer ton skin là. Il m'a mis un skin de noobs. Va changer ton skin, frérot. Il m'a mis un skin de noobs. Bon, restez devant vos cabines. Tous ceux qui n'ont pas préparé leur emote, préparez tout de suite votre emote, les gars. Je vous laisse 2 minutes. Voilà, je vais mettre un chronomètre. Hop, on va choisir un chronomètre de 2 minutes. Hop, et vous avez 2 minutes pour mettre votre emote. Ceux qui sont déjà prêts, on va commencer tout de suite le défilé de mode. Ok, on commence avec le skin iconique. Ok, frérot. Je te laisse tourner ton skin un peu. Donc, t'as la Minty. T'as un sac Galaxy. Oh mon gars, t'es venu, tu es équipé là. Je te laisse me faire une petite émote frérot. Fais-moi kiffer là. Je veux kiffer. Oh, 12 000 XP grâce à la map, waouh. Ah, je savais pas que la map donnait autant d'XP. Émote iconique, c'est carré.
Attention avec les émotes copyright, les gars. Vous avez plus de chances de mourir. Bon, lui, c'est exceptionnel parce que c'est le premier. Ok, frérot. Ok, Kakashi, le skin chien, une épée en or. Moyen fan du combo, mais fais-moi une émote. Vas-y, on sait jamais, peut-être tu vas me faire kiffer. Allez, une émote, frérot, il me faut... Ok, Rasengan, il se rattrape bien. Il se rattrape plutôt bien. Ensuite, on a ici, frérot. Ouh là 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 là, ton combo est très spécial. Fais-moi une émote. J'ai vu un peu les pioches et tout, très très étrange. Ah, pas d'émote. Bah, malheureusement, ça va pas du tout avec ton skin. Je suis pas du tout fan, frérot, désolé. Oh, skin Vénard. En mode été en plus. Bon, je suis pas très fan de tes pioches qui sont vraiment moches, mais si tu me fais une bonne émote, tu peux être en vie. Parce que les pioches, tu pourras les changer après. Voilà, tu laisses me faire une émote, elle doit vraiment être cool, frérot. Très fort, frérot, très fort. Je te laisse aller changer tes pioches parce que sinon tu seras éliminé. Ok. Il y a un Jones. Petite émote du chapeau, ok. Original, original. Je suis pas très fan du skin, honnêtement, mais ça fait le taf. Moyennement, mais ça fait le taf. Oh, Beerus, incroyable. Très, très fort, frérot, très, très fort. J'adore ton sac et ta pioche, magnifique. Oh, deux fois un skin Beerus qui gagne, ce serait quand même gros, mais... Ok, Ariana Grande. Très joli, j'adore le combo. Je te laisse me faire une petite danse aussi, frérot. Après, c'est un peu facile parce que t'as mis le combo d'un skin. Y'a pas de son là, frérot. Là. Pas de son dans les mods. Voilà, bon, là, voilà, là, j'entends du son. De base, t'aurais dû mourir, mais bon, je te laisse une chance. Ok. Ensemble rouge. Malheureusement, moi, je pense t'éliminer. Je trouve le skin trop simplet. Tu vois, ils ont tous joué la carte de jouer des skins, mais toi, un peu trop simple. Je suis désolé, frérot. T'as joué des skins un peu trop simples à mon goût. Ok, à ton tour. Oula, c'est un gros skin, ça. Fais-moi une émote. Je suis pas très fan de ce genre de skin, les gars. Enfin, moi il me faut du spectaculaire. Pas assez fan, frérot. Je suis désolé. Spider-Man. Pourquoi pas. Il date maintenant, ce skin. Je te laisse me faire une petite émote, mon gars. Je pense savoir quelle émote il va faire. Ok, non, il en fait une autre. Pourquoi pas, les gars, on va être gentils, on va qualifier Spider-Man. On est avec Ruby maintenant. J'aime bien les couteaux RGB un peu. Oh, faut que je les achète, je les ai pas achetés encore. Oh là là, faut que je me dépêche. Faut que je me dépêche de les acheter, ça va être super rare. Fais-moi une petite émote, frérot. Ah, je l'ai déjà dit plusieurs fois, les copyrights. Non, désolé, frérot. J'ai déjà dit plusieurs fois. Oh, on a mon clone. Attends, je vais me changer quand même pour pas qu'il me ressemble. Vas-y, je laisse me faire une petite émote, mon petit Goku. En plus, il est dans le thème de la map. En fait, genre. Il gagne des points forcément, les gars. J'avais envie de dire non, je vais pas être favori. Je vais pas. Mais les gars, on est dans la map Dragon Ball. Le mec me sort un skin, il est fort, tu vois, le frérot. Après, il faut être fort niveau camo et niveau planaire aussi. T'es validé, frérot, incroyable. À ton tour. C'est copyright, on entend rien. Moi, j'entends pas les sons. Tu veux voir ta pioche? J'ai pas vu sa pioche en fait. Je le tue pas parce que j'ai pas vu sa pioche. Tu veux voir ta pioche? Elle est trop stylée, mec. Pourquoi tu me fais des... Vas-y, fais-moi... Dernière chance pour ton émote. Dernière chance, allez. Dernière chance. Bon, une émote, j'entends pas. Désolé, frérot, mais c'est copyright. Ah, les gars, moi, il faut faire des... Oula, j'aime pas du tout ton skin, frérot. Je suis désolé. Je préfère être honnête, les gars. Hein. Oh, ok. Petit skin rouge, fais voir ce que tu sais faire. Fais-moi une petite émote. Incroyable. Incroyable, je valide. Bon, on a pas mal de... Attends, je vais revisionner, toi. Ton émote, elle était pas dingue, frérot. Je suis désolé, Spider-Man, mais je vais devoir t'éliminer. En fait, ton skin, ton combo et ton émote, tu peux pas être qualifié comparé au skin que j'ai tué. Tous les autres, je vous laisse retourner dans votre cabine. Vous êtes qualifiés. Je vous laisse 2 minutes. Je vais pas mettre de timer, je vous fais confiance. Il faut mettre, cette fois-ci, un camouflage et un planeur. Ok, camouflage et planeur, les gars. Pendant ce temps-là, les abonnés, je vous laisse contempler le dragon. Regardez-moi ça. Il est trop beau. Il est vraiment super beau, le dragon, les gars. Incroyablement. Le code, encore une fois, vous pouvez y jouer. Vous pouvez tout simplement faire des vidéos dessus, faire vos lives dessus. Comme moi, vous pouvez prendre le contrôle pour devenir maître du jeu. Il est au milieu. Dès que la game se lance, il faut récupérer le truc au milieu. Et voilà, les frères. Il y a même la petite cam house qu'on a reproduit ici. Trop, trop jolie, honnêtement. Trop, trop, trop jolie. Il y aura bientôt une mise à jour aussi, il y aura une musique Dragon Ball dans le jeu. Pour ceux qui aiment bien la musique de Dragon Ball, il y aura une musique Dragon Ball sur la map. En tout cas, j'espère que vous kiffez, les gars. J'ai vu des super bons retours, donc ça régale. D'ailleurs, là, je suis actuellement en public, donc si vous voulez rejoindre, vous avez juste à mettre la map en public.
pour rejoindre les gars 1+1. Bon allez, ça fait bientôt 2 minutes les gars, je vais vous demander de sortir de vos cabines. Et rester devant vos cabines les gars. Ah bah non, vous... allez, on se met en file indienne derrière le skin iconique. Allez, tout le monde derrière le skin iconique. Mais je t'ai pas vu toi. Je t'ai pas vu toi. Bon allez, on va te laisser passer, on va voir ce que tu vaux. Le skin iconique, tu commences frérot, allez. Tu es validé mon gars. Allez, tu vas ici, tu... tout se valider, vous allez à côté du skin Goku. Skin suivant, Beerus. J'applaudis Beerus, tu es qualifié mon frérot, tu es qualifié Beerus. On joue pour 1000 V-Bucks les gars, 1000 V-Bucks à gagner, attention. Mon gars, c'est trop un... En fait, tout ton skin, c'est un combo, enfin c'est un pack, donc je suis désolé, je vais t'éliminer. Désolé frérot, c'était Donovan. Ok. Deux fois le même planeur. Je te mets une petite balle, mais tu peux te qualifier quand même. Je t'ai mis une balle pour te retenir, tu vois. Dans ma tête, je te retiens quand même. Parce que t'es un peu sur la sellette. Je te mets une balle aussi. Toi, c'est bizarre, ton planeur. À ton tour. Ah, attends, il s'est transformé. Je me transforme aussi. Oh! Validé, t'es validé, let's go. Au tour de Ariana. Allez Ariana, montre-moi que... Bien évidemment que Ariana est validée. Tu es qualifié Ariana, let's go. Et maintenant au tour de Vénard. Bon, ne bouge pas Vénard, reste là. Je vais demander au skin que j'ai mis une balle. Donc c'était le skin rouge et le skin Kakashi de venir. Venez, 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 parce que je vais en éliminer parmi vous. Déjà, Vénard, je suis pas très fan de ton planeur, mais il est joli. Donc tu vas te mettre à côté. Je te mets pas de balle, tu vas te mettre à côté. Kakashi, tu vas reprendre le planeur, je dois revoir ton combo. Enfin, ton planeur. Vénard, mets-toi là, Vénard. Mets-toi là. Oh, vas-y, Kakashi, tu peux y aller. Ok, descends ici Kakashi. Descends ici, c'est bon. Et maintenant à ton tour frérot. Allez au skin rouge, vas-y tu dois y aller. Bon skin rouge désolé mais pour moi tu es... De tous les joueurs qui sont passés tu as le pire planeur. Donc déjà ça c'est sûr. Désolé mon ref. Et Kakashi, ton planeur est bien. Ton planeur est cool frérot. Mais il y a Beerus qui a le même planeur que toi. Donc déjà j'aime pas trop quand même vous avez le même planeur. Et de deux je suis pas très fan de ta pioche. Donc malheureusement c'est toi qui vas être éliminé. C'est comme ça, c'est vraiment, t'as pas eu de chance que Beerus il ait mis... Oh le bâtard il danse, oh il fait le gamin. Bon, maintenant les gars, mettez-vous tous en ligne derrière le iconique, on va passer pour les camouflages. Ok, donc là par contre c'est compliqué aussi d'être qualifié pour les camouflages. Ok, on commence avec iconique. Ok, le camouflage est joli frérot, tu peux te qualifier. Mais je te retiens parce qu'il est pas dingue. Beerus il est fort ton camo, il est fort de fou là. Très très fort ton camouflage, tu peux aller là. Toi Beerus, dans tous les cas, j'ai un bon coup de cœur sur toi, tu sors des bons trucs qui me plaisent. Arana, ça par exemple, ça me plaît pas du tout ça. Ça je t'élimine. Ah, c'est pas très joli, en fait, ça, les couleurs ne vont pas avec ton skin. Allez, vas-y frérot. Frérot, j'ai pas du tout aimé ton camo. Désolé, mais... Non frérot, tu peux pas me faire des masterclass toute la game et me faire ça. Tu peux pas me faire ça frérot. Tu peux pas me faire ça frérot. Frérot, tu peux pas me sortir des masterclass toute la game et me sortir ce camouflage. C'est quoi ça? Pourquoi c'est du caca? C'est gris. C'est ni. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Bah les gars, pas de favoritisme, hein, je l'élimine. Désolé mon gars, mais là... Il m'a sorti le pire camouflage. Il m'a sorti le pire camouflage. Il a pas fait d'effort. Bon, il en reste deux. Il en reste deux. Les gars, juste le chat, selon vous, qui mérite? Est-ce que c'est le skin iconique ou c'est le skin Beerus? Donc Beerus ou iconique? Voilà, je vous laisse. Regardez les sacs à dos des skins. Et les skins... Les gars, il y a un skin Beerus qui a gagné juste avant. Vous voulez refaire gagner un skin Beerus, j'ai l'impression, le chat. D'un autre côté, en vrai, Beerus gagne beaucoup de points car il joue la carte du risque. Car quelqu'un avait déjà joué les skins avant. De deux,
il joue une carte de risque, donc ça peut lui faire perdre des points ou en gagner, donc pour moi c'est fort, tu vois. Mais c'est surtout qu'en fait on est dans la map Dragon Ball Z, et le mec ramène un skin Dragon Ball Z. Et ce que j'aime bien avec Beerus, c'est que Beerus a pris des émotes qui n'ont rien à voir avec Dragon Ball. C'est-à-dire que le sac de Beerus n'est pas Dragon Ball, la pioche de Beerus c'est pas Dragon Ball, ses émotes c'est pas du Dragon Ball. C'est-à-dire que le mec a juste pris le skin et il a joué full combo, tu vois, il a pas joué la facilité. Iconique après, d'un autre côté les points positifs d'Iconique, c'est que le skin est stylé, pareil ses émotes sont stylés, mais c'est surtout qu'il a le sac Galaxy, et il a la pioche. Mais moi, pour moi, il y a un truc que j'aime pas trop avec Iconique, c'est qu'il veut jouer sur la carte de la rareté. La pioche, on va pas se mytho les gars, elle va pas trop avec le skin. Elle va pas trop avec le skin, le sac à dos. Vous allez pas me dire que le sac à dos il rend bien avec le skin. À la rigueur, le sac à dos avec Beerus, masterclass, avec Iconique moyen. Iconique, j'ai l'impression qu'il a voulu faire la carte du je mets un peu de ça, un peu de ça, un peu de rare, et ça passe. D'un autre côté, je l'ai qualifié parce que son skin est joli, même si ça matche pas ensemble, ça reste rare et ça reste joli à regarder, mais ça matche pas ensemble pour moi. Et il a été fort en camouflage et en planeur, il a été très fort. Mais malheureusement pour moi, les gars, c'est Beerus, les gars, pour moi c'est Beerus. Donc désolé Iconique frérot, t'as été un monstre, mais tu peux pas gagner forcément que avec la rareté mon gars. Donc désolé, je t'élimine. Et c'était lui 32 fois, il fait top 2. Non, la vie c'est pas scripté, les gars. Attendez, il était venu tout à l'heure. Et il a fait top 2 tout à l'heure. Bah, je te fais un petit cœur, frérot. Ah bah, j'ai pas eu le temps de faire les mots. Mettez un maximum de GG, les gars. Pour Beerus. Donc, je vais voir c'est qui. Par contre, si c'est le... Attends, parce que là quand même, il a fait top 2, Luzrod. On va voir qui c'était, du coup. C'était Hashibino. Hashibino, mon frérot, je te laisse m'envoyer un petit screen avec ton pseudo, comme quoi c'est bien toi qui as gagné. Tu m'envoies ça, enfin tu m'envoies un screen de toi dans le lobby avec ton compte, etc, tout bien. Tu m'envoies ça sur Discord ou sur Twitter en message privé et tu viens de gagner 1000 bucks, frérot, bien joué à toi, t'as géré le défilé de mode. Félicitations mon gars, t'es chaud. Donc, et quand vous quittez la map, les gars, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, c'est super important. Maintenant les gars, on a fait deux défilés de mode, on va pas s'arrêter là, il y a encore des V-Bucks à gagner. Je l'ai dit, il y avait au moins 3000 V-Bucks à gagner, j'en ai déjà fait gagner 2000. Vous allez pouvoir gagner 1000 autres V-Bucks les amis, mais cette fois-ci ce n'est pas avec des skins, c'est avec votre talent. C'est avec votre talent sur Fortnite. Je vous affiche directement. Hop, c'est bon, c'est bien en silencieux. Je vous affiche le code à utiliser les amis. Hop. On va faire une game de Stumble Guys les gars, on va faire une game de Stumble Guys. Donc je vous envoie le code dans le chat. Le code s'affiche à l'écran. Et on va mettre prêt en même temps. Kota, je te laisse me demander à join. Là, Kota, quand même, je vais t'inviter, tu vas pouvoir venir jouer avec moi, ça va être cool. Ok, donc les modos, je vous laisse copier le code. Kota, je te laisse copier le code le temps que je t'invite. Vous mettez bien jouer les amis, et vous mettez en partie publique. Ne mettez pas prêt tout de suite, attendez mon top départ. Et quand il y aura le top départ, vous allez pouvoir mettre prêt et on va tous lancer en même temps, ok les gars. Ma caméra est surchauffe les gars, et revient, attendez. J'ai réactivé la clim. Ok les gars, donc vous mettez prêt en même temps. Tu veux venir Xeno? Allez, j'invite. De base j'étais censé jouer avec Xeno, donc je l'invite exceptionnellement. J'invite pas plus de monde parce que comme ça vous allez tous pouvoir venir. Est-ce que vous êtes prêts les gars? Tous ceux qui ont mis le code, j'attends que vous mettiez prêt dans le chat. Je vais attendre encore une minute je pense, comme ça vous avez tout le temps. Kota, je te laisse copier le code, merci beaucoup Zohir de copier le code. Le code est en description, pour ceux que ça intéresse, il est aussi affiché sur le live. Mettez bien partie publique et vous allez mettre prêt à mon top départ. Ok, là c'est pas un défilé de mode, c'est Stumble Guys, donc ça va être du talent les gars. Et celui qui gagne, il n'y a qu'un seul gagnant sur 32 joueurs, gagnera 1000 V-Bucks les gars. Il va gagner 1000 V-Bucks là. Oh, juste en jouant à Stumble Guys sur Fortnite, genre vraiment. Il a juste à lancer le jeu en partie publique et le gagnant dans ma game, il gagne 1000 V-Bucks. On va attendre un peu, on attend une minute le temps que tout le monde soit prêt. Une fois que vous êtes prêts les gars, vous mettez prêt dans le chat. Comme ça, je vais pouvoir faire le décompte et on va tous mettre prêt en même temps, ok? On va pouvoir mettre prêt au même moment les gars. Mais c'est pour ça que j'attends que vous soyez prêts les gars. Pour qu'on puisse se mettre prêt en même temps et que tout soit carré, vous avez capté le délire, faut que on soit corda. Je vois beaucoup de prêts les gars, on va partir dans 10 secondes, je fais un petit décompte, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, les frérots, c'est parti, j'appuie sur prêt, vous pouvez tous mettre prêt, partie publique les amis, serveur Europe. Et c'est-y par les gars, c'est carrément parti les moulas les gars, on va carrément partir.
faire une game de Stumble Guys. Le code est en description. Je suis en public, donc vous pouvez à tout moment rejoindre la game en mettant le code de map en dessous. Vous pouvez rejoindre la game. Et du coup, celui qui gagne, les gars, bah... Benefa, lui, les gars, là, il va jouer pour 1000 bucks. Donc je pense que les gens vont tryhard. Pour ceux qui m'ont demandé d'attendre, si vous êtes déter et s'il y a encore beaucoup d'abonnés après la boutique, je referai une game de Stumble Guys où il y aura encore 1000 bucks à gagner. Seulement si vous êtes déter, les gars. Seulement si vous êtes chaud après la boutique. Donc là, pour moi, on n'en fait qu'une seule avant la boutique et ensuite, on en refera peut-être une. Ok, les gars, donc restez bien sur le stream. Vous allez avoir encore une chance de peut-être gagner 1000 bucks. Il y a de fortes chances, les frérots. Ok, déjà, on est en train de spawn, les gars. D'ailleurs, les gars, vous êtes énormément à y jouer tous les jours à la map Stumble Guys, donc ça fait super plaisir. D'ailleurs, les gars, j'y joue tous les jours. Hein. Tous les jours, je joue à la map en public. J'ai déjà joué avec beaucoup d'abonnés. Donc, ok, il y a de la place, les gars. Faut venir, les gars. On est 27 sur 32 joueurs. Il reste... vous avez 30 secondes, les gars, pour mettre le code. C'est tout de suite. Mettez vite le code en public, les amis. On est 27 joueurs sur 32. On est 27 joueurs, il reste de la place. Go, 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 vous mettez le code. Vous mettez public et vous cliquez sur prêt, les gars. Je vous envoie le code de la map dans le chat, vous avez 20 secondes. C'est possible les gars, vous avez le temps de venir. Je répète qu'il y a 1000 V-Bucks à gagner. Les gars, c'est pas le moment de perdre 1000 V-Bucks. Attends, mais je pense qu'on est 32 déjà, non? Attendez, il y a combien d'équipes? On est 27, on est 27 les gars. On est 27, je sais pas. Non, je crois on est un peu plus. Il y a des gens qui viennent de join. Ça s'est pas actualisé, je crois. Bon, ça commence dans 8 secondes les gars. J'espère que vous êtes prêts les refs. La game va se lancer. Ok, let's go. Let's go, on est tous téléportés. Allez, il faut terminer les gars. On a 2 minutes pour terminer la run. Là les gars, il y a 1000 V-Bucks en jeu. Les abonnés, ils vont être déter. Ok, Kota, c'est le petit skin Poiscaille, il est avec moi. Ok, Kota, il veut les 1000 V-Bucks. Je le sens qu'il veut les 1000 V-Bucks, Kota. Ok, ok, on est chaud. Bon, moi, je suis premier, les gars. Bon, d'un autre côté, c'est ma map, je connais par cœur. Petit raccourci. Je vous donne un raccourci, les gars, passez par là. Oh non, je suis tombé. Oh, je suis un noob. C'est pas grave, je run. Allez, les abonnés, les gars, il y a 1000 V-Bucks à gagner. Faut pas se mettre la pression, il faut tryhard. Le code de map est juste ici, vous pouvez lancer en public, je le répète, les gars, au cas où, pour ceux qui veulent venir jouer. Rien de plus simple. Ok, ok, il reste 1 minute 20, c'est marqué là-haut sur le timer, je sais pas si vous voyez bien. Pour moi, tout se passe bien. Pour moi, ça se passe bien, je suis premier. En vrai, je suis premier, tu vois, donc d'un autre côté, c'est ma map, c'est normal. Est-ce que vous voulez que j'en relance une après la boutique, les gars, et que je refasse encore gagner 1000 bucks? Parce que je vois, il y en a plein qui n'ont pas réussi à venir, donc je vais peut-être faire ça, en vrai. Je vais peut-être faire ça pour vous faire plaisir, les gars. Parce que je vois que vous êtes beaucoup à vouloir... Après la boutique, vous voulez que j'en relance une ou pas? Je relance une Stumble Guys après la boutique où il y aura encore 1000 V-Bucks. Dans tous les cas, je suis en public, vous pouvez toujours rejoindre la game. Vous avez juste à lancer en public. 12 000 XP. Allez, il reste 40 secondes, les frérots. Il faut monter et passer la ligne d'arrivée. Allez, moi, j'encourage la commu. J'encourage avec des Kamehameha. Enfin, des transformations. Merci, Elod, pour les 2 euros. C'est Elod, serveur. Merci, mon ref. Merci beaucoup, comment tu vas? Bon, les gars, moi, je vous conseille un truc. Non, mais Kota, tu vas pas réussir. Kota, prends ton temps. Il faut... Et à la fin, c'est à la fin que tu dois courir, ok? T'as 20 secondes, c'est à la fin tu dois faire un méga jump, Kota, ok? Ah mais non, mais tu prends... T'es bête, Kota, t'as 15 secondes, là, faut pas que tu te fail. Les gars, prenez votre temps, voilà, vous montez dessus. Il faut faire un méga sprint à la fin. C'est à la toute fin, les gars. Voilà, Kota, t'as compris. Allez, 5 secondes, moi je me qualifie. Ok, on est beaucoup qualif. Non, je crois que Kota, il va pas être... Non, Kota, il est pas qualif. Oh non, Kota, il est pas qualif. Oh, mettez Kota le noob. Mettez Kota le noob dans le chat. Je regarde un peu les gens, il y en a peut-être que je connais. Il y a Xeno dans la map, bon bah du coup c'est normal. Ok, ça ce mode il est facile les gars, vu qu'on est beaucoup il est facile. Ok les gars, allez il faut sauter, il faut tenter les gars. On respawn, là vous respawnez dans tous les cas dans ce mode de jeu. Ok, let's go tout droit. Oh, je suis trop chaud. Bah oula, attendez, n'allez pas trop vite les frérots. Mais attends, mais il y a Dark dans la game ou pas là? Il y a un mec qui a le skin de Dark. Il faut tenter les gars là. Oh, il a tenté le beau gosse. Il restait le temps. Let's go. D'ailleurs les gars, n'hésitez pas à me soutenir. Venez, vous faites les beaux gosses un peu là. Venez, on fait un peu les beaux gosses, on met le code PJP là. Je vois tout le monde autour du bouton là. Allez, pas de jaloux, tout le monde autour du bouton les gars. Hop, là, pas de danse ici. Voilà, autour du bouton les frérots, voilà. Let's go. En plus, il y a des confettis. Par contre les gars, laissez-le respirer le bouton, laissez-le respirer là. Il est en train de faire un coma.
Merci Elliot pour tes 2 euros. Ça fait plaisir que t'ailles bien frérot, je vais t'ajouter un ami. Hop. Je t'ai ajouté frérot, let's go. Ok, nouveau mode de jeu dans 9 secondes. Je répète les gars, on joue pour 1000 V-Bucks hein. Voici le code de la map. Ah bah attendez, j'ai mis le pseudo à... Oh, Temple Run. Les modos, je vous laisse mettre le code de la map pour ceux qui veulent venir en public. Ok, ok, vous êtes chaud les gars, vous êtes chaud. Allez, on continue. Ok, moi j'attends un peu les abonnés là, je les attends un peu. J'ai envie de jouer un peu avec les abos quand même. Merci à ceux qui like le stream au passage. Attends, je recopie-colle le code de la map en même temps. Hop, je l'avais pas copié tout à l'heure. Allez, faut se dépêcher. Voilà, ouais, on a plus qu'une minute déjà. Attends, mais ça passe trop vite. Mais ça passe super vite en fait. Oh, je suis tombé. Oh, je me suis rattrapé. Allez, run. Oh, attends, il y a des trucs qui ralentissent là. Je me fais ralentir. Ok, 50 secondes. Mais en fait, ça va. En fait, c'était plutôt rapide, ça passe. Passe pas. Non ! Non ! Ah bah, ça passe pas là. Je me suis pris la boule. Il reste combien de temps là ? Il reste 36 secondes. Ok, là, faut passer maintenant. Attends, pas tout de suite. Maintenant, let's go. Ok, let's go. Je me suis pas pris la bulle. La boule, excusez-moi. 30 secondes, ça va, je suis calife. Ok, je suis calife. On est qualifié les gars. D'ailleurs les gars, vous pouvez gagner de l'XP sur la map. Bien évidemment, quand vous avez des pierres comme ça, vous les échangez. Là, l'XP est en calibrage actuellement. Et vous pouvez tout simplement l'échanger ici. Et vous gagnez de l'XP gratuitement les amis. Donc ça, c'est vraiment cool. Et vous pouvez acheter mon skin aussi les gars. Il y a mon skin dans le jeu, c'est incroyable ça par contre. Qui veut faire fusion là? Attendez, je vais faire fusion avec quelqu'un là. Fusion. En fait là, faut se dire que parmi tous les joueurs, il y a un mec qui va repartir avec 1000 V-Bucks. J'ai envie de parier sur quelqu'un. On va parier sur le skin Poiscaï. C'est un mec qui joue depuis longtemps s'il a ce skin pour World Cup. Oh alors là. Oh ce mode les frérots, il est pas facile. Bonne chance à vous les gâtés. Ok. J'ai failli mourir. Oh, y'a déjà un mort. Un éliminé les gars. Là je sens que les abonnés vont mourir. Ils vont mourir. Ça va être compliqué les gars. Conan, n'hésite pas à mettre le code de la map dans le chat s'il te plaît frérot. Comme ça s'il y en a qui veulent venir en public là, ça me ferait super plaisir. Ok, y'a un autre mort. Merci Elliot pour le membre. Merci beaucoup les gars, mettez des gros GG à Elliot pour son membre burger validé. Il reste combien de temps là? Il reste... Attendez, je peux pas voir le timer. Il reste 20 secondes. Ok, y'a le timer qui est là, vous le voyez. C'est dur là. Ils sont trop forts la commune hein. Oh, ils sont trop forts. C'est des machines les abonnés. Là ils veulent 1000 V-Bucks. Oh, y'en a un qui est mort. Oh, il vient de perdre potentiellement de gagner les 1000 V-Bucks. 3 secondes, allez, 2, 1. On est qualifié ou pas? Let's go. D'ailleurs, il y a les autres maps que j'ai faites, les amis, avec les mappeurs que vous pouvez utiliser. Il y a Minecraft qu'on a fait. Il y a un défilé de mode dans les nuages. Et il y a la Stumble Guys si vous voulez relancer. La finale les gars, c'est la finale. Ok les gars, c'est la finale. On va voir qui va gagner. Ok, je trace. Ok, on va voir si des abos sont plus rapides que moi. Il est chaud pour moi. Ok, on est pareil pour mon lieu, moi. Il est un peu plus avant que moi quand même. Ok, il est chaud le frérot. Il est chaud, il est devant. Il trace le frérot. Ok, oh j'ai doublé, incroyable. Je l'ai doublé, attention, ça glisse. Non mais si c'est moi qui gagne les gars, c'est trop drôle. Non si c'est moi qui gagne les gars, c'est beaucoup trop drôle en vrai. Attendez, là je suis premier j'ai l'impression, peut-être qu'un mec va me dépasser. Oh, je vais gagner. Non. Oui. Non, je suis pas passé. J'ai pas passé le truc, j'ai trop le seum. Non, je suis pas... Mec, j'étais à la fin, j'ai pas réussi à win. Bah GG mon gars, bah ça me fait plaisir que ce soit un abonné. Mec, what the fuck, j'étais à la fin. C'est... Attends, je peux pas le voir là. Bah j'irai en mode spec pour voir qui a gagné. Faut que j'aille en mode spec pour voir qui a gagné. GG mon gars qui a win. Ah les gars, est-ce que vous avez kiffé les gars? On va retourner au lobby. Incroyable.
Incroyable. Hop, on va aller en mode rediff, on va aller voir en rediff les gars. Est-ce que vous êtes chaud après la boutique? On refait une game. On refait une game après la boutique ou pas le chat? De Stumble Guys. Je vais aller voir en rediff tout de suite les gars. Restez bien jusqu'à la boutique parce que je vais offrir un petit skin Dragon Ball ce soir, vous le savez. Alors du coup, lire la rediffusion, hop. Incroyable. On va aller vérifier. On va aller vérifier qui a gagné. Ah vous voulez tous qu'on en refasse une les gars, bah on va en refaire une. Vérifier qui a gagné. Ça prend un peu de temps à charger, c'est normal les gars, c'est le mode rediff. Attendez, on va passer d'un autre joueur. Ouah, le mode il est buggé là. Comme ma manette elle marche pas. Wesh. C'est buggé les gars, attendez. Je peux pas tourner la tête. Oh le chargement. Oh le chargement il est lang. Le chargement il est long là. Ok, let's go. Pourquoi on voit pas les autres joueurs? Ok, c'était quand j'arrivais. On va voir qui a gagné, les gars. Du coup, on va voir qui va gagner, qui a gagné. Moi, je sais pas pourquoi le boost là, il faut que je le patch. Il est beaucoup trop fort, je crois. Parce que je crois que je suis pas le seul. Attends. Est-ce que lui, c'est fail? Bah, c'est lui qui a gagné, c'est sûr. Attends, on va aller sur sa POV. Faut que je trouve son blaze en fait. Mince, mais attends, mais là je suis. Non, mais je suis retourné en arrière, je suis trop bête. Je suis trop bête, les gars, je sais pas utiliser le mode. Mode rediff, je suis pas allé dans le bon sens là, je suis pas allé dans le bon sens, j'ai fait des bêtises, j'ai fait des bêtises. Ok. Alors, du coup, qui c'était? Ok, donc moi j'arrive par là, hop. Hop, hop, hop. Moi je passe, moi je tombe. En fait, là j'ai fait du surplace, regardez. Hop, surplace. Je sais pas pourquoi, mec, j'ai fait n'importe quoi. J'ai tellement pas de luck. Lui, il arrive du coup derrière moi. Il est là. Ok, donc là, du coup, je dois essayer de le trouver. Pourquoi ça veut pas changer les joueurs? Qui es-tu? Qui est ce joueur? Pourquoi je peux pas. Pourquoi je peux pas switch de joueur? What the fuck? C'est bien chiant ça. Ouais, ça me TP ici ensuite, mais. What? Je vais pas voir le gagnant, les gars, c'est trop bizarre. Le nom au-dessus. On peut afficher les joueurs au-dessus? Comment on affiche les joueurs? Merci Vanessa pour le moment, merci beaucoup. Les gars, attendez, faut que je fasse activer, faut que j'affiche les. Oh bah attends, bah là c'est buggé maintenant. Clique sur la cam. Ah ok, let's go. Attends, afficher les. Attendez, il faut trouver. Plaque de nom. Oui. Oh, let's go! Merci Arnaud. Et là, du coup. Et du coup, c'était le Saiyan de couleur là. Attends, il est là. Attends, je crois que c'est lui. C'est John. C'est John the Braco. John the Braco, les gars, je veux DG pour John the Braco. Pareil, frérot, tu m'envoies un petit screen de ce skin dans le lobby. Fortnite, avec ton blaze, frérot. Dans le lobby Fortnite. Tu m'envoies ça sur Discord ou Twitter en message privé. Et GG, mon gars, t'as gagné un code des 1000 V-Bucks parce que t'as été trop chaud. En plus, t'étais dans les derniers, je viens de voir là, à la rediff, t'étais dans les derniers. Enfin, il y avait beaucoup de gens devant toi et t'as mis une remontada à la fin. Ça, j'aime bien cette finale. Alors que même si t'as pas l'habitude, tu peux mettre une remontada de fou, genre. Elle est cool. GG, mon gars, GG, mon gars. Bah, les gars, après la boutique, on va refaire une game de Stumble Guys. On va refaire une game de Stumble Guys où il y aura. Encore une fois, 1000 V-Bucks à gagner, les gars. Il y aura 1000 V-Bucks à gagner. Game de Stumble Guys. Donc restez bien. Donc, restez bien après la boutique. Enfin, c'est ce que j'ai dit, mais normalement, c'est ce qu'on va faire. Parce que vous avez tous été chauds de fou à l'idée d'en refaire une. Donc, gardez Fortnite de lancer. On va pouvoir en refaire une. J'enlève juste ça, là. Boutique dans une minute.
Merci Blaze 2.0 pour ton euro, merci mon gars, merci beaucoup. Ça fait super plaisir. En tout cas, j'ai vu que vous avez kiffé la map. Ça fait super plaisir. Vous avez kiffé la map Dragon Ball Z, là, celle-ci. Ça fait vraiment trop, trop plaisir, les gars, que vous ayez kiffé la map. Ça fait vraiment super plaisir, donc merci beaucoup. En plus, les gars, si vous voulez trouver des bons combos de skins, n'hésitez pas à y jouer. Le code est en description, je le répète. C'est un truc de zinzin. Bon. Petite boutique dans 30 secondes. Dans tous les cas, je pense que vous en doutez, mais on n'aura pas de nouveautés. Peut-être, si, imagine, on a des petites dingueries Dragon Ball. Imaginez sur un petit malentendu, là, ils nous remettent des petits trucs... Moi, je serais content, en vrai. Un petit malentendu, t'as capté, ça peut être cool, en vrai. Ça peut être vraiment cool. Allez, boutique dans 16 secondes, les gars. 16 secondes, 16 secondes, les amis. Merci, Blaze, encore, pour tes 1€. Merci beaucoup. Je remercie aussi toutes celles et ceux qui mettent le code PJP dans la boutique Fortnite pour payer chaud, ça accroche. Vous êtes bientôt 50 000 à me soutenir, c'est un truc de dingue. Donc, merci beaucoup. Vous cliquez sur accepter. Allez, nouvelle boutique. Ah, toujours les skins que je vous ai présentés tout à l'heure, toujours présents. Les skins Dragon Ball, ça bouge pas les gars, ça bouge pas du tout. Ma caméra elle s'éteint. Ma caméra qui s'éteint, non mais c'est quoi ce délire? On va activer la clim pour la vidéo, pour la boutique, pas pour la vidéo, excusez-moi, pour le live. Hop là, on a ensuite Birdie à 800 V-Bucks. Ensuite on a Bois 1 à 500. Ensuite on a les deux acolytes qui font leur retour. Stylé les frérots là. On a en dessous Aurélia. Très joli, le planeur aussi. 1500 V-Bucks le poteau. Ensuite, Oro à 2000. J'allais dire à 1000 V-Bucks, non, 2000, excusez-moi. Petit skin à 800. On a le skin Stonks à 1200 V-Bucks. Je suis mort. Chouchou à 600. Ça, c'est stylé. Joie de vivre à 500 V-Bucks. Guimauve à 200. Et, bah, c'est tout. En dessous, on a quoi d'autre? On a toujours ça. Bah, ça, j'achète tout de suite tant que j'y pense. Hop là, le petit code PJP, les gars, avant d'acheter, ça fait plaisir, des items plutôt rares. Le petit code PJP. Oh, la clim. On a ensuite le sac à dos que j'achète aussi, il va être rare. La cam, les gars, elle, c'est normal, la cam, elle a surchauffé, faut la laisser respirer. Je la réactive tout de suite, vous inquiétez pas. En dessous, on a toujours les trucs, on a le retour des trucs de golf. La pioche ici et les skins, je vous les présente vite fait. Je présente vraiment vite fait les skins, hein, mais voilà. Pas dingue les skins non plus. Bah, boutique plutôt cool, les gars. Boutique plutôt cool. On va offrir, comme d'hab, un petit skin Goku. On offre Goku ou pas? Ou Beerus? Qu'est-ce que je raconte, les gars? On offre Goku directement à un abonné, les gars. On régale un abonné, on lui offre Goku. On scroll et stop. Et on est tombé sur Panzer. Panzer GG, mon frérot. Attends, est-ce qu'on voyait bien ton pseudo? On voyait pas bien, je le montre bien en live. Panzer qui gagne. GG, mon gars. On t'envoie ça. Kota reste en vogue. Je sais que tu vas prendre ta revanche, évidemment. Ensuite, on te met un petit cadeau. Orange, vous le savez, à chaque fois que je fais un live, j'adore offrir des petits cadeaux. Envoie du cadeau en cours, frérot. Ton cadeau est envoyé, les gars. Il prend un peu de temps, quand même. Ok, il s'est envoyé. Let's go. Il s'est envoyé. Et j'ai un petit cadeau à mon tour. Goulot. Goulot qui m'envoie un cadeau. Je vous montre son petit blaze, les amis. Goulot, merci beaucoup, frérot. On ouvre ça. Oh, c'est la musique. Merci, frérot. Bah, du coup, j'ai tout maintenant. C'est parfait. Mettez votre pseudo, les gars. Je vais ajouter. 3 abonnés du coup, vu que c'est la boutique, je joue 3 abonnés. Et ensuite on va faire une game de Stumblecast Fortnite. Et il y aura du coup, comme je le répète, 1000 V-Bucks à gagner. Kota, je me mets en public, je mets en public, comme ça vous allez tous pouvoir me join. Comme ça on va être un lobby complet, là c'est sûr. Vu que tout à l'heure on n'était pas complet. Alors Aizen, je t'ajoute un ami. Ah, ton pseudo marche pas, on va ajouter quelqu'un d'autre. Cortex, ça marche pas non plus, on va ajouter quelqu'un d'autre. Zentox. Les gars, les pseudos fonctionnent pas, qu'est-ce qui se passe? Osiris, ça marche pas. Ningarara. Ah mince, ça marche. Attends, je vais t'ajouter. Merci pour les 10 euros, Brillant. Merci mon gars, merci beaucoup, ça fait super plaisir. Merci mon ref, t'es un crack. Tourmelo, ton pseudo marche pas. Magrave, ton pseudo fonctionne. On t'a ajouté, il reste une personne à ajouter, les gars. Et ensuite, on va aller faire... Je vous montre le code, les gars. Le code est aussi en description. Là, c'est la map Stumble Guys qu'on va faire. Donc, mettez bien en public. Thomas, ton pseudo fonctionne. On t'ajoute, mon frérot. Let's go. Je vous envoie le code, les amis, de la Stumble Guys. Je vous envoie le code. Let's go. Vous pouvez tout simplement. Bon, moi, je vais dans ma bibliothèque. Hop là. Dans mon groupe, je vais vous demander de tous mettre prêts, les gars. Mettez tous prêts.
Mettez tous près dans le groupe sauf. Bah, y'a un mec qui est pas en game, je vais l'exclure là. C'est qui est pas en game et qui est là, là, dans une partie là. Ah, mes frérots. Les gars, ça sert à rien de mettre votre pseudo, les refs. Ça sert à rien maintenant, j'ai ajouté déjà les 3 abonnés. Hop. Je vous envoie le code de la map. Bon. Cette fois-ci, les gars, c'est le dernier mode, les gars. C'est la dernière. J'ai déjà fait gagner 3000 V-Bucks ce soir. Là, c'est les derniers 1000 V-Bucks à gagner. Les derniers, c'est le. Y a qu'une personne qui gagne, c'est le gagnant du mode Stumble Guys, ok? Vous mettez bien la map, vous mettez en public. Mettez, vous allez dans code deal. Et vous mettez le code deal suivant, les gars, je vous le montre. Le code deal à noter, le voilà, les gars. Bah, il s'affiche à l'écran, voilà, il est là. Vous mettez la map en favori, comme ça, vous n'avez pas besoin de remettre le code à chaque fois. Vous mettez bien en favori. Vous mettez la map et vous attendez en partie publique. Cochez bien partie publique, il n'y a pas privé public. Et je vais vous dire quand mettre prêt, les gars. Je vais vous mettre le top départ. Est-ce que vous êtes prêt, le chat, déjà? Mettez-moi prêt si vous êtes déter, les gars, si vous êtes déjà prêt à lancer. Vous mettez prêt si vous êtes prêt. Aussi simple que ça, les refs. Mettez-moi prêt si vous êtes prêt. Si vous êtes pas prêt, bah. Vous êtes pas prêt. Prêt. Ok, tout le monde est prêt. C'est parti. Attendez, tout mon groupe m'est prêt. Attendez. Ok, je fais un décompte pour ceux qui sont pas dans le groupe. Comme ça, vu que vous le savez, il y a 32 places disponibles dans la game. 5, 4, 3, 2. Attendez. J'annule le timer. Il y a un mec qui a pas mis prêt dans mon groupe là. Qui n'a pas mis prêt? On va le dégager. Ok, il a mis prêt. Je refais le compteur. 5, 4, 3. 2, 1, c'est parti les gars, partie publique. Encore une fois, quand la game va être lancée, vous avez encore de la place et vous avez la possibilité de venir. Donc mettez bien le code de map en public. Oh, merci pour les 10 euros, Kereinot. Incroyable ton émote Superman. Merci frérot, t'es un boss, merci mon gars. Ok, on est téléporté. Kota, cette fois-ci je compte sur toi pour être meilleur. Tu as été nul, tu as été un noob frérot. Un noob, je n'ai pas honte de le dire. Je n'ai pas honte de le dire, tu n'as pas été à la hauteur, Kota. Cette fois-ci, j'espère que tu le seras. Ok, let's go. Let's go, la game se lance. Les gars, c'est les derniers 1000 V-Bucks à gagner de ce live. Honnêtement, vous avez kiffé ce stream en plus, ça fait super plaisir. Le stream était super lourd, était super cool. D'ailleurs, les gars, après le stream, si vous ne savez pas quoi faire, n'hésitez pas à aller checker. J'ai fait aujourd'hui une vidéo de la mise à jour. On est 30 déjà en game. Il reste 2 places, les gars. Il reste 2 places pour ceux qui veulent venir, c'est tout de suite. Carré, je vais t'ajouter, y'a pas de souci. Merci encore pour tes 10€, je vais t'ajouter. Je bug là, enfin, on est 32. Parce que j'ai pas encore spawn. Je t'ai ajouté, frérot, merci pour tes 10€. En tout cas, tu régales, frérot, merci beaucoup. Let's go. En tout cas, ouais, n'hésitez pas à aller checker la vidéo d'aujourd'hui si après le live. Ça ferait super plaisir ceux qui iront checker la vidéo. Ok, on est en train de spawn. On est tranquillement en train de spawn. On est full, les gars, là. Là, il y aura qu'une personne qui va remporter les 1000 V-Bucks. Une seule personne, les gars. J'espère que vous êtes à la hauteur. J'espère que vous êtes tous à la hauteur. Car il n'y aura qu'un gagnant, les amis. Un seul gagnant. Ça va être compliqué, là. On a carrément, il se transforme, là. Moi, je vais me transformer aussi. Je vais montrer aux abonnés que ça va pas être facile de gagner. Je vais tout faire pour gagner, moi aussi. Comme ça, je vais leur mettre la vie dure aux abonnés. Ok, d'ailleurs ceux qui ont de l'argent, les amis, dans la map, ceux qui ont déjà joué à la map, c'est le moment d'acheter des gadgets, là. J'ai mis des gadgets à disposition, des ballons et tout, ça peut vraiment vous avantager énormément, ça. Là, il y a des ballons, les gars, ça peut énormément vous avantager pour gagner, ça, ceux qui ont des sous. Ah, là, ils achètent des bombes. Attention, le premier mode va se lancer, qu'est-ce que ça va être? Attention, c'est lava. Ok, ouais, j'ai pas été TP tout de suite, mais... Y'a pas tout le monde qui a été TP. Ah, si, tout le monde a été TP. Ok, si, my bad. On a 2 minutes, les gars, il faut tout donner. Kota, je compte sur toi pour d'être ça, là, cette fois-ci, frérot, là. T'as été vraiment nul, Kota. Kota, il est en face de moi. Kota, il est plus rapide que moi, maintenant. Oh, Kota, il est déter. Kota, il veut prouver, là, il veut prouver aux abonnés, là. Il a failli mourir, quand même. Oh, Kota il est rapide, mais je dépasse. Je dépasse Kota, les amis, c'est comme ça que ça se passe ici. Regardez là, je récupère ma stamina et là. Hop. What? Oh non, putain, j'ai pas de luck. Non, je retombe dans... Oh, je suis trop nul.
Ok, let's go. Ah, ce côté, il est super rapide. Regardez-moi où il est déjà. Ah, écoute, ça c'est bon, il veut plus se faire avoir deux fois là. Il veut plus se faire avoir deux fois là, il a perdu. Attends-nous, Kota, attends-nous là, il va trop vite. Ah, il a réussi. Mais pourquoi il a galéré tout à l'heure s'il a réussi maintenant? Ah, Adélu est tout content là, il est tout content d'avoir réussi. Celle-ci, c'est l'épreuve la plus compliquée en vrai, les gars, elle est stressante. Hein. Hop, let's go. Elle est pas facile, hein, ce jump est pas facile. Enfin, si, il est facile, mais il y en a qui peuvent galérer, tu vois. Merci Carey pour tes 1€. Merci Carey Note. Bon, les gars, on joue pour 1000 bucks là, les gars, c'est pas des lol, hein. Encore une fois, pour y join. La map, je crois qu'on n'est pas complet. Vu qu'il y a un mec qui a déco, je l'ai entendu. Il reste 2 places max. Donc le code est là, vous pouvez lancer en partie publique, les gars. 20 secondes, les gars, 20 secondes, les gars, là, faut y aller. Ah, mais, ils utilisent pas la méga course aussi. Bon, allez, moi je me qualifie, j'ai pas envie de prendre de risques. Oh, ils mettent le code PJP, ils sont adorables, ils mettent le petit code PJP. Ils ont mis le petit code PJP, ils sont trop mignons. Ils sont trop mignons. Ils ont mis le code PJP, les gars. Ok, let's go. D'ailleurs, moi, je peux reprendre le skin rouge, je crois. Attendez, je peux m'équiper. Ah, regardez, j'ai mis le skin rouge, c'est vrai. Moi, je l'ai, du coup. Je peux me l'équiper quand je veux. Oh, attendez. Oh, ça m'a annulé les mottes. Oh, j'aurais pas dû me transformer, attendez. J'annule ma transformation. Ah bah non, je suis toujours pas rouge. Mais attends, ils sont trop forts. Mais attends, mais ils sont trop forts. Ah. Oula. Oh, il a trouvé, c'est ici, let's go. Il reste, bah on avait le temps. Attends, moi je vais m'équiper le skin là. Voilà, là j'ai le skin dragon, regardez, je suis tout rouge. Regardez, j'ai du feu autour de moi, les gars. Je suis on fire. Je suis on fire. Bon, attends, par contre, j'achète un peu d'XP. Hop, comme ça, le jour où l'XP va être activé. L'XP d'ailleurs va être activé dans 2 jours, je pense, sur la map. C'est Fortnite, ils prennent beaucoup de temps en ce moment. Voilà, hop là, j'en rachète aussi. Hop, je vais directement payer votre XP. S'il y a rien qui s'affiche, les gars, c'est normal, ça va s'afficher après. Bon, le prochain mode, il se lance quand là? Il y en a qui n'ont pas fini encore là-bas? On est plus que 23, les gars. Il y en a 10 qui sont morts déjà là. Hein. Il y a 10 joueurs qui ont été éliminés. En 2 modes de jeu, 10 joueurs, c'est beaucoup. Hein. Ok, donc soit on a l'espace, soit le temple. Et on a le temple, les gars. On a le temple. Allez, bonne chance pour le temple, les frérots. Let's go. Venez, on fait un check. Je lui fais un check au frérot là. Ça, mon gars. Moi, je passe par au-dessus, les gars. C'est le plus risqué, mais je porte mes balls. Ah, Kota, mais Kota, c'est bon. Kota, en fait, il veut gagner les 1000 V-Bucks. Regardez-moi ça, comment il avance super vite. Regardez-moi ça, Kota. Kota, j'ai pu t'inviter, t'es plus fort que tous les abonnés, là. Ça m'énerve. Il est trop fort, il est plus fort que moi, alors que c'est ma map. En fait, Kota, il veut flex et attendre. Je le connais par cœur. Je vais me prendre la bulle. En fait, il veut flex devant la ligne d'arrivée. Viens, on flex à deux. Allez, viens, on flex à deux, frérot. Attends, viens on flex. Ah, il est tombé. Il est bloqué. Ah non, il peut remonter. Non, je crois que j'avais mis une zone. Je le savais. Ah, je t'avais eu. Je t'avais eu, mec. Je l'avais eu. Bon, allez, les gars, allez, on se qualifie quand même. On n'est pas des rats. On se qualifie. Et on met le code PJP quand on se qualifie. Parce que c'est grâce au code PJP qu'on se qualifie. Voilà comment ça se passe ici. Voilà comment ça se passe. Je suis caché. Attends, j'ai combien de vie? Je crois que j'ai aucune victoire. Hein. J'ai même pas gagné ma propre map, les gars. Ils sont trop forts. À chaque fois que je joue avec des abos, ils sont plus forts que moi. Vous vous rendez compte, les gars? C'est ma map et j'ai pas gagné. Non, c'est honteux en vrai, les gars. C'est honteux. Et dites-moi le chat, est-ce que vous avez déjà testé ma map Stumble Guys? Dites-moi oui ou non. Si vous l'avez pas testé, les gars, vous pouvez regarder live demain. Le code est toujours en description et vous pouvez le tester demain avec vos potes. Ça peut être cool en vrai. Mais j'espère qu'il y en a qui l'ont testé quand même. J'espère, les gars. Allez, 5 secondes, nouveau mode. Y a pas eu beaucoup d'éliminés là. Y a eu personne qui a été éliminé. Oh, alors là, par contre, il va avoir beaucoup d'éliminés, là. Faut capturer les drapeaux. Je roll back. Oula. Oh, le créatif est bugué. Il faut attendre qu'un drapeau spawn. Je prends une glace, moi. Petite glace pimentée, hop. Allez, un drapeau. Oh, let's go. Oh, la luck.
Oh, c'est free. Oh, ça c'est bénef. Ça, les gars, ça c'est bénef. Bah, je suis qualif, les gars, direct. Directement qualifié, les gars. Directement qualifié. En vrai, j'ai eu la chance, j'ai un drapeau qui m'a spawn dessus. J'ai eu beaucoup de chance en vrai. Attendez, il n'y a pas beaucoup de qualifs là, il reste pas beaucoup de temps, j'ai l'impression. En vrai, j'ai beaucoup de pièces. Est-ce que j'achète un truc pour la finale? J'aurais envie d'acheter un ballon, ça peut être très cheaté un ballon pour la finale. Je sais pas. Non, je vais laisser une chance aux abonnés. Mais attends, attends, ils sont pas beaucoup qualifs là, Kota, il va pas être qualif. Il y a eu des éliminés là, attendez, regardez, il y a des éliminés là. Le mode n'est pas fini. Oh, Kota, il est qualif. Ok, deux autres qualifs. On n'est pas beaucoup de qualifs en fait là, il y a eu beaucoup d'éliminés, j'ai l'impression. Oui, j'ai déjà testé la map, elle est trop bien. Merci beaucoup Cédric pour ton message, ça fait plaisir. Tu régales, frérot. Oh. What? Il m'a donné combien? What? Comment ça, j'en ai 1000? Mais il a trop un glitch, c'est pas possible. What? Mais mec, j'ai pouvoir l'acheter d'XP à l'infini avec... Mais attends, mais 1000? Ah ouais, il m'a mis bien. On est drop, les gars. Oh, c'est la finale. Il y en a un qui va gagner 1000 V-Bucks parmi vous, les gars. Il y en a un qui va gagner des V-Bucks. Allez les gars, ça se passe avec un arc les gars, c'est l'arc. C'est l'arc les gars, c'est l'arc dans votre inventaire. Je vous le dis parce que je vois courir comme des fous là. Allez, tu tombes frérot. Oh, contre John Cena. Oh, il a un skin en plus, lui ça te voit, il a séché la map. Ah, je fais tomber Kota. Let's go, j'ai fait tomber Kota, il va pas gagner les V-Bucks. Kota, il gagnera pas les V-Bucks. Allez, toi non plus. Moi je suis au-dessus les gars. Bon allez, je joue le jeu les gars, je descends avec les abonnés, allez. Je joue le jeu les gars, je suis fun. Allez hop là, moi je suis fun, je suis quelqu'un de fun. D'ailleurs les gars, si vous tombez, vous pouvez vous rattraper hein. Avec l'escalade, vous avez une chance de vous rattraper. Il est fort lui. Oh. Oh, le tricheur il se met là. Oh, il est tombé, je suis tout seul au-dessus. Mais ils sont pas doués là. Je vais tuer Kota. Non, il est pas... Attends, je vais focus Kota. Tête de homme, il gagne pas. Il court. Oh, non. Oh, j'ai failli me faire tomber. Et Kota, let's go, j'ai tué Kota, le chat, let's go. Let's go, max de GG les refs. Un max de GG. Oh, j'ai gagné. Oh. What? J'ai gagné les gars. Oh non les gars, mais... Je suis désolé. C'est bon, je te bloque, Kota, il a pété le seum. Oh bah non, mais les gars, c'est trop haut. En fait, on est drop, les gars, moi je suis vraiment fort dans ce mode de jeu. Je suis vraiment fort. Non, mais je pensais qu'il y avait un abonné qui était encore au-dessus ou genre qui allait me faire tomber là. Bon bah, GG les gars, GG à moi. Par contre, j'ai pas été TP. Ça, par contre, faut que je corrige ça. C'est pas pourquoi j'ai pas été TP, mais bon, c'est pas grave. C'est bah, du coup, je suis quand même le dernier en vie car plus personne tire. Mais what the fuck. Bon bah, les gars, GG à vous. On refera ça. Bah, du coup, les 1000 bucks seront remis en jeu. La prochaine fois, on refera du Stumble Guys et il y aura encore 1000 bucks à gagner. Parce que on a fait une game où il y a eu un gagnant. Mais deuxième game, il n'y a pas de gagnant, les gars. Et honnêtement, les gars, heureusement que j'ai fait tomber Kota. Parce que si je l'aurais pas fait tomber, Kota, il est vraiment un tryharder sur le jeu. Et je pense qu'il aurait pu gagner. Donc je suis content d'avoir focus Kota. Bon, du coup, les gars, j'espère que vous avez kiffé. Les 1000 bucks seront remis la prochaine fois. Les gars, ça va être plutôt cool. Ah, je suis mort, les gars, mec. J'aurais pas cru gagner. C'est pas grave, les abonnés. Au moins, vous avez le temps de train la map. Comme ça, prochain stream, les abos fidèles, vous allez pouvoir d'être ça, quoi. Vous allez pouvoir d'être ça de fou. Hop. Je vais regarder si j'avais pas autre chose de prévu, les gars. Mais normalement, on va se laisser là pour ce stream. On a fait tous nos défis, les gars. Donc, c'était le plus important. Moi, les gars, j'étais clairement là pour faire tous mes défis. C'est exact. Ah, bah attends, je suis toujours en public. On a fait tous nos défis. Je vous conseille d'être à jour dans vos défis Dragon Ball car ça va passer vite. Et en plus, il y a un planeur gratuit à obtenir. Donc, faites bien vos défis. Je vous remercie toutes celles et ceux qui mettent le petit code PJP. N'oubliez pas que toutes les maps sont en description. Il n'y a pas que deux maps. Là, aujourd'hui, on a joué à deux maps. Mais il y a plein d'autres maps que j'ai fait avec la team de mappeurs. Donc, si vous voulez jouer à toutes les autres maps, tous les codes sont en description du live. Vous pouvez d'ailleurs toutes les mettre en favori. Enfin. Si vous les aimez bien, bien sûr, vous pouvez les tester. Et si vous kiffez la map, vous la mettez en favori.
Et comme ça, vous pouvez tout simplement retrouver les maps assez facilement. Donc ça fait plaisir. Je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir regardé ce stream. On se capte demain pour une nouvelle vidéo. Je le répète, il y a une vidéo tous les jours. C'était Power. Bye bye.